Bonjour, bienvenue dans cet épisode numéro 3 de Game of Thrones Mademoiselle. Je suis avec mon équipe préférée. Ah, oh, ouais. Mademoiselle. On le savait, mais c'est bien que tu le dises aux autres. Voilà, c'est bien. Et elle va parler distinctement parce qu'on a des nouveaux micros qui sont nickel, mais il faut parler très fort dedans. Bonjour. Aïda, non, Mimi. Ok, c'est la blague, okay. C'est la blague récurrente. Vous voyez, Mimi, les personnes préférées de Fibre Tigre, c'est comme ça qu'ils vous traitent. Imaginez les gens qui l'aiment pas, du coup. Bonjour Fibre Tigre, comment ouais. vas-tu? Eh bien, écoute, ça va. En fait, j'aime bien Aïda parce qu'elle croit en l'astrologie, mais pas c'est toi. Vrai. C'est une de mes meilleures qualités qu'on a eues. Par contre, je confirme que je n'y crois pas. Et elle était là la dernière fois en plus, donc c'est pour ça que voilà. Mais d'accord. Mais non, non. Et tu vas bien, Mimi? Ça va très bien. Ouais, vas-y. Oui, j'ai un petit message à faire passer ce soir. Je voudrais envoyer un grand shout-out à Marie, que vous avez beaucoup vue sur notre yes, chaîne Twitch et qui est en régie pendant Game of Thrones depuis le début, puisqu'il se trouve que c'est sa dernière semaine chez Mademoiselle et son dernier Game of Thrones qu'elle fait avec nous. Elle va vivre de belles aventures, notamment sur Twitch. Retrouvez-la sur Twitter et sur Instagram et sur Twitch pour la suivre après. Mais voilà, on l'embrasse et merci beaucoup Marie d'avoir rendu Game of Thrones Mademoiselle possible après des années, encore une fois, de harcèlement moral de ma part. On y est arrivé. Merci Marie. Bisous, Marie, on t'aime. Oui. Merci Marie pour toutes ces années ensemble. Mimi, on m'a dit que non seulement tu t'es levée à 6h du matin en faisant un petit footing et en écoutant Eyes of the Tiger, mais en plus que tu as révisé comme une folle toutes tes notes, c'est ça ou pas? Alors, pour être transparente avec la communauté, j'avais prévu aujourd'hui entre midi et deux de finir de réécouter l'épisode précédent afin d'être sharp, parce que comme j'ai écouté toutes les saisons précédentes, je me suis juré que je ne serais jamais les joueurs branlots qui n'ont pas révisé et qui ne se souviennent plus de la moitié des trucs. Mais tu t'es réveillée à... Il se trouve qu'hier, c'était le pot de départ de Marie, si vous suivez, et que en l'honneur d'Isabeau de Cresserel, j'ai décidé de faire comme elle a fait dans le précédent épisode et de boire. Et du coup, j'ai la gueule de bois était présente, je n'avais pas de potion contre ça. Donc, Et tu es tombée enceinte quand même ou pas? Alors non, je ne suis pas tombée enceinte, donc ma soirée est quand même mieux que la tienne. Super. Et j'ai donc végété sous un plaid en gémissant au lieu de regarder la fin de l'épisode. Donc je suis un peu larguée, mais mes coéquipières m'ont rattrapée. Tout va bien se passer. Les meilleures aventures sont celles qu'on n'a pas préparées. Je sens le poids du regard de Clémence sur moi. Aïda, comment ça va? Ça va très bien. T'es motivée? Très motivée, même si j'ai passé un peu la même journée que Mimi, puisque j'étais au même endroit qu'elle hier, à savoir le pot de départ, voilà. Que j'ai fait comme elle et comme de Isabeau. D'accord. C'était une journée difficile, mais c'était une journée qui se termine très bien. Donc voilà, bien. Très bien, suave got. Alix, ça va? Ah ouais. Ça y est. Alors moi j'étais aussi au pot de départ, mais moi j'ai pas bu, car je suis sous antibiotiques. Pourquoi tu es enceinte? Je suis enceinte. Et est-ce que tu vas avoir le temps aujourd'hui? Deux. D'accord, c'était une blague par rapport à ce que t'as fait la dernière fois. C'est pas grave, tout le monde se meurt, les viewers, tout le monde est au courant, sauf toi, c'est très bien. J'ai compris, avoir le temps, mais tu vas réussir à voir le temps. C'est le projet. C'est la quête. C'est le projet, sinon je verrai des gens en lapin. Non, en carotte. Je te repose la question que je t'ai posée pendant le générique. Oui. Si ton enfant est destiné à être un roi, ouais. Est-ce que tu le gardes? En fait, j'ai dit non. J'ai dit non parce que flemme, vraiment flemme. En tant que co-aventurière, en fait, j'approuve cette décision. En fait, je me dis... Peut-être que si c'est un gars ou une meuf stylée qui m'emmerde pas trop, tu vois, genre qui reste derrière, qui est quelqu'un de très calme et... C'est les trois premières années, ça va être compliqué. Voilà. Vous voyez la tête de Clémence à côté ou pas? Il ne croit à rien de ce qui se passe. Mais si, s'il est calme, ça va, mais non, ça t'embête pas trop. Oui, en fait, moi, j'ai le goût de l'aventure. J'ai le goût de l'aventure. Donc, ça, c'est une sacrée aventure, la parentalité. Hein, exactement. Toi. D'aucuns disent que c'est la plus grande. Voilà. Très bien. Donc on sait pas. Et je me tourne vers Clémence qui a un enfant IRL qui sera peut-être destiné à être un roi. Voilà. T'as un conseil pour les futures mamans qui est à côté de toi? Dors dès maintenant. Prends beaucoup d'avance. Voilà. Et alors, surprise, on m'a dit que tu n'avais pas trop bien révisé. Alors là, ce n'est pas une blague, ce n'est pas ironique, tu n'as pas trop révisé tes notes. Non, pas trop, parce que en fait, la crèche est fermée. Donc, je suis en télétravail plus enfant à garder. Et c'est compliqué. Mais alors, je me tourne vers tes compagnons de route, tes compagnes de route. Est-ce que tu es du genre à être la meuf qui sort de l'examen de maths, qui a dit j'ai tout raté et qui a 20 quand même? Mais j'ai rien raté, mais j'ai fait quelques trucs. D'accord. T'as pas révisé, j'ai pas révisé. À mon avis, tu vas t'en sortir beaucoup mieux que moi. Bon, alors effectivement, en régie, on a Bao
avec Marie encore. C'est la dernière fois qu'on est ensemble. Voilà, Bao ensuite va faire le lien technique. Je ne sais pas si c'est des projets pour qu'il y ait une nouvelle Marie. Il y a des choses qui se passent. Voilà, il y a une annonce. On a recruté, n'est-ce pas ? Mais je dois vous dire qu'on va peut-être un petit peu transpirer, Bao et moi. Alors, Bao, ce n'est pas un être humain, c'est une régie. Voilà. C'est comme quand entreprise. Je dis, voilà. Exactement. On va peut-être transpirer, Bao et moi, pour les deux prochains épisodes. Mais après, on aura quelqu'un d'autre qui... Voilà, qui va la nouvelle Marie. En tout cas, si je vous êtes déjà très nombreux à se baisser, et je vous remercie, ça me permet d'aller pleurer devant la direction de Mademoiselle, leur dire s'il vous plaît, retenez l'émission, faites-la, regardez, on gagne de l'argent. Voilà. Et donc, si vous se baisser, non seulement vous deviendrez, je ne sais pas, peut-être. L'enfant. L'enfant. Oh, l'enfant. Mon enfant, c'est vrai qu'on avorte cet enfant. J'ai l'impression qu'on était d'accord. Et là, il est en train de semer la zizanie. Hein. Non, mais voilà. Si on dit aux gens que s'ils sont beaucoup à se baisser, Alix garde l'enfant et qu'il y en a un qui peut devenir son enfant. Ça peut faire plein de monde sur la chaîne, tu vois. Qui veut devenir l'enfant d'Alix, voilà. Qui veut devenir mon enfant. Et également, il y a deux cadeaux aujourd'hui. Et c'est des très beaux cadeaux. Et je dois vous dire que je suis très jaloux déjà du premier. C'est Alice au pays des cauchemars. C'est un livre dont vous êtes le héros dans le monde d'Alice au pays des merveilles. Il est écrit par Jonathan Green, qui est un immense auteur de livres dont vous êtes le héros. C'est d'ailleurs quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Il y a des vraies illustrations magnifiques. Voilà. Et donc, c'est... Ce sera pour vous et donc pas pour moi, donc je pleure d'avance. Putain, ça a ouvert exactement à la page où c'était vas-y, la couverture. Tiens, tu peux regarder. Incroyable. Et également, c'est envoyé par Dracou. Ça s'appelle le Grimoire d'Elfie. Alors, c'est pas du tout aussi girly que ça en a l'air, et je le donne pas là. C'est un magnifique BD. Vraiment, elle est superbe et il y a plein d'histoires dedans, tout ça. C'est un très très bel, très très bel ouvrage. Et donc, c'est à gagner. Avec ça, tirer au sort parmi les gens qui auront ce B ce soir et peut-être ton futur enfant. Ouais. Peut-être mon enfant se cache parmi vous. Alors, vous avez déjà eu le générique, donc on ne va pas le refaire. Par contre, je vais vous raconter une très belle histoire, mais ça va durer 30 secondes. Figurez-vous que d'habitude, c'est Mimi qui fait le récap. Et quelqu'un de la commu, que je ne connais pas mais que je remercie, a envoyé d'elle-même un récap. Elle a fait un récap, voilà. Donc c'est très très bien. Tu peux pas savoir à quel point tu nous aides parce que déjà tu me fais gagner beaucoup de temps, mais en plus tu vas pouvoir, on va dire, rappeler aux gens autour de la table, voilà. C'est-à-dire que tu connais mieux l'histoire qu'elle. Donc on va voir l'histoire en même temps. Elle va nous la raconter et juste après on recommence l'aventure. Donc la régie, vous pouvez envoyer le récap. Précédemment dans Game of Thrones, Mademoiselle. Nos quatre héroïnes, Suave Gott, l'apprentie Valkyrie, Isabeau de Cresserelle, la jeune fauconnière, Louise Wichel, l'érudite magicienne, et Salma Kasmi, l'espionne mystérieuse, sont en route vers la cité du savoir pour sauver la scolarité d'Ace of Glad, de laquelle dépendrait le royaume du seigneur Fig Jambon, selon une voyante. C'est vraiment un petit con. Après une étape dans le petit village de Birkanda, qui mélangeait griffon misanthrope, colline escarpée, chèvre adorable et surtout création d'une attraction touristique, c'est le Griffon. Nos quatre aventurières sont arrivées à la Cité du Savoir, où, lors d'une fête à la magicienne joyeuse, elles ont appris qu'Ace of Glad était beaucoup plus intéressée par l'alcool, les fêtes, et surtout Simrune, une jeune femme qui ressemble beaucoup à Suave, que par les études. Après cette nuit de folie, nos aventurières arrivent enfin à l'académie, et armées de leur passe visiteur, essaient, avec plus ou moins de succès, de sauver les meubles pour les notes d'Ace of Glad. Entre-temps, elle rencontre le doyen Everius, qui n'a que faire de leur mission. Après mûre réflexion, elle décide de suivre l'adage « Connais ton ennemi » et Isabeau devient amie avec Simrune, qui semble plus encline à discuter potin grâce à de l'alcool de mouette. Grâce à ce stratagème, les aventurières apprennent la vérité. Simrune n'est qu'un sycophante, une délatrice qui gagne sa croûte en dénonçant les étudiants non assidus. Après cette révélation, nos aventurières rencontre Ace of Glad, leur explique qu'il faut qu'il ait absolument son année, et ce dernier leur répond simplement qu'il va tricher pour l'avoir. Est-ce qu'Isabeau va devoir annoncer une bonne nouvelle à tout le monde ? Louise va-t-elle s'inscrire en candidat libre et avoir son diplôme ? Suave gagnera-t-elle un autre morceau d'armure ? Salma va-t-elle réussir à voler des artefacts de l'académie et ramener des touristes à Birkanda ? Vous le saurez dans ce prochain épisode de Game of Thrones. On est sur toutes nos intrigues. C'est trop bien. Et voilà. Nous, sans transition, nous reprenons l'aventure. Merci beaucoup. Merci. J'ai même pas son nom, je suis désolée, mais je le remercierai de vive voix. Je ferai des everyone, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, Maëva, merci beaucoup. Son prénom. Ah, c'est Maëva. Ouais. Merci, d'accord. Maëva. Merci Maëva, super c'était job. Si bien.
Isabeau est avec Simrune. Ouais. Elle a fini un peu la conversation, était en train de rejoindre tes amis qui sont dans les dortoirs bleus, le dortoir des riches, des mus kappa nus. Vous étiez en train on s'était terminé une fois de plus sur un cliffhanger. Et Sauveglade vous a dit, j'ai un plan infaillible pour réussir aux examens. Alors que les examens sont à la fin de la semaine. Bon, il a déjà, grâce à Isabeau, un A en alchimie. Ouais, mais à part incroyable. Ça, il était un peu nul partout. Et il vous dit, ben voilà, il y a une prof... Une prof, une assistante qui s'appelle Yen Sidia. Elle craque un peu pour moi. J'ai réussi un peu à l'embobiner et elle m'a dit où se trouvaient toutes les questions et toutes les réponses de l'examen. Donc si vous les récupérez pour moi et vous allez le faire parce que vous êtes les serviteurs de mon père, eh bien vous me ramenez ça. Je les apprends par cœur et ensuite je passe les examens et vous avez réussi votre mission et mon père vous récompensera comme il se doit. Ça vous va ? C'est où du coup ces examens? C'est toutes les questions de toutes les matières, c'est ça? Alors, dis-nous, la régie a un message à me dire. Dis-moi, la régie, qu'est-ce qui se passe? Quoi? D'accord, pas de problème, je fais attention. Alors, où est-ce qu'ils sont volables du coup? Ils sont dans l'endroit effectivement le mieux gardé de l'université. C'est dans les sous-sols. Le 36e. Étage négatif, donc l'étage moins 36 de la tour du savoir. Et on m'a laissé entendre, Yen Sidia, la professeure, m'a laissé entendre que il y avait des pièges mortels. Oh trois là pièges là. Mortels qui gardent l'endroit où se trouve ce cahier avec les questions et les réponses. Évidemment, c'est normal. Il n'y a rien de plus précieux. Que les questions et les réponses dans l'université n'a pas des pièges mortels dans son sous-sol où on garde les examens. Et magique en plus. Et magique. Cela dit, moi j'y connais rien, mais d'ailleurs je vais devoir aller à la taverne de la magicienne joyeuse pour faire la teuf. Mais une bonne piste pourrait être aller aux prophéties, par exemple. Si vous allez voir la prof de prophétie ou même la prof de, on a une prof genre de droit ou de comment dire, d'administratif. Je suis jamais allé. Donc il y a ces deux profs, elles doivent savoir. Enfin, les prophéties doivent forcer. Si un jour vous êtes amené à découvrir où se trouvent, quels sont les pièges mortels, les prophéties pourront vous dire. Et vous êtes allé là et vous avez découvert ça. Vous voyez ce que je veux dire. Et elle s'appelle comment les profs? C'est Nila la prof de prophétie? C'est la télépathie? Non, c'est elle, la prof de sciences psychiques. Les profs de prophétie, je ne peux pas encore aller. Il dit, j'en ai aucune idée, bah, je vous laisse aller voir. De toute façon, là, il est 19h et il est temps, le soir se couche, il faut que j'y aille. Je vous laisse et il s'en va. Ciao Ace, je t'adore. Mais oui, très bien, Suave. Moi aussi, je t'aime bien. On se voit plus tard. Je vais retrouver Simrune. Samy, je t'aime. On est entre nous, là? Bah, vous pouvez sortir du dortoir ou vous pouvez rester dans le dortoir si vous voulez. Il y a d'autres choses. Juste une petite question, Sauveglade. Est-ce que tu as moyen de nous donner des passes? Parce que notre passe visiteur va s'arrêter et si on pouvait avoir des passes étudiants, ça nous simplifierait de t'aider. Quoi. Tu as, alors bravo Clémence en tant que joueuse. Tu as la mémoire longue, c'est ça? Et Sauveglade, il dit pas du tout. D'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, ça vous pose problème. Je crois qu'il y en a une d'entre vous qui a un passe étudiant. Je crois pas qu'on a réussi. Non, non. Je voulais en avoir un passe taverne, mais on s'est la bibliothécaire nous a filé. Non. Pourquoi on ment pas quand, quand on nous dit des trucs comme ça? Oui, c'est vrai. Oui, on en est honnête. Non, mais donc, il dit ça pose vraiment un problème parce que les passes visiteurs, c'est que 24 heures une fois tous les mois. Bah, désolé, débrouillez-vous. Non, mais toi, tu n'as pas besoin de ton passe. Ah, si, j'ai besoin de mon passe. Magicien joyeux, tu n'en as pas besoin. Et tu veux me le donner pour cette nuit? Oui, on te le rend. On te le rend, ouais. On te le rend. D'accord. On se donne un rendez-vous. Donc, vous, bah, ma table de nuit. Bien qu'on te donne les sujets. Ma table de nuit, 8h du matin. Vous reposez. Ok, parfait. Ok. Et t'as pas des copains qui pourraient nous en prêter? Tous les mucas pas nus? Non, je garde ça. Je suis désolé. Non, il me fait mal aux oreilles. La régie veut que je change de masque, mais non. Je te promets, je ne touche plus à ça. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Viens, la régie, dis-moi. C'est pas grave. La régie a un problème. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? La barbe à l'intérieur. Ouais, la barbe un peu, ouais. Ouais. Mais. Ouais. Je suis désolé. Alors. Et t'as pas d'autres membres des Mukapanu qui seront avec toi à la soirée et qui pourraient nous prêter des badges? Comme ça, on en a quatre, on peut rester toute la nuit. Ils s'en rendront pas compte, franchement. Écoutez, vous en demandez beaucoup là, et il s'en va. Et lui, il nous en demande pas beaucoup. Voilà. Ok. Ah, il s'est barré. Y a d'autres gens dans les dortoirs? Tu peux demander à ta pote Simrune?
Ah ouais. Mais non, elle est le poucave à la préfète. Ah, faut oui. pas qu'on lui dise qu'on va voler des... J'avoue. C'est Est-ce qu'il y a des gens dans les dortoirs? Oui, tu rencontres H.D. Dune. H.D. Dune. H.D. Dune, ouais, c'est un... Il dit, hey, salut les filles. Salut H.D. Dune, on a un devoir de prophétie là à rendre bientôt. Est-ce que tu peux nous rappeler où trouver la prof le soir? La prof de prophétie? Ouais. Ouais. Ah bah, j'en sais rien, il faut... Non, allez-y en journée. Ok. Mais les profs, ils vivent pas sur le campus? Bah, les cours de prophétie, alors moi j'y suis allé deux fois. C'est pas vraiment des cours, hein, c'est surtout des exercices pratiques. Ok. Et les profs vivent pas sur le campus? Si, il doit avoir une maison dans la cité universitaire. Ok. On sait pas comment elle s'appelle. Tu peux nous rappeler, c'est où le cours de prophétie? C'est au cinquième étage. Dernier étage. Cinquième étage. Ah bon? Ça, c'est l'eau. C'est presque tout en haut. Ok. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre veut demander un truc à HD Dune? Est-ce que... Vous voulez pas parler à HD Dune et moi je lui vole son... Est-ce qu'il a son médaillon? Est-ce que je peux faire perception pour savoir s'il a son médaillon sur lui? Oui, il a son médaillon en évidence, tout à fait. Oh là là, ça m'aurait arrangé qu'il l'ait laissé traîner sur son canapé. Non, mais par contre, on peut traîner un peu dans les chambres, voir s'il y en a pas qui sont en train de se doucher ou je sais pas quoi, et il leur reste leur badge. Ouais. Fais-moi un jeu de perception. Sachant qu'on a une cape aussi. Moi, je dois avoir une cape qui ressemble t'as une tenue d'étudiant. D'étudiant ? Ok. Alors, effectivement, il n'y a pas de douche en interne, mais tu vois un étudiant qui est très studieux, qui est en train d'apprendre et tout. Et il est penché sur un livre, il s'appelle Parabench. Et il est en train de réviser, il dit mentalement des choses, il dit « je vais être le premier, je vais avoir des bonnes notes ». C'est le livre qui s'appelle Parabench ? Non, c'est l'étudiant qui s'appelle Parabench. C'est un nom courant, et... Parabench. Ouais, c'était pas des gens, village. C'est des gens qui, tous les mois, ils donnent leur petit sub. En tout cas, Parabench, il a déposé son médaillon en argent à côté de lui parce qu'il est un peu lourd. Voilà. Donc il est là, et le médaillon est juste là. Ok, il faudrait quelqu'un le distrait, et après moi je peux essayer de le voler. Moi je peux peut-être le distraire. C'est qui a le plus de charisme pour le draguer? Alors, combien? Moi j'ai 40. J'ai 50. C'est pas ouf. La régie, il y a toujours des bruits ou pas? Ça va? Ok. Moi j'ai 40, c'est pas incroyable. Moi j'ai 50. Quoi, moi j'ai 70, mais bon, il faut que je vole quoi. Mais il n'y a pas quelqu'un qui veut le faire et voler en même temps? Bah le distraire. Le distraire. De quelle façon? C'est quoi ta stratégie? Et je te dirai quoi lancer. Vas-y Zabo, ouais. Vas-y gamine. Est-ce que je me ferais pas passer un peu pour une folle qui parle aux animaux par exemple Mais tu penses que tu tiendras le rôle? J'y arriverais, mais... Et je me dis, je pourrais peut-être lui expliquer un peu comment je parle aux animaux et il serait très mal à l'aise et il me regarderait droit dans les yeux. Donc vas-y. Tu vas bien de l'autre côté de lui où il n'y a pas son médaillon. Tu rentres dans la chambre, c'est ça? Ouais. Alors tu rentres dans la chambre et il dit, vous vous êtes perdu? Quelle année? Je dis non, je... T'es en quelle année? Deuxième. Ah, tu pourrais m'aider, j'ai un problème sur les paradoxes temporels des cours de voyage dans le temps, ça te dirait? Alors, moi j'ai toute une théorie à propos de voir le temps que je suis en train de développer. Vraiment? Mais en fait, en vérité, ce que je recherche, c'est une souris. Je cherche ma souris que j'ai perdue, elle m'a dit qu'elle était ici. Il y a un rapport avec le voyage dans le temps ou pas? Tout à fait, car je m'entraîne sur cette souris pour la faire voyager. Peut-être qu'elle est dans le futur? Mais en fait, c'est pour ça que je la cherche. Est-ce que tu pourrais m'aider à la chercher? Parce que vraiment, là, je... Bah, si elle est dans le futur, il y a juste à attendre qu'elle apparaisse. Oui, non, ou alors, nous, il faut qu'on se déplace dans le futur, en fait, c'est tout un truc. Là, actuellement, on se déplace dans le futur à la vitesse de 1 seconde par seconde. Exactement, et moi, j'aimerais passer à la vitesse de 2 secondes pour 1 seconde, et donc voilà. Et pour mais cela, tu penses que c'est possible? Bah, moi, c'est un truc que je teste, ouais. Et du coup, la souris, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup... Tu peux me faire voyager dans le futur? Bah oui, je pense, ouais. Et alors, tu fais comment? Eh ben, en fait, il faut te concentrer très très fort. Genre, ferme les yeux très 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 fort. Alors, il ferme les yeux, il retient un peu sa respiration. Retiens ta respiration. Vas-y, vas-y. Chope le truc. Tu vois un truc? Bah, je vole son médaillon. Ouais. Bon, bah, t'as vol ou pas? Voler. Oui, j'ai discrétion, j'ai 70. Vas-y, 70. Allez, faut pas que je le rate. Ah, je voyage dans le futur et tout. 10. Pendant ce temps, elle subtilise le médaillon. Il dit, je dois rester encore longtemps, les yeux fermés. Quoi? Et en fait, je ne réponds pas. Et il ouvre les yeux. Alors, il ouvre les yeux et il dit... Et on a disparu. Et donc c'est-à-dire, je voyage dans le futur? Ah bah oui, bien sûr. T'as attendu combien de temps?
Bah là, ça fait au moins une heure ou deux. Vraiment, on dirait que t'as pas bougé d'un millimètre. Oui, parce que je suis partie faire ma toilette et tout, je suis revenue. D'accord, et t'as fait comment alors pour me... Parce que j'ai pas entendu de formule magique ou de... Ah non, mais tout se passe dans ta tête, en fait. C'est de la méditation. Je t'expliquerai si tu veux demain, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous où ? Bah, on pourrait se retrouver au cours de voyage temporel ? Ouais, tout à fait. Vas-y, on se retrouve là-bas. 10h, d'accord ? 10h au cours de voyage temporel. Ça marche. J'avais bien fait. Il replonge dans son livre. Le note en mode on va y aller, on lui a donné rendez-vous quand même à jeune homme. Vous avez deux médaillons. Incroyable, déjà la moitié, c'est fou ou pas ? Ouais. Bon, c'est peut-être pas mal déjà, parce qu'en vrai, nos médaillons sont valables encore un peu. Hein. Ouais. Oui, on peut garder jusqu'à minuit. Non, pas, c'est jusqu'à quelle heure ? Ah, c'est jusqu'à minuit ? Jusqu'à minuit. Et d'ailleurs, vous avez passé une journée assez longue et vous commencez à fatiguer. Il va falloir quand même dormir cette nuit, sinon vous aurez des malus sur tous vos jets. Alors, je réitère mon idée de l'épisode précédent qu'on n'avait pas voulu tester. On va dans une taverne pas chère, on voit les gens bourrés qui ne font pas trop attention à leurs affaires et on essaye de piquer un médaillon dans une cape qui traîne ou quoi. Je propose qu'on change de taverne. On a déjà fait la magicienne joyeuse. Oui, parce qu'en plus, il y avait un videur et tout, et à mon avis, on n'est plus les bienvenus. Isabeau, ça va, je pense. Moi, je me suis embrouillée partout. Je pense qu'ils veulent pas que je revienne. Donc, une taverne pas chère. Voudriez-vous Tu connais ça, toi qui es-tu ? Vous étiez dans quel hôtel ? Vous n'avez pas pris d'hôtel ? Si, le Hibou Malin. Ah, bah, juste en face du Hibou Malin. Donc, revenez au Hibou Malin. Tout à fait, avec le serveur. L'employé étudiant, là. Et en face, en face du Hibou Malin, il est quand même assez tard, il commence à être 9h du soir, sur une taverne qui s'appelle la taverne de la Fiole Pleine, qui n'est pas si pleine que ça, finalement, la taverne. Et elle est ouverte, elle est éclairée. Il y a quelques gens dedans. Que faites-vous ? Okay. Est-ce qu'on a un plan ? Est-ce qu'il faudrait qu'on... Eh bien, moi, je pense que ce qu'on devrait faire, c'est parler aux gens de Birkanda, pendant qu'on subtilise des passes. Oui, très bien. Ouais. Ça, deux en un, et excellent. Très bon. Allez. Mais est-ce qu'il est, il est pas un peu tôt, là ? Les gens, ils sont peut-être pas encore bourrés. Est-ce que les gens ont l'air bourrés Il faut rentrer dans la taverne, vous y rentrez ou pas ? Oui, on rentre. Mmh. Il va se passer un truc. Oui, bien sûr, toutes les tavernes, il a beaucoup bossé. Hein. Donc, il va se passer. Vous allez presque aux limites de la cité universitaire, par là où vous êtes venus. La taverne de la Fiole Pleine est un bistrot à étage, tout en hauteur, coincé entre une boulangerie et un vendeur de chapeaux. Wow. Pas mal. En plein jour, vous êtes passé devant, la plupart des tables sont occupées par une clientèle raffinée plutôt, buvant du thé et mangeant des petits biscuits, dans une ambiance chaleureuse, tamisée. Pourtant, là, il est tard et il y a la clameur d'une grande fête. Oh. Elle est à l'étage, cette fête. Cependant, quand vous rentrez, Louise Witchell est tétanisée de voir qu'en face d'elle se trouve... Alors, on lui avait pas donné de nom à ta némésis ? Non. Alors... on va l'appeler blablabla Moena. Donc Moena, ton ancienne acolyte, au temps où tu étais là, est devenue serveuse. Elle est serveuse. Croisement de regard, elle te dit on se parle plus tard. Vous voulez une table ? Oui. Ouais. Une table. Vous vous asseyez à une table. Pour une pièce d'or, vous avez à boire toutes les quatre. Bah go, hein. Bah oui, de toute façon, il faut qu'on se fonde dans le décor. Ouais. Qui paye ? Pas moi. Eddie Mitchell, elle a plein d'argent. Ouais. Ouais, je pense que t'es la plus riche. Ok, allez, je peux payer une pièce d'or. Ouais, merci Eddie. Alors, Moena vous sert, vous fait un petit sourire, et puis finalement elle s'assied à la table avec vous, elle a aussi de quoi à boire pour elle. Ben alors, t'es de retour ? Ça détonne ? Bah écoute, moi je bois ma bière, genre ouais, yes. Grave. On est comme ça. Oui, écoute, je sais qu'on s'est pas quitté dans les meilleurs termes. Pas dans les meilleurs termes, tu plaisantes. Tu viens de venger, c'est ça ? Parce que je t'ai harti, je sais en découdre. Moi je connais de la magie et je sais me battre aussi. Je ne viens pas me venger. Ah, c'est bien, voilà des paroles que je voulais entendre, donc on peut s'entraider. Je viens te demander de l'aide car tu m'en dois une. J'adore ça, très bien. Je t'en dois une, bah oui, vas-y, demande-moi, qu'est-ce que tu veux ? On cherche des badges pour accéder à l'université. Ah, j'en étais sûr. Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette université ? Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que... Elle sonde un peu. Tiens, je te regarde, Mimi, tiens, par exemple. Est-ce que tu as l'air coupable ? Vous avez l'air d'être très coupable, pourtant. Coupable ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Tu veux reprendre des cours, c'est ça ? Non, c'est bon. Je suis passée à autre chose. Maintenant, je travaille pour le seigneur Fic Jambon. D'accord. Très bien. Bon, mais moi, je travaille toujours pour l'Académie Noire. Donc, ouais, pour être serveuse aussi. Oui, alors, t'as l'air de travailler dans un bar, pour le travail. Bref. Sauf si c'est pour le plaisir, hein, peut-être. Non. Peut-être un bar, l'Académie Noire. Hein. Tu veux des badges, c'est ça plus. Vous en voulez 4, c'est ça ? C'est ça. 4 ? Ok. Non, est-ce que vous en avez au moins un, déjà ? On va garder plus longtemps. On en a un. Vous en avez un ? Alors, j'en ai pas. Par contre, je sais qui en aurait. Ah.
il y a deux personnes qui pourraient être deux moyens. Déjà, à l'étage, il y a une soirée des Kappa Kappa. Excusez-moi, des Kappa Kappa Gamma. C'est une sororité. C'est une fête qui a l'air. Et il y a plein de garçons qui sont montés. Je crois que c'est très chaud. Donc, à mon avis, il y a moyen. Sinon, si vous avez au moins un médaillon et que vous avez un petit peu d'argent, je connais un forgeron de là. Il est dans la cité universitaire avec lequel on se rend service parfois et on peut. Comment dire ? Vu qu'il me connaît, il pourrait éventuellement accepter de vous faire défaut. Voilà. Comment il s'appelle ? Elle est sympa, elle. Le forgeron s'appelle El Pouillou. Et toi, tu voudrais m'aider ? Dis-moi. Alors, à l'époque, quand on était... il y avait cette surveillante affreuse qui s'appelle Ingvild. Elle est toujours là. Ouais, elle est toujours là, elle n'a pas changé. Et elle mène la vie dure et j'ai envie de lui faire un sale coup parce que je la déteste et de montrer que l'Académie Noire est encore en vie et c'est que l'Académie Noire t'attend. Hein. Donc, j'avais le projet de lui voler sa dague. Elle a une dague rituelle. Et il se trouve que j'ai été doublé. Oh. Donc, il y a un autre élève, je soupçonne d'ailleurs une Kappa Kappa Gamma, qui a volé la dague et j'aimerais la récupérer. Pour faire des choses avec. Donc si tu l'as, sache que l'Académie Noire te sera reconnaissante. Tu sais à quoi elle ressemble, cette personne qui aurait volé la dague ? Je sais que c'est... en fait, c'est une fille de première année qui n'arrivait pas du tout à s'intégrer, qui... comment dire ? Qui voulait absolument impressionner les Kappa Kappa Gamma, qui sont la grosse sororité, qui a fait ça. D'ailleurs, qu'elle n'a pas fait seule, elle s'est associée avec un gars. Et voilà, après, elle doit encore la voir parce que c'est quand même, comment dire, c'est assez dangereux ce type de choses. Voilà. Ok. La régie est un tout petit peu moins fort, le son, merci. Ouais. Ok, et la dague, elle ressemble à quoi ? Alors, elle te parle d'une dague qui s'appelle la dague des miséricordieux. C'est une dague qui est rituelle, qui est noire, qui est. Quand on voit que c'est une dague vénère. Ok. Est-ce que, Moena, tu sais si je suis encore recherchée ici ? Tout à fait. D'ailleurs, je crois que tu t'es un peu masquée, toi, non ? Oui, j'ai ma cape. Mitchell. On m'appelle Eddie Mitchell, ouais. Oui, ouais. Disons que t'as bien reconnu, Zabou. On m'appelle Eddie Mitchell. Si tu croises Ingvild, c'est sûr qu'elle va te reconnaître sur le coup, même si tu as, comme moi, même si t'as un déguisement. Maintenant, effectivement, tant que tu n'es pas à visage découvert, c'était relativement discrète. Il y a beaucoup d'élèves de première année, deuxième année. Voilà. Les profs ont presque tous changé depuis. Donc, voilà. Ok, dernière question. Est-ce que tu sais des choses sur les sous-sols de l'université, notamment sur des pièges qui pourraient s'y trouver ? Je pense qu'en tant que membre de l'Académie Noire, tu dois être au courant du genre de magie qui se trame. Je commence à voir un petit peu pourquoi vous êtes là. Donc je sais que ça regorge de trésors d'une puissance incroyable. Surtout plus on descend, plus les trésors magiques sont incroyables. Ça descend jusqu'où ? Et je pense... Je sais pas, au-delà de 30 étages, on m'a dit. Mais on m'a dit aussi qu'il y avait des pièges mortels. Je sais de source sûre qu'il y a au moins 3 pièges. Et je sais que le premier piège, parce que je n'ai pas pu aller plus loin. Donc en fait, vous allez dans la tour du savoir. Il y a un sous-sol. Vous entrez et là, il y a une porte avec une serrure, pas de poignée. Donc il faut la clé pour cette serrure. Sinon. Il y a une alarme qui s'enclenche et tous les automates de Kniga qui sont sur l'université viennent vous chercher. Ouh là là, les automates, souviens. Que j'ai déjà vu. Tout à fait. Ah oui. Donc, il faut trouver la clé. Je dirais à vue de nez, soit aller chez le doyen Everius. Bah non, mais Noïs est sur Idla. Soit. Qu'est-ce que ça ? Noïs. Est-ce que les profs pourront en avoir ? Il n'y a qu'une clé ou il y a. Il y a peut-être la prof. Une personne qui pourrait savoir ça. La prof, il y a des cours artefacts et objets magiques. Et forcément, c'est une serrure magique, donc elle doit, enfin, si elle n'a pas la clé, elle doit savoir. Ok.
Et c'est tout ce que tu sais, ouais, sur les sous-sols. Bah, si tu veux, je peux me renseigner, mais à ce moment-là, il faudra me donner une petite partie des objets que tu vas ramasser au sous-sol. Bah, on sait pas encore ce qu'on va ramasser, mais... Bah, moi, je dis go, hein. On sait pas encore ce qu'on va ramasser, et... Elle saura pas ce qu'on a ramassé. Voilà. Je veux dire, personne ne sait ce qu'on va y trouver, donc on lui ramènera un truc. Une carte postale, quoi. Une souris. On lui ramènera un t-shirt qui dit j'étais au 36e étage et j'ai eu que ce t-shirt. Si ça vous intéresse, El Puyou, sa forge s'appelle les marteaux magiques. Très bien. Il ouvre à l'aube. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Il est, toute cette discussion et tout ça, vous a pris un peu de temps et il est 10h30. Bah, je pense time to prendre les pintes, aller à l'étage, ouais, voir la soirée et à la fois essayer de trouver l'identité de la Kappa Kappa Gamma qui est à la dague et du mec qui l'a aidé et puis piquer éventuellement des médaillons parce que j'avoue que le truc du forgeron, j'y crois pas trop. Je me dis, il y a moins il y a de gens au courant, mieux c'est. En plus, ça va nous coûter de l'argent. Ouais. Donc là, s'ils sont bourrés et tout, ouais. Après, s'ils le portent tous autour du cou, c'est chiant. Mais je me dis qu'il doit bien en avoir qui ont fait péter le décolleté et qui l'ont mis dans une poche. Donc espérons que la soirée sororité, ça marche bien. Donc Salma décide de monter à l'étage. L'étage de la fiole pleine, loin de l'ambiance policée du rez-de-chaussée où vous avez discuté, la fête bat son plein. Et pourtant, il est tôt, hein. Les Kappa Kappa Gamma, alors pour l'information, Kappa Kappa Gamma, c'est une vraie sororité, je vous l'invite à regarder sur Wikipédia, reconnaissable à leur tenue rose, non, excuse-moi, tenue blanc et or, dansent, gloussent, se disputent et surtout boivent d'impressionnantes quantités d'alcool, surtout pour des premières et deuxième années. Et il y a aussi pas mal de garçons qui sont là et qui sont plus troublés que les filles dans cet écosystème, parce qu'ils sont en large minorité, il doit y avoir 6 ou 7 garçons quand il y a 40 filles. Voilà. Ok. Passe une bonne soirée. Alors pas vraiment. Il y en a. En fait, elles sont un peu entre elles et ils sont un peu là en mode on va rencontrer des filles et en fait ils se retrouvent un peu seuls. Voilà. Ok. Qu'est-ce que vous faites alors du coup vous arrivez avec vos pintes en plus donc ça trinque. Voilà. Vous faites des petits bonjours de passage mais comme vous n'êtes pas des étudiants et qu'elles se connaissent toutes entre elles. Voilà. C'est même elles dorment au même endroit. Voilà. On pourra pas leur faire croire qu'on est. Une membre éloignée de la sororité, quoi. Elles sont pas 2000 non plus. Ouais. Bah moi, j'aimerais bien scanner un peu la pièce et voir s'il n'y a pas quelqu'un de semi-évanoui sur une banquette, qui va vomir. Ou allez, lance... vraiment l'air le plus ivre. Attends, je regarde s'il y a ça. Oui, lance les dés et fais moins de 20. Moins de 20 ? Ouais. Il est tôt, hein, quand même. Pour trouver un mec qui est torché à 10 heures... 0-1, mon gars. Wow. 0-1. 0-1, effectivement. Et la dague. Bon. Alors, on rentre, on a fini à 21h. T'as un étudiant qui s'appelle Bébarbe, qui est vraiment qui est un peu maladroit, qui est troublé, qui vient vers toi, et il est un peu éméché, troublé, tout ce qu'il faut. Et en fait, il te donne dans la main son médaillon et dit « Garde-le pour moi, s'il te plaît, je vais vomir. » Et il va vomir à l'état d'entrée. Magnifique. Et ça, c'est le 0-1, c'est ça, c'est la magie du 0-1. Je note quand même son nom pour la postérité, ouais, merci Bebarbe. Il était ivre, il nous a donné un médaillon. Et bien, 3 sur 4. Écoutez, on en a 3. My job is done. Ouais. Mais il y en a un qu'on est censé rendre demain matin. Bon. Ouais, je pense que là, il faut qu'on se trouve des médaillons qui peuvent nous durer longtemps. Les examens, ils sont dans une semaine, quoi. Bon, on en a 2 déjà. Ok. Ouais. Mais oui, comment on va faire si... Oui, ok. Bon, on en a 3, dont un qu'on est censé rendre. Comment on trouve ? C'est la fête. C'est la fête. Tu vas aller draguer ? Ouais. Bah ouais, c'est comme ça qu'on va choper des médailles. Alors, il y a un garçon... Il y a un garçon bossu et isolé. Il y a un garçon... pour moi, en tout cas. Attends. Le prof de 60 ans, tiens, elle est tout seul. Tiens, on va donner des noms à cette pauvre gens. Donc, il y a Marcel, le bossu et l'isolé. Oh, Marcel. Il y a Vincent, c'est c'est un mec qui est en train de montrer ses muscles pour épater les filles. Et le fait qu'il soit sportif ne les épate pas trop. Il y a un mec qui s'appelle Fab Sand. Il est déjà avec sa petite amie. Mais beaucoup de filles le regardent quand même parce qu'il est plutôt pas mal. Il y a un très beau, très 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 beau même garçon, blond, cheveux courts et lancé, qui a un air mystérieux, un peu noble, qui s'appelle Ozidev. Ozidev. Il y a 2 jumeaux, Poletto et Polétor, on va lire. Non, Poletto et Poloté, voilà. Qui sont 2 jumeaux qui regardent les gens un peu de haut. Et il y a aussi un certain Blue Sky qui regarde bizarrement, qui est un peu fasciné par Ozidev. Blue Sky. Voilà. Et c'est tout.
Voilà pour les garçons qui sont là. Voilà les choix qui s'offrent à nous. Comment il s'appelle le deuxième jumeau? Poletto et... Poletté. Poletté. Poletté, bien sûr. Poletté. J'allais voir Marcel. Marcel, le bossu? Ouais. Alors, déjà, tu viens le voir. Alors, déjà, les gens te regardent l'approcher, mais lui aussi, il est vachement impressionné. Il dit, ah, bonjour, t'es en quelle année? Je suis en deuxième année. Moi, il dit, j'adore les cours d'invocation, et toi? Moi, j'adore les cours de chimère. Ah, c'est vrai, avec le professeur Shinkus. Et tu sais, vite demain, il y a travaux pratiques, on va pouvoir créer notre propre animal. Oh! Ouais. Mais t'es pas au courant, je crois que t'aimais le... Ah, mais j'adore, mais en fait, j'étais malade ces dernières semaines, donc l'enfer. D'ailleurs, j'ai été si malade que j'ai pas retrouvé mon médaillon. Genre, je l'ai perdu. Ah, bah tu peux plus aller en cours alors. Bah ouais, c'est hyper compliqué. Et genre, tu sais comment je pourrais faire? Bah là, il n'y a rien à faire parce que normalement, je crois qu'il y a une formule magique pour retrouver les médaillons. Ah. Mais faudra en parler à Ingvild d'abord. Ah. Donc, ouais. Tu rentres, tu expliques ta situation aux visiteurs. Et voilà. Mais du coup, comme je ne peux pas rentrer, est-ce que tu pourrais me prêter ton médaillon? Comme ça, moi je vais voir Ingvild et puis après je te le rends et demain. Ça me gêne un petit peu quand même parce que moi je ne peux pas aller en cours et je. Je veux dire, c'est important pour moi quand même d'avoir des bonnes notes. Puis c'est l'examen, c'est dans 3 jours. Bah si tu veux, je te file le cours de chimère. Demain, je vais le prendre. Et ensuite, tu te rends ton médaillon et je te file le cours. Vas-y, fais un jet de mentir convaincre. Franchement, il peut faire la grasse mat et tout. Bon, il aura peut-être son cours, peut-être même que tu vas y aller. Donc ça se tient. <c'est> grave. 07, oh quelle soirée! Mais ce soir, on est une fête incroyable! Il dit vraiment. On va tourner un jour! Il dit vraiment, bah, tu ferais ça? Bah, écoute, donc, on se revoit quand alors? Eh ben, on se revoit demain, après le cours des chimères. Mais on se retrouve où? Parce que je peux plus aller à l'université. Eh ben, on se retrouve devant ce bar. Donc, tu seras là demain vers quelle heure? Vers midi. D'accord, très bien. Mais. Et j'ai une question. Tu penses que tu vas aller au cours de chimère demain, c'est ça? Ouais. Et tu n'auras toujours pas ton médaillon? Bah, parce que avant, tu vas récupérer le tien. Je vais récupérer le mien, je vais aller au cours, je vais voir Ingvild et je vais récupérer le mien en allant voir Ingvild. Mais t'as pas besoin du médaillon pour aller récupérer le tien? Bah, si. Pour aller voir Ingvild. Non, tu te présentes juste aux visiteurs et tu dis j'ai perdu mon médaillon. Et okay. Il te retrouve si t'es dans le registre. D'accord. Bah, là, je pars en courant du coup. Non. Oh non! Avec son médaillon, bah il me l'a donné. Alors fais un jet de courir sauter. Ça se passait bien là! Zéro. Mais ça! C'est pas possible! 0,5, tu es vraiment à l'autre bout de la ville en 2 minutes et il te retrouve. Et voyez ce pauvre élève bossu qui court derrière toi et qui pleure et qui dit: mon médaillon, toute mon année elle est perdue, je pourrais même pas aller en examen, comment ça se fait? Et il pleure des rivières de larmes et il s'étale dans la boue et il dit: non, en plus j'ai rencontré personne ce soir. Et, c'est trop triste. C'est trop triste, mais on a un médaillon, les gars. Ouais, là ça y est, on a 4 médaillons. Ouais. Bon, on a 4 médaillons, mais il y en a un qu'il faut rendre le matin. Donc deux, on va lui rendre à Marcel Glade, quand même. Oui, mais lui, on peut attendre un peu. Mais Ace of Glade, si on lui rend pas, il va être chiant. En même temps, est-ce qu'il va être chiant? Il va avoir la gueule de bois, il va jamais se réveiller. C'est vrai. Je pense qu'on a au moins quelques heures devant nous tranquille le matin, quoi, je pense. Bon, bah, on a 4 médaillons. Vous retournez au hibou malin dormir? Ouais. Non, moi, j'aimerais bien parler un peu, s'il n'est pas trop tard, aux filles Kappa Kappa Gamma, pour voir un peu c'est qui cette. J'aimerais bien essayer de trouver cette. Ouais, faut qu'on chope la dague. Plutôt la chef ou plutôt une meuf random? Une meuf random. Moi, je suis plus là, du coup. Oui, salut. Toi, tu cours. Moi, je cours. Alors, Silly Joya. Une première année Kappa Kappa Gamma qui est en train de dire: moi je vais me présenter, je veux devenir une sorcière du sud, vous allez voir, ça va être super, je vais demain à l'examen, ça va être trop bien. Et elle me dit: donc toi t'arrives? Oui. Salut. Ouais, tout le monde te regarde. Oui. En fait, on est nouvelles avec mes copines. Enfin, on fait un peu. Voilà, on a fait les portes ouvertes. Et tout, mais vous n'êtes pas des Kappa Kappa Gamma? Ben justement, on n'est pas des Kappa Kappa Gamma. Et quand on voit comment vos soirées, elles sont cool. On se dit comment on fait pour... Des premières années, alors? Ouais. Ok. Et vous êtes dortoir vert ou... Bleu. Bleu. Bleu, c'est les garçons. Vert. Mais alors, il y a deux, je trois filles autour d'elle. Sa robe et... jaune alors que sa robe, elle est rose. Elle est pas blanche. La personne ne connaît pas le nom des couleurs. C'est ma story live maintenant. Alors,
Elle te regarde et elle dit d'accord, mais on t'a jamais vu au dortoir. Peut-être parce que tu reconnais pas les couleurs. Bah, il faut pas que t'ailles dormir chez les garçons. Non, mais je vais pas. Enfin, tu vois, bon, on entend aux voix et tout. Je pense pas que je veux bien que je suis un peu myope. Je pense pas que je me suis retrouvée chez les garçons. Mais bon, peut-être. D'accord. Je me suis dit que les filles étaient costauds. Il y en a une qui a un peu bu, tu vois, qui masse ses tempes. Elle t'écoute. Et donc, bah écoute, oui, bienvenue. Bah, tu veux rentrer chez les Kappa Kappa Gamma? On se demandait, est-ce qu'il y a quoi, une cérémonie, une candidature à... Bah, en général, c'est de la cooptation. Il faut venir d'un lignage un peu noble. Mais du coup, tout le monde ici, c'est parce que oui, on est toutes nobles. J'ai entendu dire que c'était possible, pour des exploits un peu exceptionnels, d'être admise au sein des Kappa Kappa Gamma. Peut-être, si vous intégrez le club encore plus sélect, qui est celle des sorcières du Sud. Ah oui. J'étais justement en train d'en parler. Elle dit oui, c'est demain. Vous connaissez les sorcières du Coest ou pas? Ouais. D'accord. Ben voilà, nous on peut faire une sorte d'enfant, de filiation spirituelle du Sud, mais plutôt sur la philosophie, pas sur les actes. Mmh. Ok. Et donc ça, il faut faire des actes un peu impressionnants, comme quoi par exemple? Ouais. Bah, c'est quoi les derniers qui ont pu rentrer là-dedans? Ils ont fait quoi? On sache un peu le... Il y a un interrogatoire. Vous allez sur le terrain d'essai demain. C'est l'avant-dernier étage de la tour d'université. Voilà. C'est à quelle heure? C'est toute la journée. Et on va nous interroger? Vous avez... Donc, ce qu'on répond pourra rentrer dans le club des sorcières du Sud. Oui, mais ils prennent très peu de gens. Toi, nous, on pas est très dedans. Cool. Peut-être que j'y serai un jour, mais j'ai besoin de réfléchir un peu à tout ça. Ok, tu veux pas faire une aventure et tout avec nous, comme ça on y est? Genre, on pourrait réfléchir ensemble à un exploit à faire et tout. Et ce serait quoi comme exploit? Bah, je sais pas, nous justement on essaye de comprendre c'est quoi les trucs pour rentrer. Moi je trouve un truc qui est très impressionnant, c'est genre d'arriver à piquer un objet à quelqu'un qui est un peu, tu vois... Ah non mais ça c'est trop dur, hein. Moi myope comme je suis, jamais je pourrais voler un truc. Non mais tu vois, tout de suite. Non mais attends, quelqu'un un peu haut placé, tu vois, quelqu'un qui ferait... Genre le doyen. Quelqu'un qui fait... Ouais, le doyen, quelqu'un qui fait peur. Qui plus peur que le doyen? Ah, Ingvild. Ouais, la miséricordieuse, ouais. Là. Ouais. Elle, mais alors, elle attends, passe, change de couche. Alors de, ça, je vous dis tout de suite, c'est, y a, déjà, Ingvild, si elle vous prend, elle peut vous virer. Ou même vous tuer. Parce qu'il n'y a pas d'exploit. Même vous tuer. Elle a déjà tué des élèves. Ça rigole pas, parce que c'est quand même les pouvoirs qu'on apprend à la Cité du Savoir, s'ils sont mal utilisés. Il y a des histoires... Vous connaissez l'histoire de Ikora la Splendide? Ou de l'Académie Noire? Non, ça ne me dit rien. Ikora la Splendide? C'était l'ancienne doyenne, avant Everius le Sage. Elle est devenue extrêmement puissante. En fait, elle a créé cette université où tous les nobles puissants avec dotés de la magie venaient du monde entier. Et tout simplement, elle voulait devenir la magicienne la plus puissante et régner sur le monde entier. Voilà. Évidemment, les magiciens, les professeurs et notamment Ingvild s'en sont aperçus. Ils l'ont chassé. Ils l'ont même dépouillé de tous ses pouvoirs. Comment ils ont fait piquer ses pouvoirs à quelqu'un? Moi non plus, je ne savais pas. C'est de la légende qui dit ça. Ok. Bon, ça n'a pas marché. Ça a l'air un peu dur. Moi, j'avais une autre question, mais plutôt des trucs entre filles. Ouais. On a un petit pépin. On cherche de la sauge de lapin. Tu sais où on peut en trouver dans la ville ou à proximité? Peut-être. Alors, il n'y en a pas de cours de botanique, mais on a le docteur, le docteur Chinkos pourrait vous dire ça. C'est le prof de chimère. Exactement. La qualité de ces joueuses est incroyable. On essaye, hein. Ok. Est-ce qu'on jette un œil dans la pièce pour voir s'il n'y a pas la dague quelque part, ou quelqu'un qui... Fais un jet de perception, vas-y. Ou un badge qui traîne, hein, on sait jamais. Ou dans badge, ma tête, ouais. La meuf qui l'a volée, elle est pas là. Mais peut-être que c'est dans ma tête. Je sais pas si ils vont le voir. Mais on sait pas qui c'est. Elle pourrait être là, non? Mais parce que ta némésis nous a pas dit qu'elle était là. Mais bon, ouais. C'est très dur de lancer. Oh là là, c'est terrible ce qui se passe. C'est un 90, c'est quel? 90, tu ne vois rien du tout d'intéressant. Je tombe. Tu tombes dans... Bah, il y a la chef des Kappa Kappa Gamma auquel on peut parler. Il y a les autres gars, et puis sinon on y va. Moi, je suis fatiguée de courir. Il est 23h30. On va se coucher? Ouais, oui. On n'a plus rien à aller chercher. Dodo. Vous retournez au Hibou Malin. Et là, il y a un petit... Alors, c'est à la fois joli et merveilleux, surtout pour Isabeau, et moins rigolo pour tout le monde. Il y a des faces. Mais c'est ce que c'est qu'un phasme? J'adore les faces. D'accord, très bien. Alors, il y en avait plein quand j'étais en CE2. Eh bien, ce sont des phasmes dorés, brillants dans la nuit. Oh, c'est trop beau. Et ils sont sur l'hôtel. Et effectivement, le patron de l'hôtel, qui s'appelle Blue Sky,
c'est ça? C'est pas déjà quelqu'un qui... Non, Blue Sky, il m'attaque à la soirée. Excusez-moi, c'est Toys. Toys, il est en train de dire, mais c'est pas possible, il y en a partout, je suis infesté. Ouais, il a l'air dans le désarroi avec tous ces... Alors, il vous arrive, il dit, je sais que vous avez déjà payé vos chambres, je suis désolé, vous voyez ces petits phasmes, ils sont mignons, ils vous font rien de mal, mais voilà, ils sont dans l'hôtel. J'adore. Est-ce qu'on peut avoir une réduc, du coup? Parce qu'on va avoir du mal à dormir avec toute cette lumière. Hein. Je vais réfléchir à la réduc. De toute façon, j'ai demandé... Vous êtes étudiant? On est en visite. Vous savez quoi? Je vous fais votre réduc. Je vous offre une nuit, ça vous va? Oui, c'est pas mal. Je vous offre une nuit si vous allez voir le docteur Chinkos. Bah, dis donc, lui. Et vous lui dites que j'ai un problème de phasme. Puisque, en fait, il devait me livrer... Il y en a quelques-uns depuis une semaine. Il devait me livrer une créature qu'on appelle un bigouinfre qui se mange les phasmes, justement. Voilà. Et il ne l'a pas livré? Bah non, je sais pas où il est. Ok. Et vous savez où on peut le trouver, le docteur Chinkos, ou il est dur à trouver? Bah, en cours de chimère. Oui, ouais, bon, ça... Là, on peut regarder l'emploi du temps de Ace of Glad parce que je l'ai. Ah bon. Toi, tu sais qu'il y a cours de chimère dans mes possessions. À 10h. T'as cours, alors, tu dois aller le prendre. Ah oui, c'est vrai. De toute façon, de l'aveu de Ace of Glad, il ne va jamais en cours. Il dort la journée et il fait la fête la nuit. Oui, non, mais j'ai son emploi du temps avec tous ses cours, quoi. Ok. C'est la bibliothécaire qui m'avait donné. Et à part les phasmes, qui effectivement, il y en a un qui monte sur le nez de Salma dans la nuit, et bien sinon, ça c'est une nuit assez agréable et vous n'avez pas de malus pour la journée. Le soleil se lève. Est-ce qu'on peut regagner des points de vie quand on dort? Oui, on tout à fait. Tu regagnes un point de vie si tu en as perdu. Super, merci. J'étais de 12 à 9, donc maintenant je suis à 10. Très bien. Vous vous réveillez. Quel est le plan du jour? En plus, vous avez 4 médaillons, vous êtes libre comme l'air. J'aimerais... Il est quelle heure là? Ouais. Il est 7h30 du matin. Waouh, on est lève tôt là. J'ai l'impression que le monde nous dit qu'il faut qu'on aille voir le docteur Chinkos quand même. Ouais. Oui, et étonnamment, il y a mais plein avant de sortir de cette pièce, est-ce qu'on ouvre le livre? Qui disait qu'il fallait pas l'ouvrir et que j'ai peut-être volé dans la bibliothèque. Bah oui. Ouais, bah ouais, il faut. Ah, vraiment, on commence par là. Et ben on ouvre. Alors, objection. Tu mets les livres devant toi. Alors, problème du livre, c'est qu'il est cadenassé. Ah. Je peux le... Un petit jet de force avec Suave. Moi, je peux totalement le faire éclater. Un coup de hache, bah, oui. Sur ouais. La serrure. Un petit jet de force. Mais vise bien, bah, sinon tu vas le couper en deux, oui. Cette chirurgie. Faut m'approcher le truc, je suis si loin. Hop, allons-y. Suave prend son bout de sa lame et elle va essayer de... 31. Sur 80, j'imagine. Sur 80. Voilà. Donc, elle fait sauter sans problème le cadenas, le livre est fermé devant toi, il n'y a plus de cadenas. Oh, voilà, là, il n'a pas de trop titre, peur. Il a pas. Est-ce que je peux sortir de la pièce? Si, il y a marqué. Sortir de la pièce. Mais sortir. Vous n'allez pas. Attendez, voir attendez, si vous on n'a pas encore ouvert. Il y a marqué quoi dessus? Il y a marqué mycologie avec un S à la fin. Ah, c'est mycologie. Les champignons. Ok. Est-ce que tu peux faire une perception de magie, enfin voir s'il je est peux, pas maudit quoi, parce essayer. Que les trucs maudits on va arrêter. T'as peut-être pas perception. J'ai intelligent. Connaissance. Tiens, ta connaissance des secrets là, vas-y. 70. 22. Wow. Alors, très attentivement, Louise observe le livre sous tous les angles et tu remarques sur la tranche du livre un minuscule champignon. Il est vénéneux, je suis sûre. Genre, si tu l'ouvres, tu meurs. T'as des bouffées de. Je pense que c'est ça. Ah, des bouffées délirantes. Il y a un champignon qui a poussé dedans et si tu l'ouvres, tu le prends les spores et t'es soit mort, soit zinzin. Mais du coup, je propose qu'on l'ouvre pas. Moi, c'est ma déduction. Parce qu'on que le teste sur un ennemi, par voilà. exemple. On l'ouvre devant un ennemi, au pire, on aura l'air con. par exemple, Ingvild. Non, Moena. Non, j'ai peur. Mais Moena, elle nous a filé plein elle de bons plans. Ah oui, c'est quoi ton bail avec elle? Parce que c'est pas une... Némésis. Ouais, elle arrive là, on boit un coup. Elle aurait pu nous l'offrir si vous êtes si potes, mais d'accord. Et elle nous aide et tu l'aides. Ouais, de ouf. Non, c'est une très mauvaise Némésis. J'ai fait semblant de vouloir l'aider pour apprendre plus d'infos sur elle et sur où elle en était en ce moment pour pouvoir la poignarder dans le dos le moment venu, évidemment. J'ai du poison, hein, tu me dis. Oui. Fait, on sait où elle travaille. Hein. Non, moi, j'ai des gros muscles, tu me dis. Donc, finalement, vous refermez le livre? Bon, on l'a pas ouvert. Je mets une ceinture ou une corde pour le garder bien fermé et je le garde dans mon sac. Ça a été rapide. Hein. Ok. Donc, bon, maintenant, il est 7h45. Que faites-vous? Est-ce qu'on va... Alors, c'est 10h le cours de chimère?
Ouais, puis il faut qu'on trouve un moyen de choper la clé auprès d'un, de la prof. Si vous voulez suivre des cours, si ça vous intéresse, il y a cours de, on va dire, administration. Mais lui, on devait aller le voir. Alchimique, vous connaissez, invocation, sciences psychiques, artefacts, terrain d'essai. Il y a également prophétie tout en haut. Non, prophétie, c'est cours pratique toute la journée. Moi, j'aimerais bien prophétie pour savoir quel destin de mon enfant, si j'avais. Grave. Quoi. Ouais, et prof d'artisanat ou d'artefact. Il y a aussi combat magique, si ça vous intéresse. Ça, c'est la clé. Il y a aussi quoi ? Combat magique. Ah, moi, je vais y aller à combat magique. Hein. Et administratif, elle est censée avoir des infos sur les pièges. Ouais. Est-ce qu'on se sépare ? Non, vous n'allez pas vous séparer, ça va être compliqué. Et bah, on va. Moi, je propose, on commence par administratif. Ouais. Et comme ça, c'est fait, on va voir ce qu'on apprend. On essaye de faire durer ça le moins longtemps possible, non ? Bah ouais. Ça a l'air chiant. C'est toute la matinée pratique, donc on peut y aller plus. Et il y a le truc des kappa-kappa-gamma. Moi, je veux bien aller faire un tour à cet interrogatoire, voir ce qui se passe. Donnez-moi une seconde. Donc, vous rentrez, vous traversez la cité universitaire, qui est en train de s'éveiller. Vous rentrez enfin sur le campus. Grâce à nos badges. Exactement. Pensez pour Ace of Glad qui dort en ronflant comme moi cette nuit, je pense. Ça va pas forcément durer toute la nuit, cette histoire de badge. Parce que ceux qui l'ont dit perdu, ils vont finir par le déclarer. Mais bon, pour l'instant. Ouais. Alors, je pense qu'à partir de midi, il faut qu'on trouve une solution. Quoi. Peut-être que le bail du forgeron, ça va être une solution à long terme. Ça va être une bonne solution. Faudra investir. T'as combien d'argent, toi ? Il m'en reste 7. Oui. Mais pas fond, hein ? Il faut qu'on paye l'hôtel aussi. Il non, nous on l'a a offert déjà. La nuit. On l'a payé 5 pièces d'or pour la semaine. Vous passez devant. Il nous offre une nuit à cause des phasmes, non ? Donc une nuit de plus. En face de Shinkos. Si vous, si vous arrivez à vous débarrasser des phasmes. Au cours de. Si on va chercher Shinkos. Ok. Vous faites le tour de la tour du savoir, vous passez devant le tableau d'affichage, vous passez devant l'accueil des élèves, vous dissimulez un petit peu parce que hier vous étiez des visiteuses. Vous rentrez dans la tour du savoir et vous allez à l'étage moins 1 où se trouve. Le cours administratif, mais aussi salle d'évasion des conséquences. Alors, excusez-moi, c'est étale moins un de l'université, non pas de la tour du savoir, que l'université, une chose différente. Vous entrez et salle de classe désertée. Et il y a un petit homme qui s'appelle Ouptioui, qui porte une robe noire et une perruque blanche avec un flamboyant chapeau de sorcier. Il est assis tout seul à son bureau, il y a des classeurs, des armoires derrière lui. Et il dit « Ah !» Des gens à mon cours, ça me fait plaisir. Bienvenue, installez-vous. Shit. Alors, c'est la première fois que je vous... Enfin, vous venez, c'est ça ? Ouais, oui, on est nouvelles. Là. Alors, vous savez qu'aucun mage n'est à l'abri d'un sort qui dérape, d'une malédiction lancée accidentellement, excusez-moi. Et donc, souvent, on vous fait des procès. Et donc, dans mon cours, on vous apprend à avoir des bonnes excuses. Oh ! On en a besoin. Donc, par exemple, il vous donne plusieurs exemples, je vous en donne un parmi les temps. J'ai absorbé l'énergie vitale de ma grand-mère par accident. Ah, mais ça arrive tout le temps. Voilà, ça arrive parfois. Le seigneur du coin vous convoque. Est-ce que vous êtes un sorcier ? Est-ce que vous voulez attenter à la vie des gens ? Et là, vous répondez, j'ai fait ça pour l'avoir toujours à mes côtés. Je suis un bon petit-fils. C'est ça. Donc, par exemple, vous, là... Vous avez changé vos enfants en pierre par erreur. Oui, bah oui. Le seigneur vous convoque, il vous dit quoi ? Vous lui dites quoi ? Comme ça, ils arrêtent de causer un trouble au voisinage. Oh ! Pas mal. Un peu de droite, mais pas mal. Moi aussi, je peux jouer. Vous avez lancé par erreur une boule de feu dans une bibliothèque, la seule de la région. Tout a brûlé. Que le seigneur vous convoque et il dit, mais tous ces livres étaient un exemplaire, ils ont disparu. Que répondez-vous ? Ouais, je suis très contre les autodafés, donc c'est difficile. C'est pas un auto-dafé, c'est un accident. Il n'y a pas d'intention. Mais ils ont encore plus de valeur maintenant qu'ils ont disparu. Oh ouais, ça. Mais ils étaient. Ça marche pas mal parce qu'ils étaient un exemplaire unique. Et oui. Mais en fait, j'ai utilisé un sort pour tous les apprendre par cœur et je vais les réécrire. D'accord. Et donc, les semaines passent et vous réécrivez les livres ? Non, je m'en vais en courant. Il dit, vous savez, l'intérêt de ce cours, effectivement, c'est d'échapper aux conséquences. Donc, finalement, ce n'est pas une mauvaise réponse. Ok, merci. Vous, par erreur, vous avez lu un livre qui s'appelle Le Necronomicon et vous avez levé une armée de morts-vivants qui s'apprête à dévaster la région. Que des trucs relatables.
Que faites-vous? Enfin, vous avez levé cette amène de mort-vivant, on est obligé d'envoyer une armée pour les tuer, finalement on les tue tous, il y a eu beaucoup de morts dans les deux camps. Et là on vous convoque, on dit mais pourquoi vous avez lu ce livre? C'était un entraînement pour la vraie armée. Pour être sûr qu'on sache réagir. On ne souffle pas, on ne souffle pas. Elle vous a aidé, je vous en donne une autre. Ah, oh, mais ma réponse elle était trop bien, je t'ai même pas écouté, Isabeau, t'es trop chiante. On n'aide pas. Vous avez, vous avez lavé le cerveau d'un dirigeant politique par erreur, en voulant l'aider. Mais j'ai fait ça pour le bien de l'humanité. Maintenant, le monde est communiste et va mieux. Communiste, ça veut dire quoi? C'est un monde où tout le monde s'entraide beaucoup et où les gens ont un bon système de santé. C'est pas très probant. J'ai fait tomber, vous avez fait par erreur, tomber une météorite géante sur une zone densément peuplée. Évidemment, le conseil des mages vous convoque et vous dit pourquoi vous avez fait ça. Parce que j'ai une prophétie comme quoi il allait avoir... Je mets une mauvaise note, vous aider, oui. Comme quoi il allait avoir trop d'humains pour les ressources de la Terre. Et malheureusement, c'était aléatoire. Je me suis dit que c'était la façon la plus juste de trier parce que donner à un seul homme le pouvoir de trier qui a le droit de vie et de mort, on sait comment ça finit. Ça se tient alors. S'il est communiste. Alors, je vais prendre vos noms. Je vais prendre vos noms. Donc, Eddie Mitchell, c'est ça? Non, moi, c'est Ace of Glad. Ace of Glad, je vous mets A. On n'aura même pas besoin d'aller voler les trucs. On va juste être bonne en cours et dire qu'on est lui. Je vous mets A. Vous, c'est quoi votre nom? Simrune. Vous méritez un A, mais je vous mets un B parce que vous avez triché. Je savais qu'il allait mettre une mauvaise. Vous, c'est quoi votre nom? Marcel. Marcel. B. Et vous? Oui, c'est vrai, t'étais nulle, toi aussi. Je voulais dire Marcel. Je voulais être sympa. Moi, c'est Cilio-Cilijoya. Je vous mets un A. D'ailleurs, c'est bizarre, Marcel, parce que moi, je vois, vous êtes un des rares élèves à venir à mes cours et vous n'avez que des A. C'est la première fois que vous avez un B. J'ai fait la fête hier soir. Ça baisse, ça baisse. Ah, vous avez fait la fête, en plus. Je suis désolée. Moi qui pensais comme un bon élève, c'est pas grave. Bon, en tout cas, je trouve que vous n'avez plus grand-chose à apprendre. Vous avez une forte capacité d'improvisation pour des jeunes mages. Je suis très impressionné. Du coup, est-ce qu'on pourrait faire un cours un peu spécial, vu qu'on a eu des bonnes notes, où on vous demande des trucs Bah, si vous voulez, dites-moi. Vous travaillez depuis longtemps dans l'université, donc vous connaissez un peu tous les secrets. Pas depuis très longtemps, mais ouais, je connais. Si vous voulez savoir comment on fait, par exemple, le bilan comptable de l'université, ça, je suis incollable. Ouais, j'aimerais être. Mais par exemple, il paraît qu'il y a un réfectoire secret où la bouffe est meilleure. C'est vrai ou pas? C'est faux. Ah, déçu. Et est-ce que il y a déjà eu des accidents mortels avec des élèves et l'université a dû trouver des excuses? Genre des accidents dans les sous-sols. De ouf. Alors, il est interdit de rentrer dans les sous-sols et si effectivement on meurt à cause des sous-sols. Mais on peut mourir. Bien sûr, dans la fac. Il y a une. De toute façon, il y a une serrure magique. Si vous pouvez porter la serrure et que vous n'avez pas la clé. Clé qui est. C'est quoi la clé? C'est une clé. Mais elle est où? C'est une clé. Et donc, si vous n'avez pas la clé, il y a deux exemplaires la clé. Ah. Si vous n'avez pas la clé. Il y en a deux. C'est bien comme ça si tu en perds une. Bah ouais, pour être sûr. Je me demande si elle peut garder cette clé si précieuse. Moi, je dirais un lion. Parce qu'il faut vachement l'assurer, quoi, la personne qui garde la clé. Ah, Ingvid, elle fait peur. Moi, en tout cas. Elle fait bien son travail. Pour répondre précisément à votre question, l'incident le plus grave qu'on n'ait jamais eu dans l'université, c'est effectivement le bannissement de Ikora la Splendide. Voilà. Sinistre mémoire. Donc il n'y a jamais eu d'élèves qui sont morts? Il y a des élèves qui ne viennent plus en cours. Est-ce qu'ils ont disparu? Est-ce qu'ils se sont enfuis comme mademoiselle? Je ne sais pas. Donc, vous savez, on nous a dit que Ingvild, si on l'énervait vraiment beaucoup. Ah ben, Ingvild, elle est affreuse. Élèves. Non, je ne pense pas qu'elle tue. C'est illégal quand même. Elle en est capable quand même. Elle exerce la fonction de miséricordieux. C'est une fonction à Aria. Ce sont des chasseurs de sorciers. Les chasseurs de sorciers déviants sont tués. C'est comme ça. Mais vous n'êtes pas déviante. Hein, vous voulez faire non. Le bien. Bah non. Voilà, bien. Non, on veut faire compta en spécial. Bah, ouais, compta. Ouais. Sinon, vous connaissez Birkanda? Birkanda, c'est un petit village, non? On s'ennuie un peu, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ils élèvent des chèvres, je crois. Eh ben, il se passe un truc incroyable en ce moment à Birkanda. Il y a un griffon apprivoisé s'est installé dans la région et il paraît que c'est impressionnant, quoi, de le voir discuter avec ça. Ça, c'est une information qui plairait beaucoup à Dr Shinkos. Parce que... On compte lui aller lui. Bah, il y a son cours là à 10h. Hein. Je pense qu'on va faire un voyage scolaire avec Dr Shinkos à Birkanda. Et les Kappa-Kappa-Gamma, là. Mais si vous avez envie d'y aller, ils ont une très très bonne boisson en plus à la taverne locale. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des gens touristiques Mon père travaille au syndicat d'initiative du tourisme. J'essaie de l'aider un peu, quoi. D'accord. Alors moi, je n'aime pas voyager. Je suis là au -1, je suis tout seul, je suis avec mes registres et je suis vraiment heureux.
Okay. Et le bilan comptable de l'université est bon ou pas ? Il est bon, hein. Il y a surtout beaucoup de nobles qui payent très cher. Alors après, on investit beaucoup dans les automates de Kniga. Shazam nous fait payer des fortunes à nous rapporter des choses de n'importe où et on ne sait pas trop à quoi il fait et à quoi ça sert. Voilà. Sinon, on est quand même très positif. Dès qu'on a du temps, de la marge de budget, on achète des livres qu'on met dans la bibliothèque. Ah, ouais. Vous avez déjà entendu parler d'un livre avec des champignons ? Ouais. Genre, il serait dangereux. Si vous avez une question sur les livres, il y en a une excellente bibliothécaire qui sait un peu tout. De toute façon, moi, quand j'ai une question, quelle qu'elle soit, je ne m'intéresse pas aux gens. Je vais voir l'étage des prophéties. Est-ce qu'on peut trouver toutes les réponses à l'étage des prophéties ? Ouais, alors elles ne sont pas, faciles, mais en général, et puis les prophéties ne sont jamais vraiment claires. Mais ouais, quand on s'y prend bien, en tout cas, pour les professeurs, c'est gratuit, donc c'est cool. Mais vous avez un conseil pour décrypter bien les prophéties, vous qui avez l'habitude, parce que moi, je ne suis pas forte en cours de prophétie, j'y arrive pas. Je n'ai pas non plus de trucs, mais je pense que c'est largement à votre portée intellectuelle. Puis vous n'avez pas des questions trop compliquées, n'est-ce pas ? Ce sont des questions du style, est-ce que machin est amoureux de moi ? Oui, exactement. C'est nos seules principalement. Ouais, principalement. Ouais, ouais. C'est tout ? Vous voulez passer à un autre... Ouais. Non ? Ouais. Il est quelle heure ? Il y a deux clés. Il est... vous êtes allé directement avant même le début des cours. Il doit être, je sais pas, disons 9h. Ok. Il y a encore une heure avant Dr. Shinkos. Ouais. Est-ce qu'on va en artefact ou est-ce qu'on va en... Ouais, artefact, elle a... Ouais, il y a les bails des clés. Ouais. 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 Pour les clés. Artefact. Donnez-moi une seconde. J'adore ce catalogue de cours. Ah ouais, moi aussi, j'ai envie de tous les côté bon élève, il est trop flatté. Mais quoi, c'est surtout, il y a des vrais cours. Incroyables, on peut y aller et tout. J'adore. Alors, attendez. Oui, j'ai 40 pages de cours. Hein. Bah, mais on peut faire les 40 cours. Vous pouvez aller à tous les cours. En fait, moi, je m'en fiche de la quête. Ce qui compte, c'est d'avoir des A. Et après, je te dis, je m'appelle Ace of Glass. Et on a gagné la quête. C'est un loophole qui marche. Il y a un truc que je dois vous dire aussi, c'est qu'il y a même des cours. Alors, je le dis pour les gens qui, un jour, achèteront peut-être le scénario. Ils ont intérêt. C'est que j'ai dû barrer des étages. Parce qu'il y avait des cours. J'ai dit, mais on ne va pas faire ça. Il y a des milliers de cours, genre prestidigitation, j'ai gardé que les gros, tu vois. Mais donc, je vous ai spoilé de certains cours. Il n'y a pas de cours de biologie, là. Je suis un peu déçu, il y a juste potion. Ah, chimère, c'est déjà, un peu de biologie. Hein. Déjà, le cours de bonnes écoles de magie, c'est drôle. T'apprends pas les maths et le français, tu vois. T'as pas la base... Non, mais les plantes, quoi. Enfin, les plantes médicinales et tout, tu vois. Vous montez au troisième étage. Dans une salle de classe surchargée de tas d'objets incongrus, eh bien, il y a une professeure qui voit arriver. Donc, elle s'appelle Madame Sakuna. Elle dit, alors, on est en retard, c'est ça ? Venez, premier rang. Alors, il y a plein de gens qui sont là. Elle a des cheveux gris, des grosses lunettes. Elle a un chapeau pointu, mais qui tombe. Et elle montre une statuette. Une statuette en forme d'ours. Une petite statuette en forme d'ours avec les lettres K, V, N marquées dessus. Et elle dit, est-ce que quelqu'un, parmi nos quatre retardataires, est-ce que quelqu'un sait quel est cet artefact et à quoi il sert ? Allez, aux connaissances des secrets, peut-être je le sais. Oui. Et sauf Glad. 62. Alors, tu sais pas quel est cet objet, mais tu sais que KVN, c'est une formule qui apparaît souvent dans les rituels magiques, qui est Klaatu Verata Nektu. Je pense que c'est un objet pour invoquer la formule Klaatu Verata Nektu. Alors tu dis ces mots, alors il ne fallait pas le dire. Et à ce moment-là, la statuette se transforme en véritable ours géant. Oh alors elle dit, mais non, mais c'est pas possible. Alors l'ours est vénère. Hein. Donc qu'est-ce que vous faites ? Alors tous les élèves vont... Ils vont dire, alors tu fais comment ? Quelle est la date ? Avant de me dire comment tu le domestiques, c'est pas un pouvoir magique. Qu'est-ce que tu fais à cet ours ? Qu'est-ce que tu fais ? Je reste immobile car je sais que devant un ours, il faut rester immobile et écarter les bras comme ça. Et donc, ok. Et ton but, c'est quoi ? De le domestiquer. Moi, je monte sur tes épaules pour qu'on soit encore plus grand. Pour qu'on soit très grande. D'accord. Moi, je fouille dans mon sac pour trouver un bout de pomme, une pomme ou un bout de fromage ou quelque chose à lui donner à manger. D'accord. Moi, je sors mon bouclier très puissant au cas où. Et ton épée. Et je me mets derrière elle. Voilà. Donne la pomme. Donc, c'est un ours qui est un peu étonné de se voir ainsi et il est aussi agressif, mais tu essaies de le domestiquer avec ta technique. Donc, tu as combien en domestiqué ? 70. 0,4. Oh, yes.
Sarge, notre ours. Tu arrives à hypnotiser l'ours. Ouais. On peut donner un nom à l'ours. Et même, tu peux monter sur l'ours et tout. Tu fais un petit tour de la classe pendant debout tout seul. Et la professeure dit, mais je n'ai jamais vu ça, c'est extraordinaire. Moi, je dis bravo Ace of Glad. C'est vous Ace of Glad? Vous n'êtes jamais venu en cours? Eh oui, mais c'est parce que je m'entraînais. Je m'entraînais. Alors vous, par contre, je suis extrêmement déçu. Est-ce qu'on vous agit de jamais... On ne nous avait jamais appris qu'il ne faut pas donner les formules d'invocation d'artefacts sans le consentement. C'est quoi votre nom? Simrune. Je ne vous entends pas. Simrune. Simrune. Simrune, je vous mets un D. Voilà. Donc, Ice of Glass, c'est très bien. C'est pas mal. C'est ça n'a rien à voir avec les artefacts, donc je ne peux pas bien vous noter. Ah, par contre, est-ce que vous pouvez demander à votre ami l'ours de partir Bah, bien sûr, mais... Alors, vous voulez donner un nom de sub à l'ours? Oui. Ce sera Petit Jean Bonneau. Petit Jean Bonneau. Je l'adore. Petit Jean Bonneau. Donc, Petit Jean Bonneau, vous le mettez dans le jardin de l'université, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le laisser là brouter? Il s'assoit sur le premier rang avec nous. Il en fait, c'est un 0-4. Tu peux lui demander ce que tu veux, l'ours. Ah, mais moi, je veux qu'il reste toute la vie avec moi. C'est pas discret du tout. On va pas se déplacer avec un ours. Oui, mais c'est super fort, un ours. Mais pitié. Envoie-le à l'hôtel. Il nous attend dans la chambre. Ouais, il mange des phasmes. Il mange des phasmes. Ah ouais, il mange des phasmes. Allez, on l'envoie manger les phasmes de l'hôtel. Ouais, tout à fait. Le patron, il va être là. Tu lui dis, tu le donnes. Non, il est pas hyper intelligent, tu comprends? Donc tu peux juste lui dire, va là, attends, reste près de moi, attaque. Ah, va à l'hôtel. Il sait pas ce que c'est un hôtel, il sait pas où il est. Non, mais dis-lui, va dans le jardin, attends. Tu vois, attends. Il va dans l'herbe, il attend. Ouais, va dans l'herbe. Ok, donc. On le récupère après. Hein. Ouais. J'ai trop hâte. La professeure Sakuna reprend un peu ses esprits et dit bon. Petit Jean Bonneau et DJ Cactus. La morale de l'histoire, c'est que si vous voyez une statue gravée des termes KVN, il y a effectivement la formule magique que je ne vais pas répéter parce qu'il y a d'autres statues comme ça. Voilà, qu'il ne faut pas prononcer, mais vous pouvez la prononcer. Donc, invoquez le pouvoir de statue et ce que la statue représente devient alors l'objet en question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut un A et qui a trouvé un artefact au cours de ses voyages, de ses travaux pratiques à me soumettre? Moi. Moi. Alors, vous avez levé la main en premier. Ace of Glad. Montrez-moi. Ah oui, c'est vrai. Un A à Ace of Glad. Ah non, mais je suis bête, je l'ai oublié. Désolé. D'accord, quelqu'un d'autre? Je voulais montrer le livre, mais je l'ai piqué là, donc je ne vais pas le faire. Je file le médaillon. Ace of Glad. Je sais pas. Tu veux mon épée? Non, je regarde. Ouais, mon bouclier, pardon. Elle me donne son bouclier, ouais. Je dis, voilà. Alors, c'est un bouclier qui a l'air... Ah, c'est un bouclier qui... Alors, c'est pas un objet magique, c'est un bouclier qui est d'ailleurs activé. Qui a été créé par la magie. Oui ou non, en fait c'est un artefact mineur pas très intéressant qui vient de la cité de Polaris qui appartient aux Valkyries. Comme vous pouvez voir, il a une magnifique teinture noire qui montre que la personne qui le possédait a fait un acte d'une cruauté sans comparaison. Est-ce que vous voulez donner ce bouclier au musée de l'université? Je préférerais le garder, du coup. Est-ce que vous voulez... Alors, soit on considère que vous avez réussi, alors je ne peux pas vous donner un A pour ça, je peux vous donner un B-. Parce que vous avez fait l'effort quand même. Bah ouais, c'est ça. C'est pas mal quand même. Ouais. Hein. Bon, B-. Ce sera la fin du cours aujourd'hui, je vous passe un peu tous les détails. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors les élèves en profitent pour s'en aller. Oui. Du coup, on va parler des clés. Ouais. Tu veux essayer? Bah... Je vais essayer avec l'autre, ça va pas très bien marcher. Ouais, on va essayer. Suave, vas-y, t'approches. Une question. Bonjour. Bah, en fait, moi, je me pose plein de questions sur les artefacts les plus précieux et les plus dangereux qu'il y ait dans l'école, parce que j'en ai jamais vu. Dans l'école? Et j'ai entendu parler de clés super puissantes. Des clés? Qui ouvraient des portes particulières. Et je sais pas, ça m'intrigue vachement. Je me suis dit que peut-être que vous saviez des choses là-dessus, parce que j'aimerais bien faire mon mémoire sur les artefacts super puissants. Sur les clés? Ouais. C'est un sujet intéressant. Je connais plein de portes qui s'ouvrent avec des mots de passe. Je connais aussi des portes où quand on touche la poignée, on oublie tout. Je connais aussi des portes qui ont l'air de murs de feu. Et en fait, c'est juste des portes normales. Mais c'est une illusion. C'est incroyable. Il y en a comme ça dans le... En fait, il y a une certaine serrure que j'ai créée, d'ailleurs. alors, tu remarques... Tiens, fais un jet de perception. Elle l'a sur elle. L'ours, il va la goumer. Trop bien qu'on ait un ours maintenant, je suis tellement contente.
Est-ce que vous avez réussi ce jet de perception? Je ne vois rien. C'est un 64. Sur? Sur rien du tout. D'accord. Je suis en perception. Ah. Sur 40. Sur 40. Et alors, ouais. Elle regarde peut-être dans une direction qui fait qu'il se passe quelque chose, mais en fait, tu n'as pas le temps de voir ce qu'elle t'a dit. Elle dit effectivement, j'ai créé une serrure pour. Elle demande Dingville d'ailleurs, qui ne s'ouvre qu'avec une clé très précise, impossible à dupliquer, même si j'ai fait deux exemplaires de cette clé. Et ça va être super dur d'en faire deux. Cette serrure est intéressante parce que quand on ouvre la porte, qui est déjà ouverte, sans la clé, eh bien elle alerte un certain nombre de gens qui ont été, notamment Ingvild, mais aussi d'autres personnes. On l'a mis à des endroits un peu précis. Je ne peux pas vous montrer évidemment la clé pour des raisons de sécurité, mais en tout cas, ça peut exister. Vous avez l'air incroyable. Vous ne voulez pas diriger mon mémoire sur les clés? Bah écoutez, volontiers, moi je peux faites-moi trois pages de synopsis et je regarde ça. Oh, j'ai trop hâte. Mais du coup, c'est vraiment super intéressant, j'aimerais vraiment trop voir ces clés. Est-ce que même si vous ne pouvez pas me les montrer, vous pouvez me les décrire? Parce que je comprends, après c'est vraiment trop précieux, là je suis encore une débutante, je n'ai pas encore le droit et l'honneur de voir ces choses-là, mais peut-être que je pourrais les imaginer. Vas-y, fais un jet de mentir convaincre. Okay. T'as combien? Oh là là, 20. 20. Oula. Quoique, on a eu de la chance hein, ce soir. Oui. Bon. Ça marche pas? 80. Non. Elle dit, écoutez, c'est trop risqué, je peux pas vous le montrer. Dommage. Est-ce que... Je pourrais, mais si un jour quelqu'un arrive à dupliquer ou même à voler cette clé, déjà ce serait très grave pour moi. Et en plus, je m'en voudrais énormément de l'avoir montré. Donc pour l'instant, je ne l'ai jamais montré à personne. Mais c'est vous qui la détenez? Peut-être. Si vous ne l'avez jamais montré à personne, c'est que c'est vraiment la vôtre et que vous savez où elle est. Oui, mais je trouve ces questions bien inquisitrices pour des élèves qui veulent faire un simple mémoire. D'ailleurs, vous êtes quoi? Vous voulez faire aussi votre mémoire sur les clés? Ben, moi, je suis Ace of Glad, je m'intéresse à tout. C'est vrai, en tant que petit génie, Ace of Glad... Allez, vous voulez faire autre chose ou... Est-ce que je peux scanner la pièce pour voir? Parce que moi, je pense qu'il y a le moule ou un truc comme ça, de la clé. Fais un jet de perception. Ok. Quel quoi? Il y a le moule dans lequel elle a fait la clé ou quelque chose. Pas forcément la clé elle-même, mais peut-être un truc qui nous donne un indice. Regardez, parce que vous avez des meilleurs chiffres en perception. Tu peux relancer ton 98. Merci, Fibre Tigre. Bon, c'est un 78, ça change pas grand-chose car j'ai 60. Eh bien, il y a peut-être un endroit évident où se trouve la clé, mais en tout cas, ça y échappe. Non. Et moi, je peux faire un jet de perception, pas du tout. Bah, tu veux fouiller aussi la pièce? Ouais. Allez, vas-y. Trop bien. T'as combien en perception? Vous voulez pas que je le fasse? Ouais, 50. Ouais, vas-y, 70. Fais-le. Est-ce qu'on fait perception ou connaissance des secrets? Bon, perception, vas-y. C'est vrai. Ouais, oh là là. 15. Yes. Alors, Louise, qui est quand même une habituée, elle voit qu'il y a la professeure Sakuna est derrière un bureau. Ce bureau a un tiroir fermé lui-même à clé, mais la clé est sur le tiroir. Et il est probable que c'est l'endroit le plus sécurisé du lieu, même s'il y a plein d'artefacts autour d'elle. Voilà. On est seul avec elle? Vous êtes 4 avec elle, tout à fait. D'accord. Et l'ours, enfin 5. Enfin non, l'ours est dehors, excusez-moi. Ah, est-ce que je peux sortir et faire une sorte de diversion avec l'ours, de re-rentrer et de faire genre j'ai plus le contrôle sur l'ours. Oh yes! Oh yes! Et comme ça, elle court et elle, après, elles sont. C'est mieux que mon idée, je voulais lui faire renifler les champignons. Moi, je voulais la frapper. Chacun sa méthode, j'aime la méthode de petit jambon. Alors, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu ressors, tu dis écoutez, je vous laisse. Et oui, je vous laisse, j'ai envie de faire pipi. Et, et donc, je vais voir petit jambonneau. Et je le chevauche. D'accord. Et là, tout le monde te regarde, mais ok. Et alors, je lui dis, t'inquiète, ça va bien se passer, mais il faut que tu fasses un peu le foufou. Alors, moi, je suis dessus et je fais genre... comme ça. Dans la salle de classe? Je reviens dans la salle de classe avec Petit Jean Bonneau et je fais... Alors, et nous, on fait... Ah non, là. Sache que Petit Jean Bonneau, il est fraîchement domestiqué. Ah non, j'ai fait 004, il est super domestiqué. Fraîchement, c'est-à-dire il y a peu de temps. Et si tu fais ça, il y a un petit risque qu'il reprenne son animalité, qu'il soit vraiment méchant. Non. D'accord? Au pire, on courra, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on chope la clé. Donc, on va d'abord faire ton plan, et après, on tirera un geste si M. Jean Bonneau est fou ou pas. Donc, effectivement, ça rentre.
comment dire, comment s'appelle l'ours est ça. surmonté de ouais, ça. De Isabeau. Isabeau, le duo magnifique. Isabeau et Petit Chambonneau rentrent en hurlant. Je le visualise. Est-ce que tu inspires la terreur à la prof qui a beaucoup d'artefacts pour se protéger de l'ours? Oui. Lance un dé et fait moins de 60. Un dé? Non, un dé à 100 faces. Celui-là? Ah merde. Moins de 60. 54. Ah, yes. Effectivement, alors elle aurait pu lancer une lance de lumière et tuer Petit Jean Bonneau. Non. Effectivement, elle dit un ours, c'est pas possible. Elle perd ses moyens et elle s'enfuit de la salle. Okay. Yes. Ok, alors j'aimerais, Louise, que tu analyses ce tiroir parce que j'ai peur qu'il soit ensorcelé. Il y a un piège ou quoi? Je peux le tenter. Alors, Louise se penche sur le tiroir, mais avant ça, tu vas lancer les dés. Non. Et si tu fais moins de 30, t'as perdu le contrôle de l'ours. Moins de 30. Et du si coup, je fais moins de 30. Oui, l'ours est vraiment vénère et veut vous manger en fait. T'as 30 bah, fais plus. De... Hein. Vas-y, fais le plus. Fais plus 30. Plus. C'est le moment de faire des gros scores là. 69. Oui. 69, en fait, Petit Jean Bonneau est encore sous ton contrôle. Ouais. Tu peux te pencher sur le. Je me penche sur le tiroir. Sur le tiroir. Y a pas, en fait, tu vois rien de magique a priori. Il y a encore la clé dessus. Oh, c'est la clé. Je vais pas. Ok, je prends. Un bout de bois qui traîne. Il y a un bout de bois qui traîne, justement. Et ben je le prends et je tourne la clé avec et je tire pour amener le tiroir à moi. Lance les dés. En dextérité. Non, lance les dés sur un truc magique. Tu sais même pas combien tu dois faire. Genre, les dés. Tu rates. 72. Alors, le bout de bois qui traîne, évidemment, on est dans la salle des artefacts. C'est une baguette magique d'une seule charge qui rend vivant les choses. Ah, donc la tiroir, clé... il est vivant. Non, pas le tiroir. La petite clé se transforme en petit serpent, une petite vipère qui descend et qui tombe. Voilà. D'accord. Tu veux domestiquer la vipère? Du coup, on ne peut plus ouvrir le tiroir. Oh. Mais si, elle est ouverte, là. Attends, elle a des armes et tout. Ah, ouais, quoi, ouais. Ça aurait été bien. Non, je peux lui parler? À la vipère? Ouais. Tu veux parler à la vipère? Voilà, ok, T'as 20% à parler, non? Inverser les sorts, ouais, c'est 20%, ouais. Vas-y. Non, j'ai pas. 49. Toujours. Donc, pas de parler aux animaux. Aujourd'hui. Ça n'arrivera pas. Malheureusement, la vipère s'approche de toi. Tu sais que la vipère a une morsure qui n'est pas mortelle, mais qui est quand même... Non, mais j'ai juste fait 49, là, j'ai pas fait 90. Bah, tu l'as dit bonjour la vipère et hop, elle te mord, d'accord? Heureusement que l'ours, ça marche. Donc, tu es empoisonné, tu perds tout de suite un point de vie. Oh. Et tu perdras un point de vie tous les jours tant que tu seras pas soigné. Quoi? Ok, bon, bah, on va aller voir Shinko, t'inquiète pas. Ouais. Remarque toujours à moi. Peut-être que grâce à ça. Bah, en même temps, il y a que toi qui es plus enceinte. Vous entendez des cris dans le couloir. C'est Sakuna qui dit: mais c'est pas possible, venez, il y a un ours qui est fou, il est en train de tout détruire. Ok, moi je crie: attendez, il s'est calmé, j'ai peur que ça l'énerve. Moi, je ne bouge pas pour l'instant. Et du coup, le tiroir, il est toujours verrouillé. Là, il est fermé, ouais. Mais ton truc, ça va pas les empêcher de venir, ça c'est sûr. Ok, moi j'essaye d'ouvrir le tiroir direct. Avec la force? Ouais, vas-y, fais un jet de force. Faut qu'on avance là. Ouais. On est trop prudente. 88, mais ça ne s'arrête jamais. 88. J'ai 80. Eh oui, 88, malheureusement. Est-ce donc... que je peux mettre ma dague Attends, donc oui. Déjà, tu essaies d'ouvrir le tiroir et ça ne t'y arrive pas. Il a l'air trop résistant pour toi. Mais je peux essayer. Moi, je demande à vous avez une Jean Bonneau de l'ouvrir. Vous avez une action chacune, sauf Aïda, pour, avant que les autorités arrivent au coin de la... Enfin, rentrent par la porte. Je demande à Petit Jean Bonneau de l'ouvrir. Non mais ça se tient, c'est un... Bah ouais, il est l'ours, ça ce sera pas suspect. L'ours défonce le bureau. Et effectivement une petite clé d'or tombe du tiroir. OK. Petit Jean-Bonneau, j'en ai plus. Bah vas-y, prends la clé. Ouais. C'est l'ours. Et moi j'aimerais bien voir s'il y a pas d'autres choses intéressantes dans ce bureau d'une dame qui a plein d'objets magiques. Ouais, quand on peut prendre des artefacts. Alors vous avez donc toi tu vous pouvez faire toutes les deux une action, Louise et Salma. Bah, toi moi, tu regardes garder pour voler un truc. Tu vois une statue de toucan où il y a marqué KVN dessus. je la prends dans mon sac. Tu la voles, OK. Ouais. T'as un toucan. Non, moi je fais rien. Très bien. Ah, donc laisse-moi voler un truc. La prof Sakana rentre suivie de deux énormes robots automates qui viennent de Kniga. Non. Et elle voit le bureau, elle dit: qui a fait ça? Vous êtes encore en vie avec cet ours dangereux? Et là, je dis: c'est bon, je l'ai maîtrisé. Le bureau, qu'est-ce qui s'est passé? Qui s'est passé? C'est l'ours. Couru droit dessus. L'ours est devenu fou, il faut absolument l'abattre. Et elle ordonne aux deux robots d'abattre l'ours. Non.
Quoi, non. Me jette devant. Donc tu te mets devant les... Non, mais non, bah oui. Bah, non, mais là, il faut... Non, vas-y, tu peux te mettre devant, c'est pas trop tard, mais... Bah oui, mais ils vont me tuer, du coup. Mais non, non, mais tu peux dire Je me mets devant. Et je dis... Je suis végane. Je vous en supplie. Je vous en supplie, petit Jean Bonneau. Je le sais, au fond de lui. Oui. N'est pas un mauvais ours. Je le sais, je l'ai vu dans ses yeux. D'ailleurs, regardez comme il est calme. Et là, je le touche comme ça. Et petit Jean Bonneau s'assoit et fait une tête avec des grands yeux. Et il a ses petites oreilles rondes. Et il a ses petites oreilles rondes. Et il fait... Ça va bien comme bruit d'ours. Alors, cette description attendrit Sakana. Elle dit, néanmoins, c'est un ours qui peut avoir des crises de colère intempestives. On va le relâcher dans la nature. Je ne vais pas tuer cet animal sans... Enfin, pas faire des cartes de violence... Je vois que mon bureau est bien en... elle fouille dans ses objets et elle trouve un collier de docilité qu'elle met autour de l'ours. Et elle dit, je m'occupe de cet ours, je vais le transmettre au bon soin du docteur Shinkos. Et maintenant, cet ours sera domestiqué pour la vie, ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Ouais, on allait justement au cours du docteur Shinkos. On peut peut-être lui amener. Peut vous dépanner du... Oh non, cet ours a déjà fait beaucoup trop de dégâts. D'ailleurs, il faut que je voir ce que j'ai perdu ou quoi. Je m'en occupe, il arrivera tôt ou tard au bureau des chimères, ne vous inquiétez pas. Non, mais pourquoi on n'a pas le droit d'avoir un ours? Entendu, merci beaucoup. Là, il faut qu'on parle vite. Hein. Merci. C'est cool parce qu'il nous a libéré du problème d'ours. Parce qu'on aurait vraiment eu l'air con avec un ours. Moi, j'étais trop chaud. C'est pas trop tard. Je me suis dit, pour l'extérieur, c'est bien. Pour l'extérieur. On va avoir un petit toucan, c'est bien. On aura peut-être un petit... Ouais. Ça pourra faire un pote à DJ Cactus. DJ Cactus. On a la clé, c'est incroyable. Ok. Et ben on va au cours de chimère. Après, on va pas être discret parce qu'elle va se douter que c'est nous qui l'avons, à moins que l'ours les mange et qu'on pourra toujours pas attendre que l'ours la mange. C'est qu'a priori, si on ouvre la porte, elle le sait pas tant qu'on a la clé. Par contre, c'est littéralement une étape et on sait pas ce qu'il y a derrière. Ouais, pour l'instant, on n'est pas beaucoup plus aidé. Mm-hmm. Mais normalement, si on fait tout bien, elle est pas, enfin tant qu'ils se rendent pas compte que les examens ont été volés. Non, mais elle va se rendre compte que la clé a disparu. Ça va l'inquiéter. Peut-être que la serrure va changer. Peut-être que tu vois. En fait, peut-être qu'il faut y aller le plus vite possible. Ah mais non, mais moi j'ai peur. Hein. On a littéralement une info et après il y a des pièges mortels. Il faut qu'on aille d'abord au prophétie avant d'y aller, au moins. On est au prophétie d'abord. On va voir. Il ne faut pas qu'on prenne trop non plus. Quoi. Je pense qu'il vaut mieux y aller la nuit que la journée aussi. C'est quand même un peu plus discret. Quoi. Ouais, mais elle a le temps de changer la serrure si elle se rend compte que sa clé elle a disparu. Peut-être qu'elle va se dire que l'ours a bouffé la clé. Et puis c'est long à changer une serrure. Et c'est long la digestion de l'ours. Vous ressortez du cours, vous allez vite, il est déjà 10h05. En plus, il faut monter au troisième étage et ensuite prendre un couloir que vous n'avez pas vu, qui va à l'extérieur de la tour, qui descend et vous êtes en fait dans une grande salle qui est théoriquement à l'extérieur de la tour, mais vous ne l'avez jamais vue, dans laquelle il y a plein d'animaux en cage. Mais je vais laisser moi vous décrire ça. On se croirait plutôt dans un laboratoire que dans une salle de classe. Le sol est carrelé avec des évacuations pour le sang et autres fluides. Le docteur Shinkos est en blouse blanche, il a un chapeau transparent et il est en train de disséquer des cadavres d'animaux. Et il y a beaucoup d'étudiants qui sont là, qui sont intéressés parce que c'est toujours bien, mais qui sont en train un peu de tourner de l'œil et en plus l'odeur est affreuse. Et alors il vous montre un petit peu comment ça fonctionne et il dit, bon, vous arrivez un petit peu en retard, mais c'est maintenant l'examen de chimère. Non. Donc vous êtes ensemble devant un petit pupitre, voilà. Et même pas Marcel. Donc l'idée c'est d'assembler deux ou plusieurs animaux ensemble, au moins deux, sachant que plus vous en assemblez, plus c'est compliqué. OK. Donc on a à disposition vivant, on a des moineaux, on a un singe, on a des lézards, on a des poissons de toutes les couleurs, on a des grenouilles, des corbeaux, des serpents. Et on a aussi des phasmes. Voilà. Est-ce que... vous êtes quel groupe? Vous appelez comment? Le groupe des... Winners. Le groupe des winners. Ok, les winners. Bravo, As. Vraiment. Et sauf Glad, j'adore quand tu dis notre nom. Est-ce que quelqu'un pourra s'appeler Marcel, s'il vous plaît? Parce qu'il n'est pas venu, du coup, Bichette. La personne qui fait le meilleur truc. Fait Marcel, parce qu'à mon avis, tu vas clairement être la meilleure de ce cours. Alors, le groupe des winners, vous voulez quoi? Moineau, singe, lézard? Poisson. Alors, moi, j'aimerais bien... Il y avait des trucs à écailles, donc lézard. Je me dis, faire un animal à écailles qui vole, ça peut être pas mal. Donc, un moineau, un lézard Attends, je ne sais pas. Un corbeau, c'est vachement En fait, moi, je trouverais cool d'avoir un animal qui peut tout faire. Voler, marcher, nager. Parce que tu veux mélanger plus de trucs. Quand il vole déjà. On peut faire un poisson. Grenouille, corbeau, c'est pas mal. Ça va dans l'eau, ça va sur terre et ça va dans les airs. Grenouille, corbeau. Et les corbeaux, c'est vraiment très intelligent. Donc en plus, on peut lui demander de faire plein de trucs pour nous. Alors, une grenouille, un corbeau, c'est ça. Donc il pose les deux.
Il pose les deux cages devant vous. Donc il dit on va vous donner des, il vous donne des scalpels magiques qui leur permettent de faire ce type de choses. Et alors à quoi ressemblera l'animal au final? Il faut qu'il ait des ailes pour voler. Et il faut qu'il aille sous l'eau, c'est ça? Donc... Et il a des grandes pattes. Elle conserve ses branchies de grenouille. Elle a des ailes. Je crois pas que c'est des branchies, mais oui. Ouais, je crois pas non plus. Non, elle respire par la peau ou elle retient sa respiration. Ouais. Elle retient sa respiration. Mmh. Okay. Bon, donc elle peut retenir sa respiration. Elle a des ailes qu'elle peut utiliser pour faire la brasse ou pour voler. Qui ont le même revêtement que les ailes de canard, un peu. Donc, ouais. Adapté à la vie aquatique. Donc il y a des plumes. Oui, mmh. Oui. Et des grandes pattes. Enfin, c'est des grandes pattes de grenouille. La place des cerfs. Ah oui. Et... Est-ce qu'il n'y pourra pas s'accrocher? C'est une tête de grenouille, mais avec un bec. D'accord. Il faut garder le bec. Alors, il vous faut aussi un nom pour votre créature. C'est une corbouille. Une corbouille. Exactement, une corbouille, c'est incroyable. Alors, ça se fait sur la dextérité. Il faut réussir un jet de dextérité et un jet d'intelligence. Mais alors, vous n'êtes pas obligé de faire le même. J'ai 80 en dextérité et 70 en intelligence. Moi, j'ai 70 en dextérité. 80 en intelligence et 40 en dextérité. Non, mais vous n'êtes pas obligé de faire les deux tests la même personne. Ah, quelqu'un peut faire le dextérité, du coup. Ouais. Et toi, tu fais intelligence. Donc, ce sera Salma qui va opérer sous les instructions de Louise. Alors, vas-y. Alors, Louise, est-ce que tu donnes les bonnes instructions? Lance les dés, fais moins de 80. Attends. Ce sera d'abord Louise. Ah, c'est d'abord Louise. Qu'elle te donne les instructions. Vas-y, fais ceci, cela, pour la corbouille. 39, c'est réussi. Est-ce que Salma a la main sûre qui ne tremble pas? Allez, Salma. Allez. Merci, Marcel. 45, c'est réussi. 45. Et bravo. Alors, vous avez une petite corbouille. Oh, trop mignon. Alors, le professeur Shinko se dit, bravo, très beau travail. Écoutez, je mets un A au groupe. Félicitations. Donc, la corbouille, je la tue. Qu'est-ce qu'on fait? On la garde. Si vous voulez la garder, je vous avertis, la corbouille, pendant quelques semaines, elle va être un peu traumatisée parce qu'elle n'est pas née. Donc, elle ne va pas trop être, on va dire, vivante et utile. Mais si vous arrivez à la calmer, à l'apprivoiser, bah, ça peut être un animal. Je peux m'en occuper. Mais si vous voulez, quel est votre nom? Ace of Glad. Ace of Glad, très bien. je donne un nom de sub à la corbouille. Oui. Ce sera Thomas Limas. Thomas Limas, la corbouille. Thomas Limas. Dites-moi, professeur. Oui. J'avais une petite question pour vous, si ça vous dérange pas, comme on a terminé l'examen. Oui. On m'a dit que vous saviez où on pouvait trouver de la sauge des lapins. Ouais. Vous avez un petit problème Non, c'est pas pour moi, c'est pour une amie. D'accord. Et alors, il fouille derrière un pot de fleurs et il coupe et il te donne des petits morceaux de sauge. Et il paraît... Vous connaissez en alchimie. Hein. Oui, ça va, mais... Une décoction classique. Voilà. Il faudra que tu réussisses à un jet d'intelligence. Ok. Et alors, moi, j'ai une petite question aussi. Il paraît que vous avez des remèdes contre les vipères. Vous avez été piqué par une vipère? Tout à fait. Ah, ça m'étonnerait fort parce qu'il n'y a aucune vipère dans toute la région. Ben oui, mais ça fait 10 ans, donc je me traîne ça. Alors, si vous avez été piqué il y a 10 ans... Soit vous êtes morte, soit vous n'avez plus de venin en vous. Vous me décevez énormément, vous qui êtes un élève secondaire il y a 2 minutes. Non, mais en fait, j'ai dit 10 ans, mais je pensais à 10 mois. Je transforme votre A en B. Vous ne suivez pas mes cours. Mais c'est pas grave. Mais Marcel. Mais non, ça c'est QL. C'est moi, Ace of Glad. Ça va. Mais et comment et alors, sinon on avait un petit. Mais attendez, patron, c'est hyper important. Du hibou malin. Hibou malin, le hôtel. Ah oui, je suis désolé. Le bigouinfre. Vous voulez qu'on l'amène? Nous, on peut l'amener si vous êtes débordé. Il est dans les toilettes. Il est parti dans les toilettes. Dans les toilettes. Il y a des toilettes. Au rez-de-chaussée, en face de la salle d'alchimie. Okay. Et je vous conseille de ne pas aller dans les toilettes parce que, en fait, j'ai perdu le bigouinfre et aussi d'autres créatures, mais il est là-bas. Okay. Et il ressemble à quoi? Je vais gérer. C'est un sorte de chien, comme un teckel, mais au lieu de la... Enfin, il a une bouche, okay, et à la place de la queue, il a une autre tête. En fait, il a une tête des deux côtés. Ça doit être trop mignon. Et comme ça, ouais, il est aussi très vorace. Et du coup, pour les vipères, genre no way, quoi. Expliquez-moi. Je vois que les vipères, ça vous obsède. Quel est le problème avec les vipères? Non, mais dis-lui juste. Bon, elle n'ose pas le dire. Ouais. Mais en gros, elle a oublié le truc pour guérir les vipères. Et elle a parié avec un mec qu'elle connaissait toutes les plantes médicinales. Ouais, voilà. Sauf que là, elle va perdre parce qu'elle se rend compte qu'elle en a oublié.
Elle a un peu la flemme d'aller à la bibliothèque, donc elle voulait juste savoir c'est quoi l'ingrédient qui permet de guérir les trucs de vipère pour gagner au pub ce soir. Il faudrait. Alors, il cherche, il va te donner une plante. Ça, il faut d'abord absorber le venin par succion. Qui fait ça ? Et ensuite, vous faites. Vous le recrachez après. Excusez-moi, c'est une question théorique ou pas ? Non, je peux. Oui, c'est. Et sinon, vous pouvez. Il te montre une petite fiole, il dit voilà, faites une injection de ça. Mais vous n'avez pas été piqué par une vipère, on est d'accord ? Non. D'accord. Il remet la fiole sur l'armoire. Est-ce que je peux la piquer pendant que quelqu'un la distrait ? Un jet de discrétion. Peut-être pas toi, du coup. Ouais, pas moi. Attends, discrétion, moi je suis à quoi ? Moi, pendant ce temps, je lui dis, vous pensez que la corbouille aime les phasmes ? La corbouille ? Vous pensez qu'elle aime les phasmes ? Je sais pas, peut-être. En fait, c'est surtout le bigouin qu'il a été fait pour ça. 33, c'est bon. Vous connaissez Picanda ? T'as combien en discrétion ? 70. Ah bon, bah tu voles l'injection. Ah, yes ! Vous connaissez Birkanda ? Parce qu'on a un petit village où il se passe vraiment rien d'intéressant. Ça a changé. Deux choses qui vont vous intéresser. Et je pensais qu'on pourrait organiser un voyage scolaire avec les premières années. Super, ouais. Parce qu'à Birkanda, il y a un griffon apprivoisé. C'est impossible. Ah, c'est vrai. Ah si ! C'est vrai ? Enfin, apprivoisé, en tout cas, il accepte de discuter avec les gens sans les dévorer. C'est intéressant. On a parlé avec lui. Vous appelez comment ? Merci Brunel. Non, merci. Marcel. Parce qu'on veut que Marcel Ah. Oui, non, c'est moi. Non, mais on parce est que... trop allé au cours de Shazam. Hein. Non, mais parce que Simrune, en fait, c'est ma sœur et mes parents confondaient tout le temps quand on était petites, ça m'énervait. Donc c'est Marcel. Ouais. Marcel, ok, très bien, intéressant. Donc c'est intéressant parce que le fait que les griffons soient des êtres sentients, c'est quelque chose qu'on ne sait pas et je ne vous ai même pas dit, donc vous êtes renseigné, ça me fait plaisir. Donc vous êtes au courant de ce griffon, il y a un griffon donc, à Birkanda qui serait amical, c'est ça ? Oui, tout à fait. Super sympa. Et en fait, tant que les villageois lui fournissent des chèvres, il accepte de ne pas manger de villageois et de manger des chèvres et de discuter avec les gens qui viennent lui apporter son repas. On peut lui poser des questions. Et en fait, c'est vraiment un être de savoir et d'intelligence impressionnant. Et Birkanda nous accepterait de nous montrer ce griffon ? Ah, bien sûr, oui. Contre quel prix ? Eh bien, quelques chèvres. Franchement, c'est pas, à mon avis, pour organiser un petit voyage scolaire, c'est pas cher. Hein. Donc, on leur achète des chèvres et on a le droit de voir leur. Oui, et puis après, il faudrait consommer un petit peu dans l'auberge du coin, quoi. Voilà. Mais bon, vu le temps de route, voilà, on déjeune là-bas, quoi. De toute façon, il n'y a pas. Oui, on fait une journée, un petit repas. Je vais faire une demande à Everius. Effectivement, c'est une très bonne idée. Je vous donne un double A, Marcel. Waouh, merci beaucoup. Trop bien, trop contente de Marcel. Et là, en aparté, je demande aux autres, est-ce qu'on lui parle de la chèvre ou genre pour essayer d'avoir des infos sur cette chèvre ? Sur la chèvre magique. Mercaline, c'est quand même incroyable cette chèvre magique. Ouais, je vais lui en parler parce que je l'ai. Est-ce qu'on veut des informations sur cette chèvre ? Parce que je l'ai aimée. Dites-moi, je voulais vous parler. J'ai jamais eu autant d'élèves aussi intéressés par les chimères, oui ? Ah, bah nous, on est un peu intéressés par tout. Hein. Vous n'êtes pas le premier prof à nous dire ça, là, on était en administratif. Apparemment, l'université va très bien financièrement. Alors, on t'interrompt. Et quelqu'un frappe à la porte, et c'est Sakana qui vient avec l'ours domestiqué. Elle parle à voix basse, ours, prends son soin. Il dit très bien, donc avec le colis domestiqué, il fait asseoir l'ours dans un coin. C'est bon. C'est quoi votre question ? Ok. Récup. Un jour, j'ai vu, et je vous en parle. Saute dessus et pars en courant. C'est un peu dur encore pour moi. J'ai vu une chèvre, et elle était tellement parfaite, plus que toutes les chèvres, plus que peut-être toutes les êtres. Et je l'ai aimé si fort que quand j'ai dû lui dire au revoir, je pense que ça a cassé quelque chose en moi. Et je me suis dit, du coup, ça doit pas être un animal comme les autres qui a cet effet. Donc, est-ce que vous qui avez ce lien avec cette chèvre ? Non, tout le monde l'adore. C'est pour ça que je l'ai laissé, c'est parce que ça allait briser le cœur d'un homme que je lui prenne. Et bah, tu l'as vu aussi, tu l'as adoré la chèvre. Elle était vraiment mignonne. Et alors, c'est tout à fait intéressant. Vous voulez que je vous donne mon diagnostic, d'expert, mais qui n'a pas vu le sujet ? J'aimerais bien comprendre ce qui m'est arrivé. Moi, je pense que je miserais sur une mutation génétique qui fait que cette chèvre est un vampire psychique qui crée un lien mental avec vous et qui fait en sorte que vous l'aimiez à tout prix et vous avez envie d'en prendre soin. C'est bien que vous puissiez couper le lien avant que vous ayez trop de dépendance, sinon la rupture aurait peut-être même vous aurait fait perdre la folie. Il faudrait absolument tuer cette chèvre ou peut-être l'éloigner parce que sinon elle va poser beaucoup de problèmes à l'avenir. Mais s'il y a déjà des gens qui l'aiment très fort comme elle Pouillou, le problème c'est qu'elle va mourir, si j'ai bien compris le professeur. Le problème c'est qu'elle va mourir un jour et que les gens qui l'aiment, ils vont devenir fous de chagrin de l'avoir aimée. Tuer maintenant. Il vaut mieux qu'il y ait que quelques personnes qui soient fous de chagrin plutôt que tous les gens. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je vous entends parler, vous n'êtes pas des justicières.
Bah non, 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 mais on s'intéresse aux choses. Mais vous nous dites cette chèvre, peut-être elle va faire du mal. On se dit bon, elle viendra quoi, qui de droit finalement. Mais on va pas le faire nous-mêmes. Cela dit, effectivement, si vous, enfin, je vous mets en garde parce que s'il y a déjà un lien affectif très fort, si vous tuez la chèvre vous-même ou si vous la capturez, ben vous allez avoir tous les gens qui l'aiment qui vont vous poursuivre jusqu'à la mort. Oui. Peut-être qu'on peut-être on laisse cette ce truc oui, voilà, reposer. Peut-être on laisse quoi. Le berger. Peut-être on vous laisse faire ça. Ok. Merci professeur. Merci beaucoup. Trop contente de repartir avec une corbouille. Il est 11h. Injection pour ton poison mortel. Tu peux me faire l'injection de lapin pour ton poison mortel. Tu peux me faire l'injection de vipère là. Alors qui procède à la succion de ta forçure. Alors choisis. Il faut quel point de vie donc. Quel talent. Moi j'ai 9 points de vie. Moi j'ai 15 points de vie. Allez, tu vas le faire pour l'équipe. Donc lance les dés. Et fais pas un trop gros score, fais moins de 80. Ouais. Sinon, tu demandes beaucoup fibres. Sinon, tu peux la mordre, tu peux. Tu vois. Tu vas t'arracher la main, tu peux t'empoisonner. Non. Allez. J'espère qu'on a assez pour deux injections. Non, mais c'est pas toujours à moi que ça doit arriver les trucs de merde quand même. Hein. Oui, bah c'est pas toujours à moi que ça doit arriver les trucs de merde. T'as fait ton 0-1 avec ton ours là. Combien ? 72. Tu mens. C'est combien ? C'était quoi ? Mais 84. Non. Non. Non, c'est pas pour moi. Elle va juste te mordre un peu. Elle va te mordre un peu. Alors, non, non. Le problème, c'est qu'effectivement, elle absorbe le poison tellement fort qu'elle aussi, elle devient empoisonnée. Ah, purée. Ah, merde. En fait, elle a des problèmes dans les gencives. Le poison est passé dans son Mais du coup, on doit lui sucer les gencives, là ? Non, non. Pas besoin de sucer. Le poison, malheureusement, il y a juste à faire deux injections maintenant. Ok, bah, c'est parti avec tu la. Tu perds un point de vie, par contre. Ah, non. On peut se les partager ? Enfin, on peut se partager l'injection. Il faut réussir deux fois un jet de dextérité. Ok. Il y a une bonne dextérité. Vous mettez dans un coin sombre et vous procédez à l'injection. J'ai 80, donc je vais vous piquer dans une ruelle sombre comme on fait en train de. Yes, comme à Barcelone. Bon, je suis désolée d'avance si je rate. Ok. T'as pas le droit de rater là. Je commence par toi parce que t'as moins de points de vie. Merci. 75. Ouf. Ça déborde un peu, mais tu es soigné, tu es guéri. Yeah! Tu n'auras pas des points de vie, mais tu n'en perdras plus. Ouais. Ok, ne me bute pas, s'il te plaît. 46, c'est bon. Oh, c'est bon, je vais sauver. Yes. Plus de piqûres de vipère. Plus de vipère. Peut-être que la prochaine fois, on réfléchira avant de parler à un serpent aussi. J'étais très enthousiaste pour ce plan. J'oublie tout le temps que t'as 20 et que ça marche jamais. Il est 11h, quelle est la prochaine étape ? Et on va prophétie. Prophétie. J'aime trop cette journée. Je suis la seule à vouloir aller au truc de la sororité. Moi, je veux trop aller à l'initiation. Moi, je veux aller au combat magique pour apprendre des trucs. C'est vrai que si vous voulez optimiser, en fait, vous montez, parce qu'il y a plein d'étages, vous passez devant plein de... Alors, vous passez devant les artefacts à nouveau, vous passez devant le terrain d'essai, où il y a le fameux... Vous passez devant les combats magiques, vous passez dans les envoûtements, et vous arrivez aux prophéties. Donnez-moi une seconde, je vous retrouve les prophéties, et on le fait tout de suite. Prophétie. Vous êtes déjà allé, je crois, la dernière fois, non ? Oui. Mais en fait, il n'y avait que Eddie qui pouvait lire. Il n'y avait personne, ouais. Donc, la salle où est enseigné l'art des prophéties, vous y arrivez, elle est circulaire. Elle est vraiment sous le toit de la tour de l'université, avec des symboles étranges gravés sur le sol de pierre noire. Les élèves sont en cours pratique, parce qu'en fait, c'est un peu un centre de profit, parce que les gens viennent du monde entier à la tour du savoir, ils envoient des lettres. Et où ils envoient des messages dans lesquels il faut faire des prophéties. Donc, il y a des boules de cristal, il y a des volutes de fumée, tout ça. Vous êtes reçu par le professeur qui s'appelle Harpocrate. Harpocrate vous reçoit et dit, bon, vous êtes prêts ? Prêt à prendre un petit stand à faire des petites prophéties, c'est bon ? Ouais, magnifique. Bon, vous avez bien révisé ? Ouais, toujours. Surtout Ice of Glad, il est vraiment super. Très bien. Vraiment super. Et n'oubliez pas la règle, si la prophétie rime, elle est encore plus vraie. Ouh. Donc, il vous assied devant une boule de cristal. Ouais. Et là, voilà. Tu as quelqu'un, un visiteur qui vient. Donc, c'est un diplomate, il dit « Bonjour, je représente le prince d'Akaba. » Donc c'est monsieur, il s'appelle Monsieur Vouivre. Vouivre. C'est les dragons avec des pattes. Le prince, alors c'est secret ce que je vous dis, le prince est tombé amoureux de sa cousine au second degré. Et il sait que la famille n'est pas trop d'accord avec ça. Et il pose la question à la Cité du Savoir. Le prince d'Akaba doit-il suivre son cœur ou plutôt suivre les bienséances de sa famille? Maintenant, émettez la prophétie. Ah, c'est nous toutes ou que... Bah, normalement, il y a une boule de cristal. Voilà. Ouais.
vous devez l'invoquer d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas si vous savez faire, et grâce à la vision que vous allez avoir, il faut... Ah, je peux avoir la vision ? Bah vas-y, tu mets tes mains sur la boule de cristal, vas-y, fais un jet, alors lance les dés. C'est une grosse boule. Lance les dés. 91. 91. Tu vois, alors, tu vois l'ours dans le salle des chimères. Mmh. Il est sur la table d'opération, il est encore vivant. Et le docteur Zipfus est sur le point de lui ouvrir le ventre. Mais non ! Horrible. Mais peut-être c'est pas vrai. Alors, il voit ton regard affreux. Et oui, il vous dit, mais c'est si affreux ce qu'il y a là-dedans ? Si avec... attends, quoi ? Je vais l'avoir. Attends. Une prophétie qui rime ? Ouais, j'essaye. Tu veux qu'on fasse une phrase chacune ? Faut sauver l'ours. C'est ça ? Faut sauver l'ours ? C'est non, ça non, votre non, prophétie non, Si son cœur, le prince écoute... Sérieux, sur août ? Bah, y a plein de mots en août, genre août. De, le sang ne sera pas versé, pas une goutte. Au mois d'août. Voilà. Alors, c'est pas mal, ça rime. Et ça veut dire quelque chose. Peut-être, sauf la dernière partie. Que... bah, mariage en août. Un seul mois où ça va bien se battre. Alors, mariage en août. Oui, vous demandez à une seule personne, une seule d'entre vous, à redire la prophétie que vous venez de dire. Si le prince son cœur écoute, du sang ne sera pas versé, pas une goutte, en août. C'était au moins à peu près. Lance les dés, fait moins de 80. J'adore faire ça. On peut rester là toute la semaine. Putain. Combien ? Oh putain, j'ai fait 96. 96. C'est chaud. Alors, Weave dit, mais c'est honteux. Il dit, non, je vous avertis, je suis profondément insulté par au mois d'août, ça veut rien dire. C'est pas du tout ce que j'attendais, je suis outré. Alors, le professeur Harpocrate, il dit, bah, les prophéties, ça se dirige pas, elle a vu quelque chose dans la boule. Il dit, c'est très grave ce qui s'est passé, et je vous avertis qu'Akaba n'enverra plus personne à l'université, il va couper tous les fonds. Voilà, il s'en va vexé, et vous avez perdu. Vous me rappelez vos noms, Harpocrate, il dit, vous qui avez utilisé, vous me rappelez votre nom ? Simrune. Simrune. Bon, j'espère que vous allez vous rattraper. Deuxième personne arrive. C'est monsieur Onyx Fenn. Alors, Onyx Fenn, il dit moi, j'aime bien jouer aux courses de chevaux. Et j'ai tout perdu. Donc, je voudrais juste que vous me disiez la course de demain. La course de demain à Bérite. Quel est le cheval qui va gagner ? Oh, j'aimerais trop le refaire. Mais je peux essayer ? Oui, bien sûr. Ouais, vas-y. Allez. Je fais un jet de dés. Non, pas la peine. Ah oui, pour le regarder dans, la boule. Lance les dés. Je vais encore faire... Allez, on fait moins de 80. 23. 23. Tu vois, tu te vois, toi et tes trois amis. Ouais. Dans... attends, je réfléchis. En train de parler à un professeur et t'entends le mot golem. Ah, ok. Je me souviens de ce que c'est. C'est un petit être en pierre qu'elle a croisé au bar. Ah yes. Alors, que dites-vous à Onyx Fenn ? Dans le monde des courses hippiques, le gagnant est un porc épic. Alors, vas-y, lance les dés, fais moins de 80. Oh, le gagnant est J'espère un porc épique. J'espère qu'il y a un cheval qui s'appelle Sonic. Porc épique ? Combien ? Elle a fait pareil. Elle a fait pire. Oh, j'ai fait 22. J'ai fait 99. 99 oh, choc ! Alors, Onyx Fenn, il dit c'est impossible parce qu'il y a un cheval qui s'appelle Porc Épic et il s'est cassé les deux jambes hier. Vous voulez vraiment que je mise sur lui ? Alors, il y a Porcat qui dit mais c'est pas possible. Mais enfin, vous faites tout de travers. Vous vous appelez comment ? Quel est votre nom ? Je m'appelle. Oui. Yann Sidia. Yann quoi ? Yann Sidia. Yann Sidia, très bien. Qui déjà ? Vraiment, alors vous, je vous mets un F. Afro, j'ai jamais vu un truc. Vous êtes vraiment à côté de la plaque. Ah, désolé, je suis un peu nulle en prophétie. Je vais m'améliorer. J'ai trop envie de me rattraper. Non, c'est pas vous. Il reste plus que ça. Ouais, vous tentez de faire une prophétie ? Oui, on va y aller. Ouais. Vas-y. Alors, donc, c'est une mère de famille qui arrive. On va l'appeler Inru. Inru, elle dit, écoutez, j'ai une question un petit peu bête à vous donner, c'est que
tous mes enfants sont moches et stupides. Et j'ai quand même envie d'en avoir d'autres. Donc je voudrais savoir si je dois continuer ou pas. Okay. Lance les dés. 18. Elle te fait ça d'une efficacité. Genre oui, bon, ouais, c'est quoi ton mouvement? Tu as une vision de toi dans un tu as une vision de toi dans un cours. Donc tu es dans un amphithéâtre. Tu as un cours très étrange où tout le monde semble endormi. Et tu as une voix qui te dit « Le corbeau, le corbeau ». Cela dit, fais ta prédiction pour Inru. Lors de la naissance ultime, l'enfant sera sublime. Voilà. Oh. Ah, c'est beau, hein. Elle va continuer à faire des enfants moches, du coup. Combien? 90. On est trop nuls. Pourquoi on est si nuls? J'ai envie de partir. Harpocrate, il dit, mais il y a un vrai problème. Bon, je vous écarte plus du tout de prophétie. Mais c'est pas du tout ça. On voit bien, il faut qu'elle arrête de faire. Arrêtez de professer. Vous l'avez maudite quasiment. Bon, vous arrêtez. Dommage. Alors, je vous dis, hein, c'était rémunéré. Donc, là, déjà, vous ne touchez rien. Moi, je peux pas le faire. Non, c'est terminé. Il y a plus de. On a tellement raté. On en a fait que 3. Oui, mais on est tellement nuls qu'ils arrêtent. 1 million à l'école. On va arrêter les frais. Parce que c'est la meilleure. Il y a pas. Voilà. La barre est basse. Je crois qu'il faut tout reprendre. C'est quoi votre nom déjà? Silly Joya. D'accord. Silly Joya. Bah, écoutez, je veux mettre un F collectif. Wow. Bah, sauf à vous, vous y échappez de peu. Il faut tout reprendre à zéro. Vous êtes des premières années? Oui. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut se poser une question à nous, quoi, pour s'entraîner? Bah, je vous conseille de ne pas suivre ce qui va arriver, mais oui. Bah, non, mais vous pourriez nous la lire pour nous expliquer un petit peu. Donc, quelle est votre question? Est-ce que je dois avorter? Mais c'est pas du tout la priorité. Elle se concentre. On lui demande, c'est un peu. Lance un dé à 6 faces. Genre, est-ce qu'on va survivre au péril souterrain, tu vois? Et comme ça. Attends, avant de le lancer, elle te dit, mais effectivement, malgré votre jeune âge, vous êtes enceinte d'hier. Il y a un enfant qui est en vous, qui est en train de grandir. Ouais, je sais. Ouais. Nous, on l'apprend là. Votre enfant, alors tu vas lancer les dés. Si c'est un 1, c'est un garçon. Si c'est un 2, c'est une fille. Si c'est un 3, c'est des jumeaux garçons. Si c'est un 4, c'est des jumelles. Si c'est un 5, c'est des triplés, je te laisserai choisir. Et si c'est un 6, c'est un démon, une créature de l'inconnu. Mais j'espère que c'est un démon. À surface, du coup. Ouais. 3. C'est quoi, ce sont des jumeaux. Je les appellerai Romulus et Rémus. On les appelle pas sinon, hein. Non, je vais les enlever, hein, la vérité. Déjà, flemme un peu, mais alors deux flemmes. Vous comptez vous débarrasser de ces jumeaux? Vous voulez que je vous fasse une prophétie sur le fait que vous allez vous débarrasser ou pas de ces jumeaux? Ouais. Vas-y, lance les dés, si tu fais un nombre pair, tu n'y arriveras jamais. Mais quoi? Tu as dit oui, c'est trop tard. Si on a un nombre pair, j'y arriverai jamais. Comment ça, j'y arriverai jamais? Elle n'arrivera jamais à se débarrasser des jumeaux? Bah, c'est la... Elle demande une prophétie sur ces jumeaux. 3 Ouais. Attention Isabeau, hein, mon petit cœur là, il va pas bien. Hein. Vous allez réussir à vous débarrasser des jumeaux. Ouais. C'est ça, c'est de la prophétie, vous voyez? Ça, c'est clair. Ah oui, mais ça rime pas. Hein. Ça, c'est vrai, ça rime pas, mais au moins ça donne la bonne information. On s'est peut-être trop concentré sur la rime. Ouais, je pense qu'on n'a pas dirigé notre énergie au bon endroit, mais merci. On a cru qu'on était en cours de poésie, enfin. Ouais, c'est clair. Bon, c'est tout. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Vous allez réviser? Bah non, mais on pourrait peut-être faire une autre prophétie, parce que vous avez l'air super fort. Moi, j'ai appris plein de trucs. Alors là, les prophéties, je vous ai fait une prophétie de démo. Maintenant, il faut bosser chez vous. Si vous voulez une prophétie en tant que client, pas de problème. 5 pièces d'or. 5. Ah bah, par contre, les mais prophéties sont garanties. Mais on est étudiant, monsieur. Il n'y a pas un prix étudiant? Un tarif? Allez, disons 2 pièces d'or. Moi, je ne les mets quand même pas. Ouais, je ne mets pas 2 pièces d'or. On n'a rien à lui demander, c'est pourquoi on est là. Bah si, pourquoi le sous-sol et tout. Aparté. Oui, les pièges et tout, est-ce qu'on va mourir, quoi, globalement? On lui demande ça? Ouais. Est-ce qu'on va réussir? Mais est-ce que le fait qu'il voit dans sa boule de cristal ce qui va nous arriver, ça ne va pas nous dénoncer? Genre, il va les balancer à une ville? Bah, nous, dans la boule de cristal, on n'a pas du tout vu les bails des gens. Les gens, ils nous disaient, je veux gagner aux courses de chevaux. Et oui, nous, mais parce que nous, on est mais là, on va lui demander un truc. On n'a pas demandé. Non, mais si on lui demande un truc vague, genre, va-t-on survivre à ce qui nous fait peur? Ouais. Comme ça, il sait bien. Tu vois. Ouais, ouais, ouais. On paye 2 pièces d'or? Allez. Non, mais sérieux, on va claquer 2 pièces d'or pour ça? Mais comment tu veux faire? Enfin, sinon, on ne peut pas avancer, quoi. C'est ça, on est coincé.
Bah, en vrai, on s'en fout, non ? Enfin, au pire, s'il nous dit qu'on va mourir, il faudra bon, je le passerai un autre truc. Près, okay. Allez, bah, j'en mets une, t'en mets une. Allez. Quelle est la question ? Va-t-on survivre à ce qui nous fait peur ? Ou va-t-on... Bref, oui, on fait ça. Va-t-on survivre à ce qui nous fait peur ? Alors, il se concentre. Heureusement, c'est un professeur de prophétie, donc... Et un professeur émérite, il dit... Ah, intéressant. Alors, comme votre formulation est vague, je n'ai que des réponses vagues à vous donner. Oh mais... non, ça va être un truc d'horoscope encore. T'as fait qu'à pas cramer la question avec ton truc d'avortement. La question gratuite, tu l'as carjacké, mon gars. Il y a 3 épreuves. Vous avez déjà la réponse de l'une. Et les 2 autres se trouvent dans 2 autres cours. Ok. Merci. 3 épreuves. Et c'est fini pour les prophéties. Qu'est-ce que vous... Quelle est la prochaine étape ? Sachant qu'on est en début d'après-midi. Donc là, on a 2 autres cours où aller pour savoir comment passer les autres étapes. Mais c'est bah, là, le cours de prophétie, c'était un des cours. Je et pense... on ne sait pas parce qu'on n'a pas posé les bonnes questions. Je pense qu'il y a enchantement. Envoûtement, combat magique. Il y a invocation, envoûtement, c'est ça ? Envoûtement, c'est bien. Non, c'est il y a invoquer. Alors de bas en haut, évasion des conséquences, donc droit, alchimie, invocation, sciences psychiques, artefacts, terrain d'essai. Également, il y a chimère qui est un entresol, combat magique, envoûtement, prophétie. Ok, bah les 3 qu'on n'a pas fait, c'est envoûtement, invocation et combat magique. Mais c'est on peut peut-être aller un peu. On a fait alchimie. Alchimie, on l'a fait, on a eu A. Ouais, la dernière fois. Avec la bonne hydroga. Tout à fait. Eh bien, allons à envoûtement. Envoûtement. On va pas au terrain d'essai ? Bah, on fait tout. Okay. Juste en dessous des prophéties, vous descendez d'un étage. Donc, c'est une professeure qui s'appelle Madame... je manque un peu de nom. On va l'appeler Sherlock. Madame Sherlock, une jeune femme bien charpentée, qui a un 3e œil au milieu du front. Oh, classe. Et par contre, personne ne lui en parle, donc voilà. Donc elle dit, et c'est la fin du cours quand vous arrivez, parce que et elle dit, ben voilà, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des malédictions. Il faut affronter les malédictions. Il faut même créer les malédictions. Hein ? Il y a rien de mieux. Moi, je suis maudite. Hein. T'es plus maudite. Alors tu rentres et tu dis, je suis maudite. Vous êtes maudite, madame. Vous avez quoi comme malédiction ? J'ai une maudite. Vous êtes élève ici ou pas ? Oui. Quel est votre nom ? Ace of Glad. Ace of Glad, vous êtes maudit, qu'est-ce que vous avez comme malédiction ? On m'a jeté un sort dans un verre de... Poulque maudit de Kniga. Ah, le poulque maudit, pourquoi vous nous en parlez ? C'est rien du tout, c'est juste ça vous porte malheur une nuit, quoi. Pendant une nuit, il se passe des choses qui... Oui, mais ça peut porter malheur toute la vie aussi. Julie, hein, C'est décevant. Rien d'autre, pas d'autres pensées sur les malédictions ? Alors, les élèves s'en vont. Voilà. Non, bah du coup, c'est hyper intéressant cette histoire de faut pas avoir peur des malédictions. Désolé, on était retenus avec monsieur Harpocrate. Vous arrondissez vos cours de prophétie un peu long. Vous arrondissez vos fins de mois en faisant des prophéties, c'est ça ? Bah, il faut bien, vous savez, c'est ça où travailler à la taverne et c'est assez plein. Et du coup, pour rattraper et pas être largué au prochain cours, donc il faut pas avoir peur des malédictions, il faut en créer. On peut créer des malédictions. On peut créer des malédictions, on peut aussi enlever des malédictions. Et comment on fait pour enlever une malédiction ? Oh, je ne vais pas vous faire court, vous étiez court... À moins que vous êtes une bonne prophétesse ? Oui, oui. Faites-moi une petite prophétie pour demain. Ok, bah posez-moi votre question. Non, mais comment sera ma journée de demain ? Ah, un petit horoscope. Okay. Je la fais maintenant. Ouais, en rime, s'il vous plaît. En rime. En août. L'après-midi sera radieuse. Malgré la présence d'une femme odieuse. D'une femme odieuse ou d'une météo pluvieuse ? D'une femme odieuse, car c'est moi qui suis bonne en prophétie. Intéressant. Ok, je prends en compte. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez créer votre malédiction ? Bah, vous levez ? Est-ce qu'on va être les deux ? Levez ? Bah, levez surtout. Parce... Alors, lever les malédictions, il faut connaître la malédiction. Oui, ah bon, bah du coup c'est trop générique. Bah, du coup, créer une malédiction. Vous voulez créer votre malédiction ? Donc, vous voulez quoi comme malédiction ? Plus c'est compliqué. Une malédiction qui immobilise. C'est pas mal immobiliser, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Bah oui, disons. Est-ce que c'est possible une malédiction qui fait qu'on est un peu, alors pas invisible, mais juste on indiffère les gens ? Il ne faut pas attention à nous. Non, c'est horrible. C'est pas une... Donc, on jette une malédiction à quelqu'un, oui. Et ça fait qu'il ne nous prête plus attention à nous, mais que cette personne, pas les autres.
par exemple. Ça n'a pas l'air d'être une malédiction, c'est plus un sort d'invisibilité. Ça dépend. Vous êtes en train de filouter, là. Non, mais ok. Non, bah, dis-moi une malédiction qui immobilise. Alors. Quelqu'un qui devient très mauvais dans son travail tout d'un coup. Tout ce qu'il fait est raté. À votre niveau, on peut faire effectivement des malédictions de maladresse. On peut faire trébucher quelqu'un avec un petit mot magique. Et comment on ferait ça, du coup? Eh bien, il faut créer un mot. Donc, imaginez une petite formule. Trop bien. Qui ferait trébucher quelqu'un. Chevillus fragilus. Chevillus fragilus, qui ferait trébucher quelqu'un. Donc, Chevillus fragilus, lance-moi un dé sous ton intelligence auquel tu enlèves 20%. Si tu arrives à faire ta Chevillus fragilus. 50. 5 ? Non. Je veux que je fasse 50. Ah, 50. Ou moins. Très, très moins. 27. 27. Ouh ! Et donc, maintenant, tu peux... Après quatre prophéties, ça a servi. Vous pouvez toutes lancer une fois un Chevillus fragilus. Voilà. Ok, magnifique. C'est très, très intéressant. Et maintenant, si vous permettez, je vais aller manger. Bon appétit. Où seront je me suis toujours demandé, il y a une cantine pour les profs? Non, pas pour les profs. Enfin, il y a une cantine générale. Moi, j'ai juste un petit panier, je vais aller manger sur le campus. Attention, il paraît qu'il y a un ours qui se promène. J'ai entendu parler de cet ours, mais je crois qu'il est à ce moment chez le docteur Skinkos. Skinkos, donc tout se passe bien, tout est sous contrôle. Il s'y connaît en animaux. Quelle est votre prochaine étape? Eh bien, du coup, duel... Combat magique. Combat magique. Combat magique. T'avais dit qu'on allait faire tous les cours. Non, pas de problème. Alors, de toute façon, il faut qu'on trouve... C'est par propos. Alors, c'est un couloir encore, latéral, et normalement, qui devrait monter dans une tour qui n'existe pas. Et malheureusement, vous arrivez dans une sorte de gymnase plutôt grand, mais il n'y a plus personne parce qu'il est midi. Est-ce que vous voulez attendre ici ou... Non, mais on sait que les cours, c'est que le matin et c'est pas l'après-midi. Ah, il n'y a pas de cours l'après-midi? Est-ce que je peux observer pour voir s'il y a des armes, des trucs qui pourraient m'indiquer un peu comment se déroule le cours? Il y a des cibles. Il y a des cibles, c'est tout. Donc j'imagine qu'il faut lancer des sorts sur les cibles. Et il y a, ok, il n'y a rien qui... Il n'y a pas un étudiant qui a oublié un médaillon dans un coin ou quelque chose? Non, mais je pense que vous êtes au max en termes de médaillon, non? Bah ouais, mais il y en a un qu'il va falloir qu'on rende. C'est ma logique. Bah, tant pis. On va au truc d'entraînement, au terrain d'essai. On va au terrain, ouais. Parce que ce sera pareil en envoûtement, je pense, en invocation. Terrain d'essai, donnez-moi une seconde. Parce qu'il faut quand même qu'on trouve c'est qui la Kappa Kappa Gamma qui a piqué la dague avec un gars. Parce que comme ça, on peut lui repiquer la dague et bah, on n'est pas obligé de la donner à Tanemesis, on s'en fout, mais on a une dague ultra... On peut la donner à Ingvild pour faire genre en étant de son côté et avoir des... Non, elle va nous arracher les poils avec ses yeux. Ingvild, elle va buter Eddie en une seconde. Ouais. Ah oui, en plus, elle la déteste. Mais on peut avoir une dague stylée. Il y a deux doubles portes pour le terrain d'essai. Vous passez la première double porte. Et là, il y a une première année qui s'appelle Lady M. Elle dit, ah, vous... C'est le nom de mon cheval, je crois. Vous voulez rentrer... une deuxième Lady M. Vous voulez rentrer... faire le test des sorcières? Ouais, vous êtes toute la journée, on était hier à la soirée, là ça a l'air. Moi j'ose pas trop, j'arrive pas du tout à m'intégrer, je suis vraiment... Okay. Enfin, comment dire, est-ce qu'on pourrait faire un truc du style, si vous rentrez dans les Kappa Kappa Gamma, vous me cooptez? Comment tu t'appelles? Lady M. Mais tu pourrais, du coup, t'as fait des trucs déjà pour essayer de rentrer, t'as des arguments pour qu'on puisse pousser un peu en ta faveur? J'ai essayé de faire des trucs, mais c'est compliqué ce que j'ai fait et j'ai eu des ennuis, donc... Là, elles veulent toujours pas de moi parce que j'ai pas trouvé les bons arguments. Donc Attends, mais tu veux pas nous dire comme ça, on a moins de chances de rater et comme ça, on peut te faire rentrer. J'ai pas encore rentré justement. J'attendais que des gens passent avant moi pour faire le test. Et après, vous sortez, vous me dites comment ça s'est passé. Non, mais tu peux nous dire ce qu'elles t'ont reproché comme ça, on sait ce qu'il faut pas faire. Elles m'ont rien reproché pour le moment. J'ose pas trop aller les voir pour le moment. Ah, parce que tu penses que. Ben alors, dis-nous, nous, on peut te donner. Donc on peut faire le test et lui demander de nous raconter. Mais qu'est-ce qui t'a attiré des ennuis du coup? Pourquoi t'es inquiète comme ça? Avec un pote. On a essayé de voler un truc et on l'a fait. Et en fait, on a volé un truc qui est trop vénère. Et si on s'aperçoit qu'on l'a volé, je crois que ma vie est en danger. Donc, j'en dis pas plus. Oh, c'est voilà. Chaud. Non, je vous connais pas en plus. Ça se trouve, vous êtes des rapporteuses, des sycophantes. Alors déjà, on n'est pas des sycophantes. Hein. On est plutôt... était à la soirée hier. Cooptez-moi, on sera carrément pas des sycophantes. Ok, on va faire le test. Vous passez la porte. Vaste salle bordée de gradins capables d'accueillir jusqu'à 800 personnes. Donc, normalement, il y a des événements solennels, genre des discours, des passages d'élèves à professeurs. Et il y a beaucoup d'affiches qui annoncent aussi des concours d'échecs, d'inventions. Il y a des filles de Kappa Kappa Gamma qui ont mis une petite estrade où elles reçoivent les gens et elles disent « Ah, des personnes veulent intégrer peut-être la confrérie des sorcières du Sud ».
C'est le cas ou pas? Tout à fait. Oui. Ouais. Vous quatre, c'est ça? Oui. Ouais. Qui veut commencer? Ouais. Ouais. Dans y aller. Quel est ton nom? Si tu dis pas ton nom, ça va être compliqué. Hein. Isabeau. Isabeau. Wow. Ça y est, on sort de l'anonymat, là. Alors, Isabeau, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Pour entrer dans le club des sorcières du Sud. Très bien. Est-ce que tu as la haine contre le monde? Ouais, j'ai la haine. T'es en quelle année? Première année. Ta matière préférée? Chimère. Et donc, t'as la haine contre quoi? J'ai la haine contre les gens, les vieux mecs là qui font des chimères. Et moi, je voudrais faire partie de la nouvelle génération de gens qui font des chimères de façon noble et pas en tuant des animaux, en fait. Ouais, c'est pas très, comment dire, t'as pas envie de changer le monde, en fait. T'as juste envie de parler de chimères, quoi. Ah c'est non, mais peu, j'ai envie de changer... C'est un peu la norme des chimères. Non, mais en fait, j'ai envie de changer le monde par les chimères parce que je crois que les animaux sont les êtres les plus purs et du coup, qui vont changer les humains. Alors, elles se regardent, elles disent... Non, désolé, t'es recalé. What? Dégage. Qui veut passer? Allez. Vous là? Oh, elle est grande. Vous me rappelez Simrune? Ouais, on est cousine. Quel est votre nom? Suave. Quelle année? Première année aussi. Matière préférée? Combat magique. Très bien. Donc, est-ce que t'as la haine contre le système? J'ai trop la haine. J'ai trop envie de retourner le système. Et t'as envie de faire quoi? J'ai envie de me rebeller contre les gens qui font des chasses aux sorcières partout dans les mondes autour et qui traitent les femmes de sorcières et qui se servent de ces excuses-là pour leur faire du mal ou pour les pendre, parce que j'ai déjà vu ça. C'était horrible, il y a des procès qui sont faits aux femmes partout dans le monde. Alors pourquoi pas, mais tu vas faire quoi du coup? Je vais chasser les chasseurs de sorcières. Wow. Tu te sens capable? Ouais, je suis super forte. D'accord, et demain par exemple, tu vas continuer à faire des cours, mais concrètement, demain tu te lèves, tu vas faire quoi? À part aller en cours? Ouais. M'entraîner pour devenir de plus en plus forte et pouvoir chasser les chasseurs de sorcières. Et très commencer bien à faire une liste de noms. Tu rentres chez les Kappa Kappa Gamma. Bienvenue. La chance, voilà. Salut les copines. Elle te donne une petite robe, une robe à ta taille, pas petite, une robe de mage, pas une robe féminine, une robe or et blanche. Trop fière de porter vos couleurs. Qui veut rentrer chez... Vas-y, j'y vais. Vas-y. Alors, quel est ton nom? Je vais refaire. Salma. Quelle année? Première. Matière préférée? Alchimie. L'alchimie. Tu aimes bien le professeur d'alchimie? C'est pas tant le professeur qui me passionne. Les profs, ça me passionne pas en général. Mais les... T'es un amoureux? J'aime bien. Pas trop garçon. Pas trop... Plutôt fille? Ouais. D'accord. T'as la haine contre le système ou pas? Mon gars, j'ai tellement la haine. Je suis tellement saoulée en permanence. Tu sais ce qui me saoule? Spécifiquement. On vit dans un monde où les mecs... Ils sont fertiles tout le temps, ok? Nous, on est fertiles que quelques jours par mois, on n'est pas chiante. N'empêche que quand on couche avec un mec, c'est arrivé à une pote il n'y a pas longtemps, c'est un vieux gars. Et limite, je dis pas qui c'est, mais il avait en plus un rôle un peu d'autorité sur elle. Mmh. Il l'a fait boire, il lui a fait boire des shots, ensuite il la ken, il l'a mise enceinte. Ma pote, elle est mineure, et maintenant elle est là, elle est enceinte, et on est obligé de faire des pieds et des mains pour trouver la sauge des lapins. Et moi, je dis... Enceinte de jumeaux, ouais. J'ai envie de créer... De jumeaux, mon gars. Sa vie, elle est finie, des jumeaux. Comment tu vis avec des jumeaux? Comment tu fais? Ils mettent des années à être autonomes, les gars. Ah, attends, elle te coupe, elle dit ton exemple, il est ultra spécifique et précis. Mais parce que je te dis, c'est la haine. D'accord, c'est mais si tu résous ton problème... D'accord, est-ce que tu as un projet global de vie, ouais, autour de ça? Je vais développer des trucs que les femmes peuvent prendre, et comme ça, elles ne tombent pas enceintes. Et c'est elles qui décident. Mais ça, c'est pas la c'est violence, pas c'est la conciliation. C'est pas changer que la moitié de l'humanité soit non, obligée de vivre des grossesses non désirées. C'est pas assez vénère. De se battre. C'est pas assez vénère. Next. Pardon. On verra comment tu seras une sorcière du Sud quand tu seras en cloque. Est-ce que tu veux te présenter ou pas? Oui. Quel est ton nom? Eddie. T'es un mec? Mitchell. Eddie Mitchell. J'ai pas le temps pour ça. Quelle année? Il y a que toi qui me prends. Première année. Matière préférée? Ça me servirait. Les prophéties. Ah, les prophéties. Tu peux nous faire une petite prophétie? Pourquoi on fait ça? Quand les sorcières du Sud prendront leur envol, tout d'un coup, partout, ça décolle. Wow. C'est bon, t'es chez nous. Elle te donne une petite robe. Pardon. Incroyable. Je suis choquée. On est deg toutes les deux. Franchement, Salma, moi, je trouve que nos projets, ils étaient incroyables. Vas-y, on les fait quand même. Alors, elle vous met dehors. Par contre, vous deux, vous restez. Elle vous dit, bon, il y a un truc, c'est que déjà, vous pouvez aller à la fiole pleine tous les soirs. On fait une teuf.
Et alcool gratuit pour vous, il n'y a pas de problème. Et bien entendu, vous pouvez aller au dortoir vert, nous retrouver, bien sûr. Bien entendu. Voilà, vous êtes maintenant l'élite à vie de la Kappa Kappa Gamma. Je déteste ça. Contente, je vous adore. Triggered. Très bien. On est avec la miskine qui n'a pas d'amis. Ouais, là, de ouf. Les DM, là. Oui. Donc, ça me rappelle trop ma vie. Donc, vous ressortez, finalement, vous retrouvez. Vous avez deux magnifiques robes. T'as vu, ma robe, elle est dorée. Alors, les DM, elle dit maintenant, vous allez me coopter. Bah ouais, carrément. On va voir ce qu'on peut faire. Non, mais ce que t'as fait, parce que si c'est chaud, tu vas peut-être avoir besoin d'aide avant. On a volé un truc super grave, mais c'est mon pote qui l'a gardé. Ok, mais t'as confiance en lui ? C'est un mec fiable ? Bah en fait, moi je m'enlève les mains. C'est pas moi qui l'ai, l'objet. Mmh. Mais ouais, t'as mais pas peur qu'il en fasse n'importe quoi ou qu'il t'accuse ? T'es sûr que c'est pas un psychophone ton pote ? Bah s'il me balance, il dit quoi ? Il dit elle m'a aidé à aller. Moi je dirais c'est pas le cas. Et puis en plus, vous êtes des Kappa Kappa Gamma, vous allez me protéger. Bah si t'es coopté, hein. Moi, je gâche pas l'embrouille. De toute façon, t'es même pas dedans. Qu'est-ce que bah tu non, parles je mets pas dedans. J'ai la haine, moi. J'ai la haine du monde en fait. Maintenant, j'ai la haine du monde. J'ai la haine du rejet social. Bon, tu vas me coopter, toi ? En fait, ouais, c'est pas si simple. On va t'aider. Que tu passes l'entretien, mais on peut te coacher, ouais. Mais non. D'abord, faut que tu nous expliques un peu comment ça se passe avec ton pote et le truc super chaud qu'il a volé. Parce que nous, on ne peut pas coopter quelqu'un qui est soit en danger, soit mon pote, qui peut mon se pote s'appelle Monkey Carnival et il adore les poissons. Les aquariums, il en a plein. Moi aussi. Du coup, je te conseille de pas beaucoup parler poissons. Pourquoi elle la ramène tout le temps? C'est fou, elle a toujours quelque chose à dire. Toujours. Voilà, il s'appelle Monkey Carnival, il vit au dortoir bleu, voilà. Mais j'ai plus du tout de relation. Donc ce que je vous propose, c'est que ce soir, à la taverne de la Fiole Pleine, dans l'ordre de soirée, moi, je serai au rez-de-chaussée et vous voulez parler de moi. Et puis, mais demande à ton pote de venir, peut-être. Ah non, moi, je n'ai plus de relation avec lui, je ne le vois plus, je ne l'ignore. C'est le mec qui me parle, je fais comme si je ne l'avais jamais vu. Mais il est dans quel dortoir, ce mec? Dortoir bleu. Okay. Mais t'as pas peur qu'il se venge de toi si tu le traites comme ça? Bah, on pourrait planquer ce que vous avez volé chez toi et comme ça c'est tout. Non, ouais, je sais pas. Ça m'a pas l'air safe, hein, ton truc. Alors moi je suis dans les dortoirs verts, il y a zéro homme qui rentre dans les dortoirs verts, c'est hyper grave. Mais donc, il pourrait le mettre dans ton sac dans la journée quand t'es là, t'es dehors, tu vois. Bah, il pourrait le mettre dans ton sac aussi à toi. Mais pourquoi il ferait ça? Moi je le connais pas. Toi t'as volé un truc avec lui et tu lui parles plus, c'est hyper dangereux. Moi je lui dis de le rendre, il veut pas le rendre. Il fait ce qu'il veut. Ok, bah donc on se retrouve à la Fiole Pleine ce soir, on parlera de toi au film. On voit un coup, on leur dira ton nom. On pourra même te coacher pour l'entretien. Quelle est la prochaine étape? Il n'y a plus de cours, là. On peut aller voir Invocation, mais je crois qu'il n'y a pas de cours. Je crois qu'on est censé rendre son badge à Ice of Glad, sinon il va... Tu peux passer vous voulez passer devant Invocation? Ouais, juste pour voir. Je regarde si c'est ouvert. Vous descendez, donc c'est... Oh, c'est le premier étage, donc vous descendez tous les étages. Vous passez notamment devant le cours de... le grand amphithéâtre, où il y a le cours de voyage spatio-temporel. Ah, je vais y aller. Mais il n'est pas dans la liste, lui. On veut bien y aller. Hein. Justement, il est, on ne le trouve que quand on ne le cherche pas. Ah bah on y va, attends, on s'arrête, on rentre. On va pas à l'invocation, pas, du coup. On ne cherchait pas, mais... Parce qu'après, on va le chercher, on ne le trouvera plus. Donc tu veux rentrer dire ça. Vraiment, on voit une porte ouverte et de la lumière, on y va. On pourrait essayer d'aller dans le futur pour voir si on a réussi à voir les pièges du sous-sol et tout. Mais peut-être du coup, on va mourir si on va dans le futur. Ou on va dans le passé jusqu'à quand ils ont construit les pièges. Oh, mais bon, à mon avis, il faut être bon en cours et on n'est pas toujours bon en cours. Comme il est midi, qu'il n'y a plus d'élèves dans le cours et que vous ne le cherchez pas, vous arrivez devant le grand amphithéâtre principal de la tour de l'univers, enfin la tour de l'univers grande université, où se tiennent des cours de voyage dimensionnel. Donc la porte s'ouvre et vous pouvez rentrer. Vous décidez de rentrer. Et donc il y a un cours, donc grand amphithéâtre, il y a très peu de gens, il y a 6 personnes. Et en plus, dont les 6 personnes, il y a le professeur qui a une robe avec des étoiles et qui a un chapeau pointu avec des étoiles, c'est un noir. Et il s'appelle Shazam et il dit bah alors, vous arrivez en retard, vous croyez que le temps est relatif? Installez-vous. C'est mon bref. Je suis trop content. Installez-vous. La porte claque derrière vous. Vous êtes maintenant enfermé dans l'amphithéâtre principal de la Cité du Savoir, immense mais presque vide. Que faites-vous? Bah, du coup, il y a un cours. On s'installe. Vous installez. Vous installez. Et on reste ensemble. Bien sûr, la même ligne. Donc, la même dimension. Il y a quelques étudiants. Pas de train qui dépasse. Quelques étudiants qui sont dispersés. Il n'y en a aucun qui est à côté de l'autre. Il y en a un qui est genre presque dans le coma. Il y en a un qui est en train de noter des choses.
Voilà, ils sont en train de, ils sont tous là, ultra bizarres. Et Shazam, lui, il est au centre de l'amphithéâtre, sur une estrade, devant un tableau noir recouvert de formules scientifiques que vous n'avez jamais vues. Et il y a, devant lui, il y a une machine étrange, avec plein de tubes d'engrenages. Et sur la machine, il y a un corbeau, qui, au moment où vous entrez, il est en train d'avaler une petite boule ronde. Hop, il l'avale comme ça. Et donc, Shazam est en train de parler, et il dit des choses que vous ne comprenez pas. Tu vois, il dit, ah, il y a une variation dans le champ, dans les bioturbines, etc. Il est en train de parler. Donc, il parle et vous êtes devant un cours incompréhensible. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Vous attendez que le cours s'arrête? On demande à Alix de parler au corbeau qui avale les boules. Le corbeau, c'est ta prophétie, là. C'est ce que ouais, mais juste la prophétie, je nous voyais là, et la voix me dit, le corbeau, le corbeau. Et le corbeau, il a mangé un truc. Donc, c'était pas une graine, on est d'accord, c'est un objet qu'il a avalé. C'est trop tard, maintenant. Boule. Une boule, oui. Bon. Vous faites rien de particulier? Bah, si, on va faire un truc avec le corbeau, non? Qu'à lui parler, Donc, parler au corbeau. Vas-y, parle au corbeau. Vous avez toutes une action pendant que Shazam fait son... Bah, tente en premier parler aux animaux. Si ça marche, on est gold, mais c'est pas souvent que ça marche. 32. Okay. Alors, elle commence à parler corbeau, et Shazam, il dit, ça va? Vous êtes pas concentré, là? On est en train de parler de réalité parallèle, voilà. Faites quelque chose ou pas? Ouais, moi j'observe la machine de plus près pour essayer de percer son secret. C'est une machine que tu n'as jamais vue auparavant et à l'époque, Shazam faisait des cours mais sans machinerie. C'est donc très étrange. Que faites-vous vous deux? Je fais rien. Moi je sors la corbouille Thomas Limas et je dis monsieur, je suis désolée. En fait, on vient de créer cette corbouille à l'examen de chimère et je crois qu'elle a un peu faim. Et je vois que vous avez un corbeau donc je me dis ils doivent manger pareil. Vous n'avez pas un peu de nourriture qui traîne là? Je dis, c'est intéressant, mais on en parlera tout à l'heure. Et toi? Moi, je lui pose une question. Si, excusez-moi, mais je crois que je ne comprends pas tout ce que vous êtes en train d'expliquer. Est-ce que vous pouvez le dire avec des termes un peu plus clairs et genre mieux m'expliquer à quoi la machine elle sert? Parce que franchement, je suis un peu perdue. Très bien, je vais vous expliquer. Et là, il y a un flash. Et vous vous retrouvez à rentrer dans l'amphithéâtre. Avec Shazam qui vous dit « Eh bien alors, vous croyez que le temps est relatif? Installez-vous !» Donc, qu'est-ce que vous faites? On s'assoit près le plus près possible du bureau et du corbeau. Tu t'assois le plus près possible du bureau. Pareil, à côté, ben, on regarde le corbeau manger. J'observe le. Le corbeau manger la petite boule. Ce que mange le corbeau en détail. Genre, j'aimerais savoir ce que c'est que cette boule. Et toi, tu fais quoi? J'essaye de ressortir de la salle. Moi, je vais me mettre à côté du mec qui comate et j'essaye de comprendre pourquoi il est en coma. D'accord. Alors, le corbeau fouille dans la machine. Il prend une petite boule bleue dans son bec et hop, il l'a avalée. Donc, toi, t'as vu ça aussi. Toi, t'as dit que tu faisais quoi? J'essaye de sortir de la salle. Tu pousses la porte, mais elle est... excusez-moi le micro, mais elle est fermée. Okay. Et toi? Je me mets à côté du mec qui comète et je lui demande « Mec, ça va? Pourquoi t'es dans cet état en cours ?» Je suis dans une boucle temporelle depuis 60 heures, j'en peux plus. Mais comment tu vas sortir? J'en sais rien, j'ai abandonné, je veux juste dormir. Ah ouais, chaud. Que faites-vous? Vous avez encore une action pendant que Shazam fait son cours. Là, on est. Moi, je dis. Monsieur. Oui. Je crois que le corbeau, il vient de manger un bout de votre machine, là. C'est vrai? Ouais, un truc bleu. Je me demande ce que ça va faire. Bah, je sais pas. On va voir. Souvent, il y a des découvertes absolument extraordinaires qui se font quand on modifie des petites choses. Là, je sais même pas si la machine marche à la base. Vous l'appuyez sur le bouton? Ouais. Vas-y, t'appuies sur le bouton. Le regret est immédiat. J'appuie sur le bouton. Flash, vous retrouvez au début. Et le professeur Shazam vous dit: Hé! Vous croyez que le temps est relatif? Voilà. Qu'est-ce que vous faites? On se jette sur le corbeau avant qu'il mange la boule. Ouais, alors, le corbeau est à, on va dire, 25 mètres de toi. Quelle est ta technique pour... alors qu'il est en train de trifouiller dans le... Je lui jette... Tu fais un chevillus fragilus. Non, on n'a qu'une fois. Ouais, mais chacun un corbeau. Non, mais je peux lui jeter un truc dessus pour lui faire mal. Tu fais une lance, tu peux le transpercer de la lance. Je veux pas lui faire mal. Je visais à côté pour lui faire un peu peur, c'est tout. Alors tu lui lances quoi? Bah, ma lance, mais à côté, quoi, dans le mur. Non, t'as sinon je lui jette mon bouclier. J'ai pas de petit objet. Bah, attends, moi, j'ai deux haches, un bouclier. Moi, je peux lui balancer mon gant de fauconnier. Allez, ouais, au moins ça le tue pas, quoi. Combat à distance. Ah. C'est à droite. 80. Ah, putain, t'es chaud. Ouais, j'ai un faucon. Hein. Ah oui! 28. 28, tu envoies ton gant sur le corbeau qui, quand même, tombe sur le côté, ouais. Et Shazam dit que vous appelez comment? Vous appelez comment? Marcel. Non. C'est quoi cette violence envers Einstein, mon corbeau préféré? Ah
Einstein. Je vous mets un... Arrive, je on vient de vous sauver. Il trace un énorme F pour Marcel. Alors que Marcel, je sais que vous étiez le meilleur élève. Vous n'avez que des H jusqu'à présent. Maintenant, vous avez un gros F pour maltraitance envers les animaux. Attendez, voilà. Shazam. Oui. On a fait ça pour nous sauver toutes et tous d'une boucle temporelle qui était... Quelle boucle temporelle? Il y a zéro boucle temporelle. Mais... Les élèves sont vachement rassurés, par contre. Il y en a, ils se lèvent, ils vont dehors, tu vois. Okay. On vient de vous sauver, mais ça faisait 60 heures que vous étiez coincé dans une boucle parce que votre corbeau mangeait une petite boule. Ah, moi, j'ai pas Marcel, il mérite un A. Je suis pas du tout d'accord, mais bon... Vous pouvez pas le savoir. Pendant ce temps-là, j'essaie de choper discrètement une petite boule dans la machine. Donc, vas-y, fais un jet en discrétion. C'est pas passé ? Alors, tu prends la petite boule, quand même, et Shazam, il dit, qu'est-ce que vous faites ? Et là, retour au départ. Okay, le temps est relatif. Alors, attendez, je vais tenter un truc. Vous croyez que le temps est relatif ? Oui. Je vais tenter un truc avant qu'on répare la machine. Je suis désolée. Je vais voir l'étudiant dans le coma et je lui ouvre le livre sous le nez. Je vais des champignons. Comme ça, on voit ce que ça fait et après, on reboot. Okay. Donc, je fais okay. ça. Je vais voir le mec qui est pas bien. Ah oui, et on peut je lui dis, tiens, il est marrant ce livre. Et je lui ouvre sous le nez. Alors, et moi, voilà. Et je retiens, je respire pas. Il y a plein de spores qui sont en train de se déverser partout. Tu vois, il se lève comme ça. Et il pousse des grands cris. Et le corbeau s'envole de terreur. Non. Et il en pousse des grands cris. Il a des spores un peu partout. Et surtout, les spores s'étendent sur l'estrade et sur ses livres qui sont en train d'être mangés par tout le monde. Si d'ailleurs vous vous approchez, les spores sont en train de gagner la surface de. Moi, je cours prendre une boule dans la machine pour reboot direct. D'accord. Tu prends une boule, ça reboot. Alors, le temps est relatif. Maintenant, on sait. Bah, ouais. On sait pas vraiment, mais en tout cas, ça fait un peu. Bon. On sait pas pourquoi. On est coincé. Bon, bah, on refait le truc du gant de fauconnier. Bah... Et tu dis que tu t'appelles Simrul. Ah ouais. T'es forte en combat à distance, à mon avis. Allez, t'as toutes tes chances. Je refais mon gant de fauconnier. Et c'est un 64. Cette fois-ci, c'est Simrune qui aura le gros F. Yes. Les élèves s'en vont. Vous êtes sortis de la boucle temporelle. Simrune a un gros F. Et Shazam dit quand même, cette violence, c'est incroyable. Donc, est-ce que vous avez bien retenu le cours d'aujourd'hui ? Oui. Oui. Oui, oui. Très bien. 60 fois. Vous avez des questions ? Oui. C'est quoi les petites boules à l'intérieur de votre machine ? Je ne sais pas. J'ai demandé, j'ai fait une petite liste l'autre jour, mais j'ai oublié la liste que j'ai mise sur la liste. Mais en tout cas, j'ai reçu ces petites boules qui m'ont été données par l'intendance de l'université. Finalement, j'en ai créé quelque chose de tout à fait intéressant. Normalement, nous devrions être en train de voyager dans le temps, mais ça n'a pas l'air de marcher. Je vais peut-être rattraper quelques petites choses. Est-ce qu'on n'est pas forcément tous en train de voyager dans le temps ? Exactement, à la vitesse de 1 seconde par seconde. Quel est votre nom ? C'est Marcel. Non, Marcel, je vous donne un à moi, Marcel. C'est déjà ça. Pas d'autres questions ? Cette machine, parce que en fait, ma mère a étudié à l'université, mais alors ça remonte, et elle me disait qu'à l'époque, elle m'a beaucoup parlé des cours de voyage dimensionnel, mais elle m'a pas parlé d'une machine. Du coup, je suis très intriguée. C'est intéressant que vous me parliez de ça. Quel était le nom de votre mère ? Non, j'ai une excellente mémoire de tous les noms. Ok. Et c'était Silly Joya. Je sais que Silly Joya est une étudiante, mais je ne me souviens pas de quand, effectivement. Bref. Effectivement, il y a quelques années, un peu comme quand j'ai travaillé pour. Je ne vais pas vous en parler exactement, mais j'ai fait quelques machines dont je ne dois pas vous parler absolument aussi. En fait, je vous le dis, hein, je suis le créateur des pièges les plus mortels qui se trouvent au sous-sol, mais peu importe. En tout cas, avant que je fasse cette phase machine, effectivement, je travaillais, on va dire, sans outils, juste avec les mains. Et là, les machines, c'est un petit peu c'est ma phase. Je ne savais pas qui c'est, mais je suis une sorte de Picasso et je suis dans ma phase machine. Voilà. Mais c'est très intéressant. Moi, je suis très impressionnée par ces histoires de pièges mortels. Enfin, voilà. Vous avez l'air incroyable. Je pensais même pas que c'était possible, en fait, humainement, de concevoir des machines qui se transforment en pièges mortels. Enfin, et qui, en plus, j'imagine, durent dans le temps, parce que l'idée, c'est de protéger durablement. Oui, quoi. Et puis, sont impossibles à traquer, sauf si on a le secret ou la méthode. Quoi. Mais le voyage dans d'autres réalités est un piège mortel. Il suffit, par exemple, que j'ouvre une porte sur... le froid cosmique entre les astres et je vous dis d'y en pénétrer et puis vous resterez bloqué entre les soleils pendant toute l'éternité. Et comment on ferait pour s'en sortir dans ce cas-là ? À moins d'être un expert en ouverture de portails spatio-temporels comme moi, ça c'est impossible. Donc vous pouvez créer des pièges que personne d'autre que vous ne peut déjouer, c'est ça ? Tout à fait.
Incroyable. Pas très loyal pour les gens qui essaient d'aller. Et donc avant, vous n'aviez pas de machine, vous faisiez tout avec vos mains. Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez nous apprendre comment faire avec les mains. Vous voulez fabriquer des machines? Non, plutôt si vous saviez voyager dans le temps. Alors pas beaucoup, hein, mais parce qu'on est première année. Mais vous voulez voyager dans le temps? Oui. Par exemple, reculer de quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes, ou avancer de quelques secondes. Quelques vous voyez, minutes, on casse quelque chose, hop, on revient. Il n'est pas cassé, on l'évite. Il réfléchit et dit... je crois que d'ailleurs, on devait se rencontrer. Vous êtes quatre personnes, vous travaillez pour... et vous voulez chercher des... Alors, il fouille dans ses poches et il te donne des objets qui ressemblent un peu à ça. Donc, comme à des pièces, à part qu'elles sont en métal argent. Et elle t'en donne quatre. Elle dit, voilà, je pense que c'est ça que vous avez cherché chez moi. Merci. Je vous en donne une chacune. Allez, Oust. Salut Shazam, merci beaucoup. De rien. Vous avez survécu à Shazam. Pourquoi les gens meurent? 60 heures de boucle temporelle, ça fait mal. Je pense que t'as faim au bout d'un moment. On est en milieu d'après-midi. Au terrain, on l'a fait, il reste quoi? On était sur la route des invocations. Il reste invocation. Mais oui, mais pas de cours l'après-midi. Donc, peut-être que si. On peut voir. On va check. Vous descendez à invocation, premier étage. Je vais voir s'il y a quelqu'un. Je sais qu'à chaque fois, je... On va y arriver. Terrain d'essai, bibliothèque. Ingvild. Tu veux vraiment pas les garder, tes jumeaux? Ah non, wesh. Va falloir qu'on fasse cette petite décoction. Décoction. Concoction. Ne vous inquiétez pas, j'en ai déjà fait pendant mes folles années. Dans ta vie étudiante. Je crois que je me rappelle bien comment on fait. Est-ce qu'on n'irait pas récupérer la dague chez Monkey Carnival au bout d'un moment aussi? Et j'aimerais bien aller chercher le bigouinfre, car les quêtes secondaires sont ma passion, donc je suis déterminée à régler ce problème de phasme. Et en immédiatement. Il y a d'autres êtres dans les toilettes, et du coup, il y aura peut-être le golem, comme j'ai vu dans ma vision prophétique. Et d'autres animaux, peut-être, parce que là, l'ours, a priori, par contre, it is dead. Bon, on est OK que ça va être compliqué de résoudre le piège de la porte qui ouvre sur du vide. Mais il nous a donné des éléments. Ouais. Et on a vu un truc qui nous montre comment marche un peu la machine. Il y a une pièce, si tu l'enlèves, t'es coincé. Si tu la remets, t'es plus coincé. Donc peut-être qu'on sera devant une machine cassée. Il faudra la réparer avec peut-être ce qu'il nous a donné. Mais mon avis, il va y avoir une histoire d'ordre ou de... Tu vois, c'est trop simple. Et on doit avoir une troisième indication, là. Celle-là, on l'a pas. Il nous manque le troisième piège. Il doit être en invocation. C'est quoi le premier? C'est un truc qu'on a raté. Ça, c'est la clé de la malédiction qu'on n'a pas réussi. Ouais, ou même les prophéties, on était nuls. Mais je crois que les prophéties, ils nous ont donné quelques indices sur les autres trucs, tu vois. Mmh. Genre le corbeau, le golem, l'ours. Vous descendez dans la salle dans la salle d'invocation pensant qu'il n'y a personne. Mais en fait, finalement, il y a quelqu'un, c'est un grand gars. Et il est en train de pleurnicher. Et il parle à lui-même et il dit, t'es fort, tu vas y arriver, t'es fort, tu vas y arriver. Mmh. Et c'est pas grave. Il voit passer, il dit, salut. Salut. On lui dit salut, ça va? Ça va pas? T'as pas l'air bien? Si vous pouvez me voyez, je suis le professeur d'invocation. Oh, pardon, monsieur, pardon. Vous êtes jamais venu encore? Vous avez l'air si vulnérable. On est nouvelle. Oui, d'accord, mais on est au milieu de l'année là. On n'a pas une super bonne mémoire, je suis désolée. On se voit tous les jours? Déjà, elle confond un peu les couleurs, donc je pense qu'elle vous a pas reconnu. Et moi, j'étais loin là. Je lui dis, j'adore votre toche violette. Je suis Shin Cosmos, je suis professeur d'invocation. Et tout va bien, la situation est sous contrôle. Ok. Vous avez des questions d'invocation? Vous aimez ça l'invocation? Dites-moi que vous aimez ça. Oui, on adore ça. Moi, j'adore. Ça me fait plaisir. Vous dites la vérité ou pas? En fait, ou alors vous êtes en train de ça juste pour dire que je suis que pour être sympa avec moi et... Non, je suis... Vraiment? Vraiment, ouais. Qu'est-ce que vous aimez dans l'invocation? Toute la partie du début. C'est-à-dire? Le commencement quoi de l'invocation. Le début du rituel de l'invocation ou les bases, les basiques? Non, le début du rituel, ouais. Non, le petit frisson qu'on a, quoi. Ouais, c'est ça. Quand on démarre le rituel et que tout s'enchaîne et qu'on... On dirait que vous en parlez comme si c'était votre matière préférée, pourtant je vous ai jamais vu. Comment ça se fait? Eh ben, parce que je suis assez discrète, hein. Je me mets en fond de salle. Moi, je suis attentive, mais je suis un peu introvertie, donc j'aime pas me... Vous êtes en train de parler et vous entendez des voix d'élèves à l'intérieur qui disent « Va, Chic Cosmos, on voulait pas être méchant avec toi, reviens !» Et ils disent « bon, je sais que tout va bien. »
Le cours va continuer si vous voulez rentrer. Ah oui, ouais, ouais, bien sûr. Donc vous rentrez et en fait, dans la salle, il y a depuis la matinée un groupe de sales gamins, des mu-capanus, qui sont en train d'essayer d'extorquer, vous comprenez, parce qu'ils sont en train d'activer le Shin Cosmos, des bonnes notes au prof en le bolossant. C'est-à-dire, ils lui disent « Vas-y, t'as pas d'amis, c'est pour ça que t'as choisi invocation, donne-nous de bonnes notes, on arrête de te faire chier, tu vois. » Et ils commencent à prendre leur nom et à dire « Bon, écoutez, vraiment, si vous venez plus m'embêter, est-ce que si je vous démets un B+, est-ce que ça passera ?» Tu vois, et il bégaye un peu, vous sentez qu'il est pas bien dans ses baskets. Est-ce que vous voulez intervenir ou laisser faire cette scène? Moi, je regarde intervient. Moi, je leur crie dessus et je les intimide, je les menace physiquement. Alors, on dit, écoutez, c'est n'importe quoi ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez pas parler comme ça à un prof, encore moins le mettre dans un état pareil. Tu es une kappa kappa gamma. Moi, je suis une kappa kappa gamma. Je ne supporte pas les mecs qui se pensent au-dessus de tout et qui font n'importe quoi comme vous. Donc, je vous préviens. La masculinité toxique, ça va deux minutes. Sinon, je vous démarre. Alors, t'as le chef. Ils sont quatre ou cinq. T'as le chef de la banque qui s'appelle Renny Fonge qui se lève. Et il dit, toi, tu me fais pas peur. Je sais pas qui t'es. Et il te donne une petite gifle. Il est assez grand, ouais, il a un coup un peu... D'abord, t'es qui ? Tu sais quoi ? Il va nous donner notre A, et tu vas nous laisser tranquille. Et toi, tu vas me présenter tes excuses, tiens. Ah, mais toi, tu penses que je vais m'excuser ? Mec, je vais juste te retourner immédiatement. Et maintenant, on se bat. Et je lance les dés. Vas-y, lance les dés, combat au corps à corps. À main nue. Et je lance. Alors, tu donnes quoi comme coup ? Un coup de tête. C'est ma personne préférée. J'ai vraiment très envie de faire peur à ses potes parce que sinon ils vont se mettre à quatre sur moi. Je vais me faire. Nous on a reculé de deux pas, on connaît, on sait comment ça va se passer. Si on avait l'ours, ça vous avez pas été sympa avec c'est moi toute la nuit, s'il vous plaît. Me laissez pas me faire casser la gueule. Casser le nez là en l'occurrence. 28. Putain, un coup de tête et il s'effondre en arrière parce qu'il s'attendait pas du tout. Et d'ailleurs, c'est juste un élève de magie, même s'il est un peu costaud. Avec toi, t'es une Valkyrie. Et le mec, il tombe les bras en croix sur le sol et il est inanimé. Et là, effectivement, tous les autres s'en vont. Et le professeur se dit bah écoutez, ça se passe plutôt bien aujourd'hui. Il dit, bah écoutez, asseyez-vous. Vous savez, on n'a pas grand chose à invoquer aujourd'hui. Est-ce que je voulais faire un cours sur les golems? Est-ce que ça vous dit quelque chose, les golems? Oui. J'en ai croisé un en fait. C'est vrai? C'est étrange ça. Il avait l'air perdu. Il était plutôt gros ou petit? Petit. Un mini golem, à peu près 30 cm. Alors qu'est-ce que vous savez sur les golems par exemple? Ce sont des petits êtres en pierre. Ou grands êtres. Grands êtres. C'est des créatures de glaise et on leur insuffle la vie en écrivant leur nom sur leur front. Et si ça s'efface, et du coup, ils sont sous notre contrôle. Mais si ça s'efface, ils sont plus vivants. Il dit, vous savez que je suis un spécialiste en golems. J'ai créé des golems pour la sécurité de toute l'université. Mais c'est pas des automates, la sécurité ? Non, la sécurité, les automates, ils viennent de Kniga. Mais je vous parle de créatures de pierre animées qui n'ont pas besoin d'entretien, qui peuvent vivre pendant des centaines d'années. Wow. Mais c'est bizarre parce qu'on ne les voit pas du tout sur le campus. Et oui, parce qu'ils gardent les secrets les plus précieux. Mais vous aussi, vous saurez un jour apprendre à faire des golems, mais c'est beaucoup de travail. Déjà, il faut créer un être de pierre d'une taille de 2 mètres, donc c'est quand même très long, mais après, il faut faire des petites choses. Est-ce que vous avez des questions générales sur ces créatures fantastiques ? Mais du coup, c'est invincible, les golems, quoi. Ça a l'air incroyable de savoir créer des êtres invincibles. C'est pas que c'est invincible, c'est juste que, imaginez un être humain qui fait 3 mètres de haut et qui est tout en pierre, et qui peut donner des gifles en pierre. Alors, donc, comme votre coup de tête, ça ne pourrait pas faire grand-chose. Oui, mais moi, mon coup de tête ne pourrait pas faire grand-chose face à un golem, par exemple. Quoi. Voilà. Je serais très démuni. Mais les golems, ils ont bien un point faible. Oui, ils ont un point faible. Est-ce que vous connaissez déjà, culture générale, en off, est-ce que vous connaissez le point faible des golems ou pas? Moi, je croyais que c'était le truc du nom. Que tu leur inscris sur le front un nom ou le mot vie, je ne sais pas, et que quand ça s'efface... Quel est votre nom? Marcel Glad. Marcel, quelqu'un d'autre. Moi, je suis Team Marcel. Mais bah, il est fort, Didier. Mais Marcel... fais tout ça pour piquer les examens, pour qu'il ait des A. Je suis Marcel. Marcel, très bien. Je vous mets un A exactement. Pour donner vie à la créature de pierre, il faut inscrire un nom magique que je ne peux pas vous apprendre parce que je ne peux pas permettre aux gens de faire des golems. Je me donne ça aux dernières années. Vraiment, qui ont ma confiance. Si vous continuez à être aussi forte, je vous le dirai. Par contre, effectivement, si on arrive à effacer ce nom, dans ce cas-là, le golem perd la vie. Ouais, mais dans de la pierre. C'est-à-dire, il faut y aller avec un burin et... Il n'est pas gravé dans la pierre, il est juste inscrit avec du... Il n'est pas gravé dans la roche. Inscrit avec quoi? Avec mon propre sang. Ah, mais donc du coup, un petit coup de polish et ça... Oui, les golems sous la pluie, ça ne marche pas, quoi. Exactement, il faut qu'ils soient dans des lieux clos. Par contre, effectivement, le problème, c'est que
Il a quand même le temps de vous écraser, le temps que vous vouliez donner un petit coup de polish. C'est pour ça que c'est quand même des gardiens assez, assez forts. Sauf si on fait une douche sur le golem. Enfin, je veux dire, oui, oui, théoriquement. Oui, si, hein, si effectivement, vous arrivez à le mettre sous la tête sous l'eau, par exemple. Voilà. Et est-ce que vous avez des conseils au moment où on crée un golem pour les erreurs courantes de débutants? Deux jambes, deux bras, ça c'est bien. Si vous en faites plus ou moins, c'est compliqué. Okay. Également, si vous ne faites pas les yeux, ils ne pourront pas voir. Okay. Et si vous mettez une bouche, il pourra parler ou crier. Enfin, il pourra surtout crier, en fait. Donc, c'est intéressant. Voilà. Et on peut en faire de toute taille, du coup, si on veut. De toute taille, de petits aussi. Mmh. Ou des gros. Même, on pourrait faire... Il paraît que dans le Coest, donc un pays de sorcières, les sorcières ont créé un golem qui était grand comme trois maisons. Ouh. Ça doit être immense. Oui, et grâce à ça, les sorcières ont chassé tous les chevaliers du fief du rideau et pose un gros problème. C'est une sorte de golem géant. Mais du coup, il est dehors? Oui, il se balade dans les montagnes. Pas dans le Coest? Pardon? Il peut jamais pas dans le Coest? Je ne sais pas comment elles font. Peut-être que quand la rune s'efface, elle réinscrit. Ou peut-être qu'elles lui ont fait un parapluie au-dessus de la tête. Oh, il suffirait de faire un parapluie de pierre au golem. Alors, c'est astucieux, cependant, c'est compliqué quand même de tailler de la pierre. Et là, je crois qu'elles l'ont fait à partir de boue. Oui. Il faut que la créature soit parfaitement formée et après, il faut lui donner vie. Ok. Je sais que vous ne pouvez pas nous donner le mot, mais je suis curieuse et vous voyez, j'ai une passion pour les golems. Je suis tellement contente que ce soit le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi il ressemble, ce mot? Genre, c'est un mot qui ressemble à tel mot. Non, je ne vous dirai pas le mot. Non, non, mais pas dire le mot, mais dire c'est un mot qui ressemble à... Est-ce que c'est un verbe? Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce qu'il est court? Est-ce que ça rime avec quoi? Est-ce que c'est un vrai mot? Est-ce que c'est un mot inventé? Je vous vois venir, je ne vous donnerai pas le mot. Ok. Bon, dommage. Est-ce que, avez-vous d'autres questions pour le pauvre Shin Cosmos ou est-ce que vous voulez aller à un autre endroit? Eh bien, Là, on est à la fin de l'après-midi. Ouais. Moi, j'ai plus... C'est bon? On n'a plus rien à lui demander? On a fait tous les points. Ouais. Par contre, ce qui m'emmerde, c'est que les trois prophéties qu'on a eues, il y en avait une avec l'ours éventré. Donc je pense qu'on va se taper la chimère ours comme piège. Mais et non, ça, on l'a pas... Elle a fait un jet de dépourri et du coup, ils lui ont montré son cauchemar, je pense. Mais on a toutes fait des jets de dépourri. Ah non, non mais moi, c'est... sur les... Ouais. Sur les jets d'accord. Enfin, bon, c'est après, bien. Moi, je dis ça. La récitation de prophétie. Non, on va voir Monkey Carnival. Je pense que... Est-ce qu'on peut faire ma potion aussi? Ah oui. C'est vrai qu'on peut. Tu seras enceinte demain. On va au dortoir de mon carnival et après on rend son badge à Ice of Glad et on se tire. Je sais pas. J'ai hâte que vous repoussiez la potion pendant 9 mois. Dortoir bleu, non, du coup. Ouais. Dortoir bleu. Moi aussi, je confonds un peu les couleurs. Vous allez au dortoir bleu, moment où la plupart des gens, des garçons qui ont terminé leur journée, vont aller à la cité universitaire. Parmi ces gens, vous ne voyez pas Ace of Glad qui est dû rester dans la cité universitaire toute la nuit parce qu'il n'a pas pu rentrer, il n'avait pas le médaillon. Cependant, voilà. Ça ne change pas beaucoup son programme de la journée. Vous rentrez dans les dortoirs bleus, alors il y a quelqu'un qui vous arrête et dit « Hé, les Kappa Kappa Gamma, qu'est-ce que vous faites là ?» Parce que vous avez des robes de Kappa Kappa Gamma. Ah bah oui. On voulait venir inviter un copain à la taverne de la Fiole Pleine. Il s'appelle comment ce copain? Ça me dérange un peu de le dire. Ok, vas-y, tu peux y aller. Donc, il vous fait rentrer. J'étais prête à glousser sinon pour leur faire croire que c'est vraiment que des amourettes. Qu'est-ce que vous cherchez? Monkey Carnival. On cherche une indication de la chambre de Monkey Carnival, ouais. Alors, il n'y a pas de nom avec Monkey Carnival. Il y a beaucoup de chambres? On va dire qu'il y en a 20. Ça fait beaucoup. Il y a des gens, il y a des gars encore? Il y a 2-3 gars qui traînent. Ok, on leur demande. Ouais, on va aller voir en gloussant. Okay. Alors, tu veux y aller en gloussant? Je fais 2 mètres et je suis chauve et j'ai plein de muscles. C'est alors, moins que... T'es le sosie de la meuf qui se tape Ace of Glad et t'es tellement misandre que j'aimerais trop te voir glousser. Je peux le faire juste pour toi, mais je le fais en te regardant par contre. Parce que sinon, je peux pas y croire. Tu veux glousser? Ouais. Vas-y. C'est lui. Ah, la Kappa Kappa Gamma chez nous, c'est ça? Ouais. J'ai un petit truc à faire, mais j'ai besoin d'aide de votre part. Qu'est-ce que tu veux? Je cherche la chambre d'un mec qui s'appelle Monkey Carnival. Je l'adore. Alors, si tu cherches Monkey Carnival, ouais. Il est déjà parti à la taverne de la magicienne joyeuse. Mais tu peux rester avec nous, on s'éclate bien. Je pense que je vais rester un peu avec vous, mais d'abord, j'aimerais bien lui mettre un petit mot dans sa chambre avant de partir. Parce que, je l'aime vraiment trop. C'est au premier étage, c'est la chambre avec l'aquarium. Ok, bon, on se retrouve après alors. Mais oui, en plus, on a vu cette info.
Bravo, c'était incroyable. C'était magnifique. Je suis très heureuse d'avoir vécu ce moment. On avait l'info aquarium qu'on aurait pu utiliser sans vrai. Je suis très fière d'avoir boosté pour la France entière. Vous faites les chambres une par une, et puis il y en a une avec effectivement un bel aquarium et deux poissons rouges dedans. Enfin, un aquarium carré assez long, de 1m20. Et c'est des poissons rouges allongés, c'est pas des petits poissons rouges. Tu veux leur parler? Alors, c'est vrai? Non. On ferme la porte, et quelqu'un doit... Une épuisette, un seau. C'est vrai? On vole ses poissons. On ferme la porte, mais quelqu'un doit faire le guet, je pense. Ouais, moi je fais le guet. Tu fais le guet? Ok, tu mets ta capuche et tout, comme ça on voit pas trop. Mais bon, tout le monde voit que t'es une capa capa mon cul, cela dit. Que t'es une... Oui, mais après je suis là en mode... Non, mais c'est ma copine, elle fait une surprise. Je dis que j'ai mes règles, tout le monde sera en mode... Ok, donc je suis dans la chambre, je voudrais chercher cette dague. Alors, il y a un lit, deux armoires, il y a des lattes de plancher, il y a le fameux aquarium, il y a un bureau de travail et il y a quelques livres. Il y a du sable au fond de l'aquarium ? Il y a du sable et des petites plantes. Assez de sable pour qu'une dague puisse y être cachée. Tu fouilles dans l'aquarium. Je fouille. Tu trouves la dague d'Ingvild. Oh non ! Non, c'est bon, ça va. Tu trouves, effectivement, alors attention, tu as la dague d'une miséricordieuse, dague d'Ingvild, qui irradie d'un pouvoir noir en creux de tes mains. Et elle est mouillée aussi, mais bon. Ah non, mais il faut qu'on s'en débarrasse à zap. Hein. Moi, je veux pas garder ça. Mais elle va être assortie à mon bouclier. Je la donne à... Je la donne immédiatement. Note que t'as la dague d'Ingvild. Tiens-moi ça, s'il te plaît, ça te va bien. Voilà, donc note-le, c'est toi qui l'as. Ah, je l'adore. Je la regarde comme ça, avec les yeux qui brillent de... Pendant ce temps, est-ce qu'on essaye de lui voler un peu de thunes parce que c'est une école de gosses de riche. Il y a un bureau, tu m'as dit. Ouais. Bah, je dirais bureau. Je fouille le bureau. Tu trouves, lance un dé à 6 faces, tu trouves autant de pièces d'or que les. Waouh ! Mami ! 6. 22. Deux pièces d'or. Pauvre Monkey Carnival qui a rien demandé. Bah, ça rembourse la prophétie là. Ouais, de ouf. Alors ensuite, quelle est la prochaine étape ? Bah, tu veux les poissons ou pas ? Tu veux leur parler ? Non, on a peut-être pas le temps de parler à tous les poissons. Pas. C'est notre signature mou. Moi, je vais quand même essayer. On va se faire choper à cause de ça. Si le mec revient de la taverne et qu'on est là. Combien ? 95. 95. Est-ce tu parles aux poissons, et il y a un truc qui va pas. C'est que t'as deux poissons sautent du aquarium, de terreur. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je les rattrape et puis je les remets dans l'aquarium. Fais un jet de dextérité. De dextérité ? Bah oui, parce que ça glisse les poissons. 16. 19. Donc il y a un poisson que t'arrives à remettre dans l'aquarium et l'autre en train de sauter vers la fenêtre. Est-ce que quelqu'un veut l'aider ou pas ? Moi, oui. Bah oui, moi, je l'aide. Dextérité ? Je l'attrape, oui. Vas-y. À la main. Allez. Ça devrait bien se passer, j'ai 80. Bah, dextérité, moi j'avais réussi, hein, 19 sur 60. Oui, mais 1, il y en a 2. Ah oui. 62. 62. Elle réussit à rattraper l'autre poisson, elle le remet dans la com. Il y a un des poissons qui va plus très bien là. Mais bon, c'est comme ça. Quelle est la prochaine étape ? Est-ce qu'on est greedy, on fouille tout ou est-ce qu'on y est juste, on s'en va ? On s'en va, je pense. Okay. Ouais. Parce qu'on a quand même une dague sur nous, donc bah, on s'arrête. Ouais, pas machin. Qu'on ait cette dague. Je préfère qu'on aille la planquer quelque part. Ouais. Ouais, on va la mettre à l'hôtel, on va pas la laisser. Tiens, lance un dé. Moi ? Un seul dé à 6 faces. Ouais. Oh, wow. Oh non ! Mais je fais le veille quand même. Oui, non, c'est bon, vous redescendez en bas. Toujours moi. Un. Un, et tu passes, vous sortez tranquillement, et un des mecs à qui vous avez parlé, toi, il dit, ah, on a les mains mouillées, mais il s'en fout. Ok. Bon. Vous dégoûtez avec vos poissons et vos dagues, okay. C'est tout. Ouais, on sent un peu la poisserie. Okay. Vous êtes dehors, la nuit tombe. Vous pouvez retourner au hibou malin ou faire autre chose. Et bah, moi j'aimerais bien qu'on retourne au hibou malin. Et t'entends la petite bête là des toilettes qu'on... Ah, ouais. Ah oui. Mais je me disais, on peut essayer de voir si notre corbouille elle mange les phasmes déjà. Ah ouais. Tu vois, et comme ça la nourrit, elle est contente. Après, il y a les petites, elle va pas bouffer tous les phasmes. Il y en a qui recouvrent l'hôtel. Bah, allez, on y va, hein. Moi je suis chaude. Vous retournez au hibou malin aux toilettes. Du rez-de-chaussée. Thomas qui le bigouinfre. Alors, il vous a dit quoi exactement ? Vous vous en souvenez ou pas ? Il a dit que c'était aux toilettes du rez-de-chaussée, que c'est un chien à une tête de chaque côté. Ouais, il fallait pas trop y aller parce qu'il y avait d'autres bêtes. Parce qu'il a laissé traîner d'autres choses dans les toilettes et qu'apparemment ça le dérange pas vraiment. Et du coup, vous retournez alors qu'il n'y a personne. Mais c'est pas grave. Donc, vous retournez. Vous faites il y a Suave qui passe en premier. Ouais, je passe devant. J'ai peur de rien. J'ai mis un coup de tête à un mec aujourd'hui. Mets ton bouclier quand même. Alors,
Comme c'est, à chaque fois je cherche parce que c'est je suis désolé. Le, peut-être c'est un petit porte-revue, non? Ouais, en plus en haut de chaque. Tu veux optimiser également. En haut de chaque truc, j'ai mis alchimie, tu vois. Mmh. Tu sais, avec des petites couleurs, par exemple, des intercalaires, ouais, tu vois, comme le lycée, tu vois. Je mets quoi en toilette, tu vois? Et bah, tu mets toilette. Là, j'ai chimère, Shazam. Les toilettes, c'est juste après Shazam. Voilà. Donc. Un magicien connaît l'importance de ces périodes de méditation. Il n'est donc pas surprenant que les toilettes de la cité du savoir soient conçues dans un esprit de sérénité, spacieuse, propre. Voilà ce que se dit Suave quand elle rentre dans les toilettes. Et il y a un carrelage, il y a du carrelage au sol, et tu ne vois pas du tout le teckel à deux. Mais tu vois une énorme créature monstrueuse de 2 mètres de haut, avec des ailes de cuir, une tête de taureau et un serpent entier en guise de queue. Le serpent, il a aussi la tête au bout de la queue. Voilà. Et elle est en train de, elle a la tête dans une cuvette de toilette, exactement. Et elle ne t'a pas encore remarqué. Qu'est-ce que tu fais? Je recule discrètement. Je ressors de cette tête. Qu'elle est gentille. Peut-être qu'elle est gentille. Mais en tout cas, il y a beaucoup de têtes, quoi. Donc peut-être qu'il y a une tête sympa et les autres pas trop. Je rappelle qu'en plus, il fait plutôt sombre puisque la nuit est tombée. Est-ce que ça vaudrait le coup d'aller à la bibliothèque se renseigner sur ce que bouffent ces machins-là? Ah, on aurait dû prendre des phasmes pour lui donner la pâte et tout. Mmh. On peut lui donner la corbouille. On a la corbouille, c'est dommage quand même. On rentre et on fera ça demain, non? Ouais. Peut-être pas obligé de se taper le gros monstre. Allez. Ouais. Et par contre, on a bien bossé. Est-ce qu'à la Bibli, on n'a pas des livres sur le voyage dimensionnel pour donner un peu plus d'infos sur ce dernier piège-là qu'on maîtrise moyen? Autant le golem, je peux lui faire une pluie d'eau dessus, je pense que ça va le faire. Mais ça, là, le voyage, je flippe. Bah, moi, je pense que ça ira parce qu'on a les pièces que Shazam nous a données, mais on peut y aller. Juste, moi, je ne vais pas rentrer dans la Bibli car je suis venue et maintenant, il y a un livre qui manque. Donc, je vous attends dans le jardin. Voilà. Okay. Je fume une clope en regardant passer les étudiants. C'est ouvert à l'intérieur. Donc, souvenez-vous que c'est une tour circulaire en forme de, on va dire, de disque creux. Non, ok, je leur cours après, je leur dis non. Quoi? Parce qu'hier, on n'avait pas de médaillon. On est venu, on n'était pas étudiante. Donc, est-ce que c'est pas hyper louche si on vient le lendemain avec des médaillons d'étudiants? Ah ouais, j'avoue, elle va nous reconnaître. Elle va nous cramer, hein. Est-ce qu'on a des capuches sur nos robes? Moi, j'ai une cape rouge. Meuf, moi aussi, j'ai une cape, mais bon. Je sais pas. Après, avec nos robes blanches et dorées, maintenant, je peux me faire passer pour Simon. Moi, je mets ma cape rouge. Allez, viens avec moi. Et je viens avec toi. Et tu vas aussi? Bah, tu m'as fait peur, non, du coup. Peut-être si tu vas pas, donne ta tenue Kappa à Isabelle. Ah ouais, je te file ma robe. Donc, il y a un employé, en fait, qui dit, bah écoutez, la bibliothèque est fermée de nuit. Vous pouvez pas nous interrompre. Par contre, alors, la porte de la bibliothèque est fermée, donc on est à l'intérieur de la tour du savoir. Par contre, si ça vous intéresse, à cet étage-là où il y a cet employé qui est en train de nettoyer le sol et la bibliothèque, il y a un passage vers le sous-sol. Oh. Ok. On y va maintenant ? Bah devant l'employé, genre ça, on va faire trois pièges. Je sais pas. L'employé n'est pas très attentif et il y a marqué. Si tu marches avec la confiance en toi et l'air de savoir. Interdit d'aller dans ce couloir, donc il suppose que vous n'y irez pas. Personne ne va y aller. En vrai, je trouve ça risqué, mais je suis pas sûre qu'on aura plus d'infos. Bah ouais. Moi, je pense qu'on a toutes les infos là. Ouais. C'est le moment. Hein. Ouais. Et puis, moi, je pense qu'il nous manque des infos, mais on pourra improviser après. Après, si on meurt toutes les quatre dans le vide cosmique, il y aura. On va piquer des examens pour l'autre branleur, ça. Mais j'avoue, peut-être qu'on peut réfléchir à cette. Bon, on rentre à l'hôtel. Vous vous rendez pas compte des trésors qu'il y a dans le sous-sol. Il faut y aller pas que pour les examens. Faut y aller pour les trésors et le prestige. Vous avez pas peur de crever? Bah si, mais bon, la vie est une aventure. On aurait pu crever. Bon, qui est pour aller au sous-sol? Moi, je suis pour y aller demain parce que j'aimerais bien qu'on puisse. Demain, oui. Moi, je suis chaud. On a deux oui. Moi, non. Pas pour l'instant. Je crois qu'on n'a pas assez d'infos. Alors, un non ferme, un oui, mais demain, oui, mais et deux demain. Oui. Comment on fait quoi? Il faut trancher, je peux pas trancher. Bah non, on y va direct suite ou on y va demain? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on va faire en fait en attendant demain? Moi, j'aimerais bien ramener la corbouille et prendre un peu soin d'elle parce qu'à mon avis, elle va crever parce qu'on nous a dit qu'elle est fragile et bébé et nous, on est là, yes, on va juste faire notre vie du coup et faire des duels et des matchs. Okay, Et voir si elle mange des phasmes accessoirement. On pourra ramener des phasmes en revenant pour le coinfre. Et puis juste, on est reposé, c'est le matin et on n'est pas le soir. Où j'ai Après, pas. J'avoue que c'est mieux d'y aller la nuit que le matin. Quoi. Ça va être compliqué d'y aller avec des employés. Si le couloir est dans la bibliothèque, il va y avoir Everius avec son truc de verre où il voit tout et tout. Il nous reste combien de jours avant les examens? Demain, il restera plus de 2 jours. Il faut qu'on rende son badge à Marcel en plus. Ah oui, il y a ça aussi, c'est que demain, on aura peut-être plus de badge entre Isabelle qui peut pas aller en cours et Marcel. Si vous voulez y aller, on y va.
Mais donc, la corbouille, j'avoue, c'est à toucher une corde. Bon, je regarde comment va la corbouille, comment elle va. En fait, la corbouille, elle vient de naître en quelque sorte. Donc, oui. elle est plutôt dans cet état-là. Ok. Je veux pas vous décourager, mais en tant que MJ, je trouve ça hyper perturbant que la corbouille ce soit genre le truc qui vous décide d'avancer ou pas. Si on avait un bébé avec nous, tu nous dirais bien. Attention, vous avez un bébé avec moi. Oui, d'ailleurs, c'est ce que t'es en train de nous dire. Oui, non, mais d'accord. Elle est fragile. Elle vient de naître. Elle est fragile. Après, moi, je dis, mais n'emmène pas. Tant que vous la mettez pas dans un bloc d'acide. On n'emmène pas un bébé sur un champ de bataille. Oui, mais demain on aura le même problème. Non, parce qu'on peut la laisser à l'hôtel. Moi, j'ai pas. Mais c'est un bébé. Elle va se barrer. Elle va se faire voler. Elle va avoir peur. Si on y va. Je la mets dans un petit tissu. Alors, on est pour trois qui y vont finalement contre un qui n'y va pas. Bon, bah allons-y. Alors, Louis Mitchell n'est pas d'accord. Louis Mitchell n'est pas d'accord, mais vous descendez. Eddie Mitchell. Louis Mitchell, secrètement. On va faire le truc. En fait, c'est un escalier en colimaçon. Oh là là. Qui vous conduit à une porte en métal clouté sans poignée. Juste une épaisse serrure en son centre décorée de motifs fleuris. Il en émane une pâle lueur qui ne laisse aucun doute quant à sa dimension magique. Et il y a un petit panneau dans lequel il est marqué, vous pouvez tous lire, accès interdit, sous-sol de l'université. Ben, on a la clé. Ouais, c'est presque comme si c'était autorisé. Alors, tu as la clé. J'ai envie de sauvegarder. Ouais, j'ai envie de sauvegarder de ouf. Okay, j'étais pas prête, genre, j'étais là, ok. On peut aller chercher la machine. Est-ce que tu peux faire un jet de magie, genre pour savoir... Je tiens à dire que je suis pas capable de vous sauver avec la magie d'une situation de merde, hein, mais je veux bien faire un jet. Non, y a... Moi, j'ai une dague et du poison mortel en soi. Qu'est-ce que vous voulez faire, dites-moi. Bah, on met la clé dans la porte. Attendez, juste une petite question. On a de l'eau sur nous, bah on s'en fout. Si c'est important pour le golem, parce que moi je peux pas créer de l'eau nulle part. Par contre, une fois que j'ai de l'eau, je peux la transformer en pluie et tout. Mais moi j'ai une épuisette et un seau. Oui, c'est bien. Alors on va chercher de l'eau aux toilettes avant de passer la porte, s'il vous plaît, pour mettre. Ok. Peut-être dans une fontaine plutôt que les toilettes. Vous voulez pas qu'on aille On la met dans la fiole vide de trucs de remède. Un peu plus d'eau, donc le seau c'est pas mal, je pense. Le seau. Un seau d'eau. Seau d'eau. Tu vas chercher un seau d'eau. Et ensuite, vous avez votre seau d'eau, vous êtes devant la, vous êtes devant la porte. Je vous écoute. Et bah, vous voulez pas qu'on vole la machine de Shazam et on part avec comme ça. Mais non, c'est pas l'utiliser. Une boule temporelle et on va pas, tu vois. Ça, c'est un problème, on enlève une boule. On récupère. Ouais, trop bien. Après, ça dépend quelle taille elle fait. On vole Shazam, on va se faire cramer, il est zinzin. C'est pas une mauvaise idée. En 2048. C'est pas une mauvaise idée, mais la machine est un peu grosse. C'est lourd. Ouais, c'est lourd. Ouais, même pour moi, c'est. Non, mais faut qu'on y aille, les meufs, là. C'est bon. Bon, ok, on vole pas la machine. C'est qui a la clé? C'est moi, non? Tu mets la clé dans la porte? Alors, tu prends la clé. Ouais. Et près de la serrure, je sais quoi. C'est un peu tard, mais on va continuer un tout petit peu. Je vous demande un peu de patience. Non, le cliffhanger n'est pas encore pour maintenant. On va devoir se passer. tu mets la clé et la clé en fait elle commence à se colorer et la serrure se colore aussi et elle se colore un peu aléatoirement. Donc en gros la clé elle passe du rouge au jaune et au bleu et la serrure elle clignote aussi mais pas à la même vitesse et elle passe du vert au violet et à l'orange. Donc en fait rouge jaune bleu. Rouge, jaune, bleu, tu vois, en boucle. Ouais. Vert, violet, orange, vert, violet, orange. Donc, tu peux insérer la clé quand elle correspond à une couleur. Mais il faut me dire quelle couleur. Alors, ok. Bah, il faut que ça corresponde. Il y a une histoire de couleur. De ouais, le rouge et du jaune, ça donne du orange. Bah, oui, c'est ça. Du vert, donc, il faut l'insérer au moment où la serrure correspond à la couleur. Ah. Oui. Attends. Il faut que quand ta clé est rouge, tu l'insères, elle devient jaune, bim, la serrure est verte. Tu vois, je pense qu'il faut que ça soit ça. Un truc comme ça. La clé est rouge. En gros, il faut soit que la clé soit jaune et la serrure verte, soit qu'elle soit rouge et que la serrure elle soit violette. Ouais. Soit qu'elle est rouge et que la serrure soit orange. Ouais. Et bleu-vert aussi. C'est quoi la logique? C'est les couleurs. C'est des combinaisons de couleurs. Primaires. D'accord. Alors dis-moi ce que tu fais par exemple. Tu insères la clé quand elle est de quelle couleur par rapport à la serrure? Vous avez dit quoi? Quand la serrure est violette et que la clé est rouge. Rouge. Donc c'est ce que tu fais. Ouais. C'est toi, Alix, Isabeau qui met la clé à ce moment-là? Attendez, non. Vous êtes d'accord avec ça? Non, attends. Orange, c'est rouge. Oui, mais en la gros... clé est rouge. Elle va passer au jaune et... la serrure va passer du violet au orange et le passage du rouge au orange se fera au moment du rouge au jaune se fera au moment. Alors c'est pas une transition ça fluide. Ça clignote rouge, après c'est jaune. Et ça clignote en même temps ou c'est en décalé? C'est décalé, ce qui fait que tu peux mettre quand tu veux. Ok, donc
entre le rouge et le jaune, il y a le orange. Après, entre le jaune et le bleu, c'est le vert. Non ? Bah non, c'est la vert. La serrure, elle fait vert. Bleu et rouge, c'est violet. Ouais. Donc en fait, j'insère la clé quand la serrure... Quand elle a clignoté rouge, la serrure est orange. C'est quoi la logique ? J'insère. Attends. La clé rouge dans la serrure orange, c'est ça que tu dis ? Bah non, si c'est en décalé. Moi, je dirais qu'il faut d'abord que ça clignote rouge, puis que ça clignote jaune, puis que ça clignote orange. Quoi ? C'est pas possible. En fait, qui clignote orange. Moi, j'ai besoin d'avoir une combinaison de couleurs. Par exemple, clé rouge avec. Rouge. Serrure verte, par exemple. Alors, en fait, entre le rouge et le jaune, il y a le orange. Oui. Entre le jaune et le bleu, il y a le violet. Le vert. Et entre le bleu et rouge, il y a le violet. Donc, on a. Si la clé est au bleu, tu l'insères quand elle est violette. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est ça. Bleu violet. Donc tu attends que la clé soit bleue. Non, il faut. Tu attends que la clé soit bleue. Non mais je pense qu'il n'y a pas besoin de calculer à quelle couleur ça va passer après, tu vois. Mais juste la clé. Ouais. Et jaune et bleu, ça fait vert. Ah oui. La conversation ne veut rien dire. Non mais si j'ai compris. En gros, si la logique c'est, on a qu'à mettre la clé à un moment où la serrure a une couleur qui est fabriquée avec la couleur de la clé. Le problème c'est que chaque couleur en fait deux. En fait, je sais pas s'il faut la mettre entre ou s'il faut la mettre après. Est-ce que la clé bleue, tu la mets dans la serrure violette ou dans la serrure verte, quoi ? Ouais. Ou dans la serrure orange, puisque c'est la seule qu'elle ne donne pas. Ah, et du coup, intéressant, ça donne quoi, bleu et orange ? Non. Bah non, c'est bleu et rouge. J'ai l'impression qu'on a trop réfléchi, on sait pas. Ouais, on se fait un nœud de cerveau. En plus, j'insère quand c'est... Ce qui se passe. La clé est rouge... J'insère sur du violet, parce que je dis bleu plus rouge égale violet. Donc à la fin, ça fait violet. Quand la clé est rouge, tu violet. Insères sur la serrure violette, c'est ça ? Ouais. Tu fais ça, tu reçois une décharge d'énergie, tu perds un point de vie. C'est pas la bonne combinaison. J'ai cru que ça allait alerter tout le monde et on a la dague de la zinzin là, donc je suis pas sereine. Ah ouais, on est parti avec la dague. Ouais, mais je me dis, on pourra peut-être planter des trucs. Bah alors, faut entre, c'est pas un résultat, c'est entre. C'est entre, genre entre le rouge et le jaune. Non, vous pouvez pas faire ça. Serrure... Ah, ouais. Mais si, c'est ça. La clé rouge va entre le violet et l'orange. On peut pas faire ça ? Non. Entre les deux flashs de violet. Il faut vous associer deux couleurs. Ok. Deux couleurs. Donc les deux. Attends, là, on vient de faire quoi ? Bleu et violet ? Non, pas rouge et violet. Pas rouge et violet. Bah alors, attends. Ou sinon, c'est la couleur qui ne correspond pas. Donc c'est rouge et vert. Jaune et violet. Orange et bleu. Ouais. Ok. Et bah, entre rouge et vert. Est-ce que quelqu'un veut essayer, pareil ? Ouais, parce que moi, j'ai de perdre. Moi, j'ai 9 points de vie. Salma, tu mets quoi ? Moi, j'ai plein de points de vie, je peux faire. Alors, Suave, tu... Donc, on essaye des couleurs qui sont complémentaires. Ouais. Pas ensemble. Qui vont donc, pas tu mets quoi ? Bleu et orange. Comme ça, on utilise. La clé est bleue. Ouais. Tu insères dans la serrure orange. La serrure tourne. Ah, la porte s'ouvre. Vous arrivez dans les sous-sols où se trouvent plein de trésors. Et évidemment, ce sera dans un mois. Oh ensemble. Mais oui, c'est dans un mois et en plus, je vais vous dire, il est genre 23h50, non, 22h50, donc c'est méga tard. Je suis désolé que c'est si long, mais au moins vous êtes arrivé là où sont tous les trésors et aussi les réponses des examens qui vont vous permettre de réussir votre mission. Non, voilà. Je peux pas attendre un mois, c'est horrible, je vais attendre un longtemps. Merci. Alors, on va pas se partir, se quitter trop rapidement. Est-ce que ça s'est bien passé ce soir ? Vous avez kiffé ? Ouais, j'ai adoré les cours. Les cours, c'est trop une bonne mécanique. Trop bien. Et les cours qui te donnent des indices pour les pièges de la fin. Parfait. Merci les auteurs. Ouais, merci Vincent. Ouais, c'est un scénario de Vincent. Bien. J'ai oublié d'en parler. Excusez-moi. Vincent Estria, effectivement, qui s'occupe du scénario. Est-ce que vous avez une matière préférée, finalement ? C'est vraiment chimère ? Moi, j'ai adoré les prophéties. En vrai, mon premier Doug, ma préférée, c'était les prophéties. Ouais. Le truc des rimes et tout, ça me kink. Ouais, j'aime bien aussi. Ouais. Voilà. Combat magique, on n'a pas encore pu faire. Non, on l'a pas fait, mais... Dommage, bah, demain, parce que ça nous aurait peut-être servi. C'est pas mal d'apprendre à faire des malédictions aussi. Moi, j'ai bien aimé ça. Bon, cela dit, si vous êtes perdu dans les sous-sols, vous pouvez remonter. Hein. Oui. Voilà. Sauf maintenant, si c'est une faille spatio-temporelle et qu'on est sur Mars. Bon, quoi qu'il arrive, tu perdras tes jumeaux. Hein. Ils ont été prophétisés comme qu'ils ne naîtront pas. Ouais. Donc... Oh non, demi-dommage. elle va les perdre, mais on ne sait pas si elle va les perdre pendant la grossesse. Peut-être elle va les perdre juste après. Je sais pas, c'est vrai. Ah, mais c'est horrible. Désolée. Non, c'était est-ce qu'ils naîtront ?
Non, c'était ouais, Skinless. Okay, okay. Ah, on verra bien. Donc, en tout cas, on se retrouve dans un mois. On n'aura plus Marie avec nous, donc je ne sais pas. En tout cas, il y aura Bao, donc voilà, il y aura encore des belles choses. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, la régie, vous pourrez rendre l'antenne. C'est parfait.